Pile poil à l'heure pour le... Pile poil à l'heure pour le roll call. On n'a pas une musique de Peter. Ouais mec, je vais pas pouvoir la lancer en vrai là, avec le setup que je suis là. Là c'est complicado pour la lancer là. Je vous le dis. Ah c'est vrai qu'il y a pas de... C'est vrai que le parking il est... Je viens de me rappeler qu'il est pas là. Si je me gare là, je vais me faire jarter ou est-ce que je vais... Non, la dernière fois je me suis garé là, je me suis fait jarter. Non, je vais pas me faire jarter cette fois-ci. C'est mort. Et salut à toi, mode, merci pour le follow, bienvenue. La dernière fois je me suis fait jarter là, ma voiture j'ai pas retrouvé, il fallait se garer devant là, c'est ça. Ce PDP, il me plaît moyen, en vrai. Ok. J'ai dû remettre mon nouveau. Ouais, on va passer une très bonne soirée, ça c'est sûr, Sissim. Tu peux compter sur Raïs, let's go. Peut-être que j'ai rêvé trop grand. Les gens rigolent, les gens me disent de me... faut que je me mette en service. Hop là. Normalement, je vous ai configuré pour que vous ayez quand même le MDT. Là, vous voyez le... Pas le MDT, là, vous voyez le MDT. Là, vous voyez le MDT, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc, je peux me mettre en service ici. Je vais me mettre en service là aussi. Ah, il faut que je paramètre le truc qui fait que quand il y a du son, on m'entende. Putain, c'est où qu'on fait ça? Merci à toi, Yasri, pour le follow. Merci beaucoup. C'est où qu'on fait ça, déjà? J'ai un doute. Vous savez pour que... Hop, et comment ça va, collègue? Bien. Merci beaucoup, je vais très bien. Merci pour votre sollicitude et vous-même. Comment vous portez-vous? Hein, mais vous êtes qui, vous? Je suis rookie matricule 28, Peter Odinson. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Oula, 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 ça va, vous allez bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux me rendre utile à votre disposition, monsieur? Ah non, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, du camp. Très bien, si vous avez besoin de la moindre chose, vous savez où me trouver, je me tiendrai proche d'un poteau. Ok, ben, impeccable, merci à vous, collègues. Scott, matricule. Je suis matricule 28. Eh bon, enchanté 28, moi c'est 97. Enchanté, monsieur 97, au plaisir un jour de pouvoir arpenter les rues à vos côtés. Incroyable, mes respects, collègue. Incroyable, magnifique. Ça, c'est un bon agent, ça. Merci infiniment, merci beaucoup, monsieur. Merci à vos collègues. C'était quoi le paramètre, putain? Un style de la pub Fortnite. Ah ouais, par contre, là, les pubs, je les ai mises en auto. Attends, je vais allumer la radio aussi. Comme ça, ce sera fait. J'ai un peu de temps avant le roll call. Hop là. Donc, on va juste baisser le son. J'ai mis un raccourci pour baisser le son de la radio. Déjà, ça met très bien. Ça va au groupe, hein. Donc ça c'était ça, merci pour les follow d'ailleurs, merci à toi Yosri aussi. Donc ça, ça met bien, et je voulais chercher un paramètre, putain, il n'y a pas quelqu'un trop fort en GTA qui peut me rappeler ça? Sinon il faut écrire à... Ah putain, qui c'est qui savait ça? Putain, je sais plus c'est quel de paramètre qui faisait ça, c'était trop pratique. En gros, quand je fais Alt Tab, ça m'enlève pas la musique. C'est ça? Ah, j'ai réussi. Ok, j'ai réussi ça. Ok, donc ça c'est bon. Et dernière chose que j'ai à faire, du coup, c'est prendre mon service. Avec F6, si je dis pas de conneries. Une prise de service, et on est bon. Ok. Et maintenant, c'est parti pour la salle de... dispatch. C'est par là, je pense. En soi. Ah, qui est cette formidable personne que tu as le loisir de rencontrer? Allez, un petit coup d'eau. Et ascenseur. Ah, ce bruit. Le jeu est stable pour l'instant, ça va. Vraiment, il est modé de fou. Hein. La nuit, vous allez voir une différence de fou, je pense. C'est 21h30 au dispatch, putain, j'ai un doute. Ah, let's go. J'aime vraiment, je suis vraiment trop content de cette chanson, vraiment. Ah là là. Salut Volgé, bienvenue, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Regarde comment tout le monde est discipliné, c'est fou hein. Un vrai petit police department comme on n'en fait plus, hein, je vous le dis moi.
Je vous le dis. Matatashi no i. Tayata ito ite. Bon, le son il se coupe comme ça, je me dis qu'il y a des dingueries qui se passent. Bonsoir tout le monde, mais respect. Respect. Bien le bonsoir. Mais Patricia, faut pas t'enlacer, hein. C'est pas comme sur... D'ailleurs, sur YouTube, on est à 1000 heures de... On a 1000 heures, il reste plus que 1000 heures. Voilà. Et on pourra passer... On pourra passer... On pourra monétiser la chaîne YouTube, et ça, c'est une belle chose. On a fait 3000, déjà. J'espère qu'on va entendre tout le monde assez fort et tout, là. Vraiment, je suis pas confiant du niveau de son. Ah bah si, on peut visiter les chiottes en attendant. Bah voilà, moi je suis un peu... Moi je sais prendre soin de mes invités. Donc on a deux chiottes ici, on a qu'un rouleau de PQ ici, on en a deux là, au besoin. Ici, bah on a un rouleau de PQ par terre. Je pourrais même pas, je pense, m'essuyer avec un rouleau de PQ comme ça, terre pas. Et salut à toi, Wave. Salut Wawa, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Hop là, il y a combien... Oh. Oh. Attendez, mais je peux enfin voir à quoi il ressemble ce precinct en fait en me mettant là-haut. C'est terrible. Attends, c'est pratique d'ouf. Attends, avant que ça commence et je me fasse défoncer. J'ai peur que ça commence et que j'entende rien, ça me ferait bien yesh quoi. De rien entendre, genre zéro. C'est l'état d'Istrax, comment tu vois. Et merci à toi Ghosty pour le follow. Merci à toi, bienvenue. Watatashi no wi. Allez, briefez-nous. On part en guerre. De toute façon, c'est à 30, c'est à la demi-sharp hein, quoi, ça va commencer, donc d'une seconde à l'autre, ça va partir en queen 1. 100%. C'est fou tous ces follow en vrai sur, sur Twitch, c'est une dinguerie. Bienvenue vraiment, ça me fait plaisir. Je vous jure, c'est une, ça me surprend tellement dans ma tête que je me dis c'est des bots. Vraiment, je suis désolé, hein, Ghosty, Wawa, Volgé et Yosri et Mathias. Dans ma tête, vous êtes des bots alors que non, hein. Mais dans ma tête, c'est, on en est là quoi. Tellement c'est improbable de faire autant de follow pour moi, tu vois. Oh go. Bonsoir, mes respects tout le monde. Mes respects, mes respects. Bonsoir, mes respects. Eh bien bonsoir collègue, mes respects. Bonsoir. Ça va ma fille? Moi j'ai une idée. Parce que ça va, ma fille, ça va être compliqué de l'entendre, puisque du coup il n'y aura pas de radio. Il, y aura pas de... Moi, il me faudrait 3 avis de décès là, j'ai oublié de demander la dernière fois. Il aura du coup son tracker, dispatch. Salut à toi Danjo. Bienvenue. Merci pour le follow. Pas mal hein, la chanson qui est sortie. Hein. Moi je vous le dis, grosse chanson de fou. Et Miller, salut à toi. Dame Joe, est-ce que Dame ou Ghostly Wizard ou Wawa VPS ou Volgé ou Yosri peut dire juste coucou dans le chat hein, ou Prout, vraiment, ce que vous voulez. Merci Hugo, merci beaucoup. C'était vraiment, ça a été rush ce clip, je le trouve trop stylé en vrai. Et pourtant on l'a rush en 2-2. Hein. Ah, il est l'admi, hein. Il est full l'admi, hein, cela dit là. Assurez-vous juste que ce soit pas dans le nord. Faites ça dans le sud. Peu importe le lieu. Le problème c'est Jamal, J-A-M-A-L, Atkins, A-T-K-I-N-S. C'est grave que j'ai fait d'un couloir. Ah, pas sûr, Ditrax. En vrai, de vrai, faut que tu dises que ma vie, elle n'existe plus en ce moment. Salut à toi, Gomis, merci pour le follow. En ce moment, j'ai pas de vie, en fait. Je passe mon temps à bosser. Et surtout, là, en ce moment, que j'essaye de passer le double PC pour avoir un jeu paquet de fou, c'est une dinguerie. Et salut à toi, Jade. Bienvenue. J'en ai besoin pour clôturer un dossier. Vous êtes notre représentant. Allez, c'est bon. Merci, ma fille. Let's go, Sissim. Allez, on se fait défoncer la gueule. Avec qui on va me mettre déjà, ça va être rigolo ça. Alors là je vais un peu moins, je vais un peu, merci, hein, merci mon attends, je veux dire, merci beaucoup. Je vais essayer de, je vais un tout petit peu moins parler pour me focusser sur mon RP pour vous faire une expérience, vraiment un truc pour que vous puissiez vous foutre dedans quoi. Vraiment là le but c'est de vous mettre, de faire une immersion assez solide quoi. Dès que ça commence je me mets un peu en immersion pour interpréter le mieux Peter et que vous puissiez vraiment vous imprégner de sa personnalité, de ses... et de ses défauts comme ses qualités, quoi.
Donc je vais essayer vraiment là de focuser à fond, à foncer l'état Gomis. Bienvenue. 91 années de naissance au département Gomis. Effectivement. Mesdames et messieurs, il est 21h33, nous vous attendons toujours en salle de dispatch. Département, ok, ok. Moi c'est mon année de naissance, moi je suis un yeuf de ouf en fait. Acceptons-le. Salut à toi Andrew, bienvenue à toi. Comment ils font les gens, vraiment, en police, let's go Nitrax, moi j'ai la ref là. Comment ils font les gens en RP police, vraiment, pour écouter la radio et quand on leur parle à côté? Je ne comprends pas comment ils font ça quoi. De Gomis, ça c'est le but, hein. J'essaie de tout vous donner, hein. Vraiment. 97. Enchanté, vous. Enfin, et toi? 30. Moi, c'est 75. Eh ben, enchanté. 30, 75. Eh, parfait, c'est magnifique. Et c'est le meilleur ami, lui, c'est bon. Aujourd'hui, je suis énervé. C'est 87. Bonsoir. Et bonsoir. Respect. Mais respect. Mais respect. Du coup, Barry, tu m'as appelé ? C'est pas là votre bureau. Ah, c'est parce qu'ils sont loin en fait, ils me parlent pas encore à nous. En gros. Ils ne parlent pas encore à nous, je pense. Anderson, tu aimes trop te mettre entre nous, hein ? Bonsoir, messieurs. Repos 97, venez. Oui, affirmatif. Il a besoin d'amour. Bonsoir, du coup, messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que c'était pas trop fatigant. Si. Dans un second temps, est-ce qu'un agent pourrait me faire un récap de la soirée d'hier soir, s'il vous plaît? Non. Bah, 97, faites-le. Oui, affirmatif. Bon, déjà, ça a commencé par des shot fire au niveau du quartier, pas loin d'ici, là. Excusez-nous pour le retard. Excusez-nous pour le retard. Mais respect. Emblème chacun. Quoi? On a prévenu. On avait prévenu en radio. Allez-y, poursuivez 97. Affirmatif. Du coup, le quartier où nous sommes intervenus hier, j'ai pas bien le nom. C'était quoi déjà, les collègues, s'il vous plaît? Les canaux de Vespucci, après, j'ai pas plus de précision. Affirmatif. Voilà, en début de soirée, il y avait des collègues qui se sont fait tirer dessus dans le quartier de Vespucci. Rookie, du coup, le temps j'ai décidé de faire une descente directement afin de... d'interpeller le plus d'individus. Voilà, donc hier soir, on a fait une descente quartier BHB, là, vous savez, au niveau des les canaux. Plusieurs individus ont été interpellés, merci à vous, c'était une très très bonne opération, vous avez fait du bon boulot, messieurs, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais je tenais à vous féliciter aujourd'hui. Suivez 97. Merci à vous. Après, nous sommes intervenus au niveau de la boucherie. Enfin, la boucherie, c'est pas que ça s'appelait comme ça, oui, c'est... Si. La boucherie, ok, impeccable, merci. La boucherie où nous sommes, salut toi, Renzo. Nous sommes intervenus afin de libérer les otages qui étaient présents. Et ah, merci Bouya. Nous sommes intervenus avec brio. Nous avons neutralisé les deux personnes, les deux individus au niveau de la boucherie. Et franchement, c'était une très belle intervention, hein, lieutenant. Effectivement, effectivement. Donc hier soir, il y a eu le jugement de monsieur Dakuna. Matata. plus ou moins tendu. Du coup, l'individu a été écopé. Du coup, d'une peine de prison de 17 ans, plus du coup, terrorisme, possession d'armes, séquestration, etc. Hormis ça, du coup, il y a eu une prise d'otage de plus de 10 personnes, du coup, au niveau de la boucherie. Le négociateur, du coup, en face, m'a demandé de ramener cette personne, ce qui a été fait, il a été ramené. Hugo, c'est drôle. Sa négociation... Vous avez compris ma blague, il y a monsieur Akuna qui a été arrêté, ma tata. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tir synchro sur les deux individus, sur monsieur Dakuna ainsi que monsieur Joao. Ma tata. Je sais plus comment il s'appelle, mais monsieur Joao. Dakuna et Dacosta. Voilà, Dacosta. Arrêtez de me relancer, putain. Merci à toi pour le follow. Ah. Ça ressemble à une déco, ça, non? Ça ressemble à une déco de fou, ça, non? Bah... On en parle pas de cette déco assez agréable? Ouais, d'accord, mais viens, tu me connectes, en fait. D'accord, bah vas-y, F8 kit, hein. Hop là, on est reparti, hein. C'est quoi mon matricule? Moi, c'est 28. Moi, c'est 28, là. Là, je peux parler, tant que je suis déco, là, du coup, bah, je suis tout là pour vous. Ah, ce bug de con là. Là, je sais pas qui. Hein. J'ai modé le jeu. C'est ma tentative de modding. Tout est possible. Hein. Soit ça va être une dinguerie visuellement.
et on va être content, soit vraiment je vais planter tout le temps. Je peux plus baisser le son. Je peux pas baisser le son, les copains, désolé. Salut à toi, Ster, comment tu vas? Et Hugo qui accueille tout le monde, hein. Je me pose la question, comment sortir du trou? À ce qui paraît, c'est chez elle qu'on t'avait trou. Toi, le business, ça t'a rendu fou. Andrew, je dirais. Je dirais 1h du matin, environ. Minuit, 1h. Qu'est-ce qui s'est passé, Ster? Et les requis sont permis. Alors, également pour le téléphone. Officier Rice, juste vérifier les affectations training officer en amont pour favoriser le placement des requis avec leur training officer. Je vais vous mentionner au bon endroit. Bien reçu, merci à vous. Je te laisse ta place. Ouais, c'est tout bon. Du coup, bon, il manque du monde, mais en attendant, je vais faire un petit rappel là pour vous qui êtes encore là. Hier, la radio, hormis que l'opération se soit bien passée, c'était quand même scandaleux. Ah. Que ce soit au niveau des canaux de Vespucci ou après. Il est pas toujours, normal, hein, j'ai... surtout pour des officiers confirmés, je parle donc d'officiers 2, etc., de faire des calls aussi inutiles et de raconter votre vie. Merci. Quand la radio est calme, vous pouvez très bien faire des communications qui ne sont en temps normal pas autorisées pour demander la simple position d'un de vos collègues. Ah, il y a tout le monde qui crache. Hein. Demander une information en radio. Enfin, quand la radio est calme, allez-y, faites-vous plaisir. Même une petite blague de temps en temps, ça fait de mal à personne. On ne va pas vous taper dessus. Cependant, quand la radio a besoin d'être sérieuse, je vais vous demander d'être sérieux, d'éviter de call en plein milieu d'une opération des 10-10, des 10-19 pour 10-10 au poste de Vespucci. C'est incompréhensible, c'est chiant, on s'en fout. Quand vous prenez votre fin de service, hormis si vous êtes superviseur et du command staff, vous téléphonez simplement au dispatcher. Nous, on s'en branle que vous preniez votre fin de service. C'est pas méchant, hein, mais appelez le dispatcher, c'est lui que ça concerne. Nous, ça nous concerne pas. Dites-vous que vos collègues, eux, sont encore dans des contrôles, etc. Donc vraiment, en radio, les calls importants, surtout quand c'est après opération ou en pleine opération ou soirée chargée. Est-ce que c'est bien pris? Bien reçu. Bien pris. Et aussi, dernière précision, il y a des dispatchers, c'est eux qui vous affectent sur vos appels. Ce n'est pas vous qui dites, par exemple, Adam 95, je me rends sur le dernier 1060. Non, vous attendez que le dispatcher dise, OK, Adam 85, vous rendez sur le dernier 1060. Par rapport à ça, Zoran, j'aurais une question, s'il vous plaît. Anderson ou lieutenant, la prochaine fois que vous m'appelez 01, je vous mets un blâme. Oh putain, mais il est vénère. Par rapport à ça, il y a quelques jours, c'était le contraire, sur tout ce qui était du coup 10-40, c'était les Adams qui s'annonçaient directement. Et par contre, sur tout ce qui était opération de type un braquage de banque, opération qui nécessite plusieurs Adams, là, c'était le dispatcher, du coup, c'est pour toute opération. Eh bien, écoutez, c'était tout simplement une erreur de votre dispatcher au moment donné. Je pense que votre officier Rice, ici présent, est en accord avec ma vision du rôle de dispatcher. Et c'est passé, Ster. Effectivement. Donc, le dispatcher est le seul à vous donner vos consignes d'intervention. Si vraiment le dispatcher n'est pas disponible, déjà, il y a le co-dispatcher. Et dans le cas où les deux ne répondent pas parce qu'ils sont occupés, ça peut arriver, ou qu'ils n'aient pas fait gaffe, ça arrive aussi. Bah dans ces cas-là, au bout de 10 secondes, sans nouvelles, sans entendre quoi que ce soit, là, vous vous annoncez. 2,95 pour dispatch, je me rends sur le dernier dispatch de Mirror Park. Ils existent partout stéréo. Parfait. Sergent, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire avant le dispatch? Négatif point à part. Ok. Hop. Avenati, peut-être. Négatif, tout est correct pour moi de mon côté. Et bah parfait. Allez, bonsoir tout le monde, respect, désolé du retard. Respect. Bonsoir, merci. Respect. Bonsoir, merci. Respect. Bonsoir, merci. Respect. Bien pris, affirmatif. Vous mangez quoi, Maquet? Non, c'est étonnant, oui, pas de problème. Des agents comme ça, j'en veux tous les jours. 97, bah, j'assume. Lieutenant, j'assume. Bien reçu, lieutenant. Je crois que lieutenant, il vous prend pas au sérieux, c'est pour ça qu'il... C'est possible de faire le dispatch? Odinson n'est pas là ce soir. Je suis présent. Si, Odinson, mon petit vêtement. Très bien, mais mettez-moi Odinson avec moi ce soir. Oh. Bien reçu. Je vais l'aider à se décomplexer. Du coup, dispatcher, à partir de maintenant, excusez-moi lieutenant, je vous ai coupé. Hein. Dispatcher, à partir de maintenant, sauf absence, c'est 97.
John Rice. Vous l'appelez lui si vous avez des questions par rapport à Dispatch. Deux secondes. Bien reçu. Super. Et pour former, on va mettre 38 en code dispatcher pour ce soir. Du coup, tu vas continuer à être formé. Incroyable. Odinson. Merci. Oui, comment puis-je me rendre utile aujourd'hui? Venez voir, s'il vous plaît. Entendu. Odinson, venez. Pourquoi vous restez bloqué là-bas derrière votre chaise? Venez me voir, s'il vous plaît. Ça donne à Lyon pour le follow. Ah, va me faire canner si je crash toutes les 3 secondes. Attends, moi j'ai l'impression que tout le monde crash, hein. Y a pas que moi en ce moment. J'ai l'impression que les crashs sont quand même réguliers là pour tout le monde. Hein. La soirée va être dingue. Ce soir ça va être de la dinguerie en vrai à mon avis. Merci à toi Lou pour le follow. Salut à toi Nayon, salut à toi Lou. J'espère que vous allez bien, que vous allez vous sentir bien sur le live, putain. On est marre d'avoir des décos. Je me pose la question comment sortir du trou. À ce qui paraît c'est chez elle qu'on t'avait. Non. Alors les redifs sont s'abonnés oui, mais j'en mets sur YouTube les vraiment importantes pour l'histoire. Elles sont sur la, je les mets sur le sur YouTube par exemple Mila. Vous savez qu'on a vraiment des choses qui sont intéressantes. Attends mais tout le monde a eu des décos là, il y a pas que moi. Il faut vraiment deux rookies par officier. En fait là, il va mettre un rookie par un officier, s'il reste des rookies, il va compléter. Non, on okay. Peut pas donner de préférence, non. Pas donner... Ok, ça va, c'est pas que moi. Donne tes préférences tout de suite. Non, mais va ben, juste avec. Moi j'aimerais bien être avec mon cousin juste devant. Voilà, si ouais. Possible. Bah dites-lui rapidement. Après, c'est deux rookies ensemble, c'est pas possible. Hein. Ah, on s'est des doses, ok. Si ok, il okay. Y a un peu mettre de rookies. Non, avec bouger, bah. Salut à toi, Satso. Merci beaucoup pour le follow. Et ensuite, vous venez voir si vous voulez. Dixon vraiment... ne bouge pas. Pas de soucis. Je vous expliquerai ce qui se passe. De toute façon, tu vas voir, c'est des frères. Non, non, non. Parfait. Bon, comment allez-vous, Edinson? Je vais très bien. Si vous désirez que j'aille bien, si vous désirez que j'aille mal, j'irai mal. Ok, attendez. Edinson, je vous envoie un truc. Très bien. Edinson, vous allez avoir une mission prochainement. Votre mission, ce sera de faire tous les réveils personnalisés des agents pour qu'ils soient à l'heure au dispatch. Non, si c'était mon ordre, alors je m'exécuterai. C'est en procédure en bas. Edinson, on va la finir. Oui. Venez voir. J'ai peur de... Clayton, tu viens? Avancez, Odinson, avancez. Attendez, n'oubliez pas. Vous avez pas oublié mon café, Odinson? Ah non, non, je vous... Est-ce que vous auriez me dire où vous le trouvez? La dernière fois, je n'ai pas trouvé de la cafétéria. C'est là, en sortant, vous avez une machine à café. Ok, je vous trouve ça immédiatement, mes excuses, j'y vais tout de suite. Répondez à... Oui, oui. Oui. Regardez aussi vos emails, Odinson. J'y vais immédiatement. Odinson, oh, excusez-moi. Oui, oui. Odinson. N'oubliez pas le café du lieutenant, du sergent et du procureur. Décaféiné, hein. Vous pouvez compter sur moi. Alors, est-ce que vous auriez de la monnaie? Excusez-moi, je n'ai point le denier. Oui, tenez. C'est bon, Jis, j'ai fait le dispatch. Vous êtes tous dispatch pendant que vous avez des problèmes de tête. Merci beaucoup, je vais vous trouver ça immédiatement. Merci bien. Ouais. Non, j'ai un problème de micro, je pense ce qu'il me disait, c'est que je dois avoir un problème de micro. Ton micro, c'est pas le bon. IG. Putain. Ah non, c'est pas celui-là, je fasse ça. 1-2-1-2. Attends, je règle juste mon problème de micro. Il me dit que j'ai un problème et que j'ai pas le bon micro, mais... Oui, j'ai perdu, c'est... vos chats, hop là. 1-2-1-2. 1-2-1-2. 1-2-1-2. 1-2-1-2. 1-2-1-2.
Dota. Lieutenant, dès qu'on est affecté, on peut partir en patrouille. Ok, il me faut de la bouffe. Il me faut de la bouffe. Il faut que je trouve des cafés. Je trouve des cafés. Il vient de redescendre, mais je crois que c'était par rapport à la procédure et le problème qu'il y a eu. Ok, très bien. Vous avez son numéro ? Ouais, je l'appelle. Vous me dites quand t'as des soucis de son. Je vais son numéro sur le MDT. Affirmatif. Boum, bam, bim. Excusez-moi. Mettez également votre numéro sur le MDT. Vous cliquez sur votre petite photo en haut à gauche, comme ça vous... Il est censé y avoir des... Il est censé... Ah oui, c'est clic droit, putain, chaque fois j'oublie. Allez-y. Et Kurt Ziyong est là aussi. Est-ce que Kurt Ziyong est là? Oui. Je viens de faire ça, lieutenant. Parfait, merci à vous. Donc messieurs, comme hier, on parle pas tous en même temps sur la radio, on se coupe pas la parole, les seules personnes qui parlent, c'est les dispatchers, le co-dispatcher, les superviseurs, le command staff. Les autres, comme vous le savez, donc du coup, enfin vous avez à votre disposition le code 99, c'est un agent, enfin c'est un de vos collègues est à terre, et le panic bouton seulement quand vous faites braquer. Salut à toi, Et puis on essaiera de vous le Cabrinou, salut à toi, bienvenue. Très loin interne. Aussi, oui, c'est simple, on a des soucis avec les pièces d'identité. Vous voyez la petite puce sur la pièce d'identité, normalement elles sont électroniques la plupart. Et on a un souci avec, c'est-à-dire pour l'instant vous allez seulement demander les permis de conduire. Vous avez compris pour tout le monde ? Super, pas de pièces d'identité. Les pièces d'identité, elles ont des soucis comme je me répète. Vous demandez permis de conduire. Pour les procédures, je rappelle encore une énième fois. Photo d'identité, photo de la fouille, plus photo de la pièce d'identité. Oui. S'il n'y a pas tout ça, vous allez faire taper sur les doigts, sachez-le. Allez, parfait. Si vous avez besoin d'aide au niveau de vos rapports ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, 38, je vous aide. Si vous avez n'importe quelle question, ça ne me dérange pas de vous aider, juste dès que je suis disponible, je le ferai. Okay. Montero. Dans la soirée ou dans la journée. Oui, je vous écoute. Quand vous adressez et que vous dites, vous pouvez me demander, vous dites Montero, pas 38, Montero, vous n'êtes pas un putain de code Wi-Fi. Excusez-moi. Dis-moi. Merci pour le follow, colonel Macron. Merci à toi le CNIP pour le follow. The fuck, merci à toi. Dingue en vrai, merci beaucoup pour le soutien, tu défonces, merci à toi le CNIP. Merci infiniment pour le soutien, merci. Il est là, regardez, je les ai posés derrière. Donnez-les-moi. Attendez, les voici. Merci. C'est bon pour vous, C'est nouveau pour vos collègues. C'est bon. J'arrive à Dinson. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes des fous en fait, merci à toi Jade. Merci de fuck en fait, mais c'est incroyable en vrai. Merci infiniment pour le soutien. Putain, mais c'est impossible pour moi dans ma tête que vous vouliez que vous payiez pour voir ça, genre. Vraiment, c'est de dinguerie, ça. C'est un honneur, vraiment. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment. Y'a pas de problème. Et puis voilà, au niveau de la radio, vous parlez pas tous en même temps. Dès que vous voyez quelqu'un qui parle, vous arrêtez de parler et puis vous entendez que ça soit le calme. C'est bon pour vous ? C'est bon, on peut partir en patrouille. Vous pouvez partir en patrouille. Ah, quand même, en vrai, c'est trop gentil de le donner à moi. C'est le Torokan. Allez, Odinson, venez. Impeccable. 07. Enfin, pardon. C'est vous, Monsieur Morrison, il est où ? 01. Bonsoir. Non, toujours pas. Anderson, pardon. Oui, on se parle dans le parking. Ok. Je vous entends. Mais attendez, je vais pas vous appeler par votre matricule, sinon je vais me faire défoncer. Ah, tu défonces, Caillou, merci. Odinson, je vous laisse préparer la voiture. Buffalo STX. Entendu, très bien. Allez, parfait. C'est qui 37 Buffalo STX. Il est trop gentil de me dire ce que c'est par contre. 37, vous êtes Je vais envoyer, attends. Il est là. Je prends la mauvaise voiture, attendez. Attends, je prends la mauvaise voiture. Je vais prendre une coquette. C'est quoi, une coquette 4 Bonjour 91. Bonsoir, les deux. Bonsoir, les 4, c'est quoi? Comme un jour où je voulais pas être là, mais comme forcément. Sergent, on a besoin de vous. Négatif, je suis occupé. Oui, bah c'est un ordre de notre lieutenant 01. C'est pour le négatif. Que je t'ai dit 07. Ah, parfait. Bon, j'ai mis des chambres d'automobile. Oui, Odinson, c'est pas la bonne voiture, mais vous inquiétez pas, vous allez trouver. C'est bon, c'est celle-là?
Non, c'est pas celle-là. 70 ah non, Vous avez des briefs, ça, okay, moi, c'est Clément Dark. Attendez, j'arrive, Jefferson. Parfait, arrivé. Auditon, attendez-moi sur le parking. Très bien. Gros de 1, on dirait que tous on est le fils de quelqu'un. Je suis sorti. Il va devoir corriger mes conneries toute la soirée. Il va craquer. Tant qu'il 28. Pardon, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Un honneur de passer une soirée en service à vos côtés. Bah, c'est un honneur, c'est moi qui ai l'honneur de t'avoir ici ce soir. Oh, merci infiniment pour votre gentillesse et votre sollicitude, j'espère ne pas vous décevoir. Un 28. Garde à vous, Odinson. Garde à vous. Salut. Parfait, ça va, Odinson? Ça va très bien, merci infiniment pour votre sollicitude, comment puis-je à mon tour me rendre utile à votre égard? Écoutez, faites-moi un bisou et on y va. Ah non, monsieur, s'il vous plaît, je n'aime pas trop le contact physique, si cela ne vous dérange pas. Un bisou sur la joue. Non, monsieur, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, non, monsieur, s'il vous plaît, écartez-vous de moi, s'il vous plaît, monsieur, pardon. Non, non. Un bisou. Non, non, s'il vous plaît, merci, non. Non, non. Une poignée de main, alors, Odinson. Non, 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 c'est pas contre vous, je ne suis pas très tactile, avec respect. Ça marche. Il veut pas me faire un bisou. Apparemment, il est merci pas Mouya pour le sub, merci à toi frérot, merci. S'il m'appelle pas, s'il vient pas me chercher, parfait, je vais j'adore discuter. Okay, attends, non, pardon, je coupais ma radio, c'est déjà horrible. Il m'a appelé McDonald's. Ouais, deux secondes, oui quoi, du coup, dis-moi. Complication, ils ont pris sa copine en otage. Ah, les prises d'otages, c'est un truc, ici, hein, par contre. On va faire court, Jefferson. Le vice-gouverneur a un secrétaire qui a été pris en otage hier. Elle a été libérée, il a réussi à trouver un moyen de la faire libérer. Malheureusement, le ravisseur demande une rançon de 600 000 dollars. Du coup, on va tendre un piège au ravisseur dans la soirée. Donc, du coup, tu vas te faire passer pour son banquier avec une mallette de 600 000 dollars. Comme par hasard, je suis le banquier. Comme par hasard. Bah, oui, salut à Zerox, c'est pour le follow. J'ai deux questions pour vous, lieutenant. Oui, déjà, la première. J'aurais vraiment 600 000 dollars dans une mallette. Oui. Salut à toi, 600 000 dollars d'argent marqué, donc de l'argent considéré comme sale. Oh putain. Mais cet argent-là, jamais de la vie, elle finit entre ses mains. Votre rôle, vous, ça va être du coup de. Non, mais c'est pas la question. Moi, ce que je vous demande, c'est ce qui peut finir entre les miennes. Ah, bah écoutez, ça. Bon courage à vous, mais. Parfait. Non mais du coup, cet argent là, vous allez vous faire passer pour le banquier pour sécuriser du coup monsieur le vice-gouverneur. Pourquoi c'est moi qui fais le banquier? Excusez-moi d'avoir une oreille qui traîne, mais s'il y a besoin de quelqu'un pour se sacrifier, je me montrerai digne de mon statut de rookie. Parfait, vous me servirez de gilet des pare-balles. Très bien. Ouais, parfait. Qu'est-ce qu'il y a officier devant? Messieurs. Bonsoir oui. Messieurs, ça va? Bonjour, bonjour, ça va et vous? Oui, ça va, moi ça va. Baissez votre main, vous allez avoir les crampes T. Oui, dites-moi. vous savez où il est 38? Vous l'appelez? Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec vos cheveux? Et vous l'appelez Montero et pas 38, et du coup tout va bien se passer. Pas de soucis. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos cheveux? S'il vous plaît, personne, j'ai vous savez que d'avoir les cheveux aussi fins, c'est un début de calvitie, hein, ça se connaît. Hein. Non, mais non, vous inquiétez pas. Assez, je connais les débuts de calvitie, ça commence par les cheveux fins, ça finit par les cheveux sans cheveux. Je vous jure que non, il n'y a pas de souci, tout va aller bien. Écoutez, je vais vous donner mon remède spécial, d'accord? 3 doses d'huile de ricin, et ensuite vous demandez à votre collègue qui vous dépanne un petit peu n'importe quoi, du sirop n'importe quoi. Pas de souci. Dites-moi, monsieur. J'étais en garde à vue, je voudrais savoir, c'était quoi 07, mes respects. Oui, tout ça, ça va? On le dira pas, monsieur. J'ai personne, venez. Oui, parfait. Bah, mes respects de même. Vous saurez pas. J'ai le droit de savoir. Je vais me trouver un meilleur poteau. Votre rôle, en gros, vous aurez la mallette dans les mains. Ensuite, vous sortirez la mallette. Il y a 55, 06. 55, 06. Je vais me trouver un meilleur poteau. Voilà. Ah, c'est un bon poteau. Ça, c'est un bon poteau. Aïe, 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 aïe. Ça va être sport hein, ce soir, je pense. Hein. Ça va être vraiment sport ce soir. Ah non, non. On est actuellement en PDP. C'est possible d'envoyer d'autres unités, s'il vous plaît. Là, je vais attendre de partir en voiture avec, avec l'instructeur. T'as déjà été PO? T'as déjà été PO? PO, c'est le short pour quel mot? Police officer? Parce que j'ai déjà joué la police sur Nebula, mais j'étais vraiment, c'était hilarant. Ah, prise d'otage, ah oui, prise d'otage, premier soir sur serveur en prise d'otage.
Mais du coup, sur, c'est la première fois que je fais un perso police. Mais vraiment, mon premier était aussi vraiment hilarant parce que c'était un footeur de merde. Et il faisait des... c'était hilarant. Il a fini, je me suis fait arrêter par tout le serveur. Genre mon personnage, vraiment, ils attendaient que je fasse une connerie. J'ai soudoyé un shérif. Et c'était mort. Oui, comment puis-je rentrer le... J'arrive immédiatement. Ah. Non, pas fini, Nadesh. Parce que sinon, on va jamais aller en patrouille. Bon, comment allez-vous? Tout dépend. Est-ce que vous voulez que j'aille bien? Eh ben écoutez, oui. Alors, je vais très bien, merci infiniment. Vous avez l'air énergétique aujourd'hui. Pas plus qu'un autre jour. J'ai envie de mettre toute mon énergie au profit de cette ville aujourd'hui. Vous avez bien pensé à prendre votre arme de service ainsi que vos chargeurs, hein. Vous pouvez bien compter sur moi et la force de mon tasseur. Votre quoi? La force de mon tasseur, patron chef. Non, moi c'est pas patron chef, c'est lieutenant, hein. Entendu, patron chef, lieutenant. Ah, attendez, je vais couper vite les appels du standard. Je l'ai fait également. Hop. Je me remets. C'est quand il parle. 01 retour fréquence. Ok, parfait. Bon, du coup, sur quoi vous êtes en train de travailler là, Odinson? Sur globalement tout, pour être bien honnête. Bon, vous le sentez comment, votre prochain test First Unicorn? Écoutez, je suis pas sûr d'avoir bien progressé et de me montrer à la hauteur. Dame 3 temps, 60. Est-ce que vous occupez de la gestion du dispatch? Attends, on est où, non? 28-1. Ah, c'est 0-1. Ok, Riz. Jensen. Oui, dites-moi. Oui, vous... Vous me demandiez quoi? Excusez-moi, non, j'ai répondu moi-même à ma question, vous inquiétez pas, excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Non, mais vous inquiétez pas, vous excusez pas. Ça ne se reproduira plus, vous pouvez en être bien certain de ça. Mais du coup, vous vous occupez de gérer le MDT là. Très bien, je gère le MDT. Montez, étage commande stage. Donc nous ne prenons pas nous-mêmes les appels que nous recevons. Bah du coup, on vient déjà de m'appeler. Ah. Sur un quoi comme appel? Là du coup, un appel bureau commande staff. Oh. À quel égard? Eh ben écoutez, une opération qui va se préparer. Bah vous savez quoi? Je me mets en 10-6. Vous allez me mettre même en 17 et vous allez assister du coup à ce rendez-vous, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Vous allez comprendre un peu les insides de... Non, c'est pas ma voiture, j'ai peur. De quoi? Non, c'est ma voiture, vous êtes arrivé de fichtrement proche de mon véhicule et j'en suis bien fier. De quoi, c'est laquelle votre voiture? Celle-là? C'est celle-là, là-bas. Le petit bolide. Ah oui. Autant pour moi. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Le travail d'un lieutenant dans un bureau. Non, vous êtes déjà revenu, vous? Ouais, on a un rendez-vous. Mais depuis quand vous sortez ça, vous? Non, mais j'utilise jamais sur le terrain. C'est uniquement pour faire un fonctionnaire. Pour que je me déplace, quoi. Mais vous avez une voiture attitrée, ça c'est des véhicules TD. C'est d'accord. Bonsoir. Après, en soi, j'avais demandé au capitaine et puis ça lui dérangeait pas que je me balade avec ça tant que j'allais pas dans les interventions ou trucs comme ça avec quoi. Non, mais vous me prenez la révolteur, monsieur le procureur. J'arrive, j'étais en train de préciser à monsieur le procureur qu'il ne sortait pas de véhicules banalisés de la TD pour son service. Il s'est fait taronner de ouf! Et je suis même pas en service, je suis en civil, oh! Arrêtez de dire des mots exagérés. Allez, venez, Odinson. Venez, bureau commande staff. Sergent, pourquoi vous êtes à poil? Je l'ai senti passer. Je sais pas, il faut mettre un micro. Ok, très bien, Odinson, venez. Prise d'otage de quoi là-bas? Bah, en gros, ils ont pris en otage la copine de. Odinson, je vous aime bien. Pareillement, alors, merci. Oui, faites en sorte que ça change pas. Bon, du coup, Odinson, c'est bon, il est autorisé, je l'autorise à être présent.
Bon, parfait. Bon, faites-nous un récap, s'il vous plaît, monsieur McDouglas. Après, vous faites un debrief de ce qu'on va faire. Ok, du coup, position, c'est le phare. Oh, merde, hein. Merci, quoi qu'il vienne, ça va se passer sur TikTok. Merci. Quand même en ORU. Merci infiniment. Je sais pas ce qui s'est passé sur TikTok, mais merci infiniment. Du coup, merci là, beaucoup. Je vais y aller avec monsieur Jefferson, donc mon banquier. Et après, ben. 5000 follow sur TikTok, let's go! Je te rappelle. Pour radio, j'ai besoin de 2 unités au poste. Adam 38, on y est. Hop là! Et là, j'ai un problème. La personne qui m'a donné les informations pour par rapport à McDouglas. Évidemment, Damso. Toujours un positionnement stratégique. Regardez-le s'il est pas beau, Peter là. Regardez-le! Camouflage! Ouais, je t'écoute. Je pense que Alex McDouglas est pris en otage et par le numéro que je t'ai envoyé. Je suppose, parce que j'ai moi mon nom sur le téléphone, c'est Salvaradé. Attends, je vais te dire ça. Salvaradé, comment? Ah, ça spam de ouf la radio là. C'est Salvaré. Attends, Al. C'est quoi cette voix dans la radio là? Laquelle? Dans les bureaux. Allô? Écoute, il y a un mec, il a une voix d'un ancien lieutenant, d'accord? C'est lui qui parle comme ça? Oui. Ah oui, mais c'est le dispatcher. Ah oui, il est où là? Convoque-le-moi ici. Non, on n'a pas le temps là. Ah si. C'est toi des VM pour le follow. Après. Là, le temps est compté. Je connais le Salvaré qui ont dit. C'est quoi son matricule? Je vais voir. C'est 97. À jour votre numéro. John Ray. Bon, Zéro, en fait, un débrief de. Ok. Alors, en gros, donnez Odinson, approchez-vous, faites pas de timide, vous êtes pas une plante. Venez participer à la réunion. Alors, en gros. C'est lui, McDouglas. En gros. On a la secrétaire de McDouglas hier qui s'est fait prendre en otage. McDouglas a réussi à du coup obtenir la libération de sa secrétaire. Malheureusement, le ravisseur demande aujourd'hui une rançon à la hauteur de 600 000 dollars. Donc nous avions trois options qui se sont présentées à nous. La première, il sort l'argent du gouvernement et il paye cette rançon, mais il devient une vache à lait. La seconde était de piéger simplement et bonnement la personne. Et la troisième était de monter une opération, plutôt de ne pas payer. Et la troisième est de du coup sortir l'argent, mais de tendre un piège, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va sortir l'argent, cependant, ça sera de l'argent tracé des saisies, qui était voué à être détruite. Comme ça, s'il y a 1% de chance qu'il puisse partir avec cet argent, il pourra partir, mais il pourra très peu en faire quelque chose, ou en tout cas rapidement. Donc voilà, le plan, c'est Jefferson qui va se faire passer pour un banquier. Alphonse Chavigny, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, monsieur Chavigny, très stylé, hein. Très stylé ce qui va se passer ce soir, les gars. À ses côtés. Il va donc se présenter avec sa mallette. Et lorsque Jefferson, du coup, va ouvrir sa mallette, comme ceci, allez-y, montrez-nous Jefferson. Oui, bien sûr. Hop. Voilà, comme ceci. Ça, c'est le go. Ça, c'est le go. Et nous, du coup, avec Wilson, vous, Lorenz, etc. Ainsi que Odinson derrière et les agents qui seront affectés sur cette opération, on va intervenir et du coup on va interpeller l'individu. Au mieux, c'est un solitaire et donc c'est un plan qui se passe à merveille. Au pire, il a des complices et dans ces cas-là, il va falloir être vigilant, il va falloir que M. McDouglas soit vigilant ainsi que sa famille et ses proches. Mais il faudra interroger et pousser du coup le ravisseur qu'on aura interpellé à donner un maximum d'infos. Oui. Si jamais, pour éviter de prendre des risques, est-ce qu'on peut-être désarmerait pas du coup, vraiment Bouya? Bah non. Ah mais alors absolument pas, je n'y vais absolument pas sans armes. On ne désarme jamais un agent de police. Écoutez, regardez, on va faire un truc simple. On va faire un truc simple. Regardez, Jefferson, ça va être simple. Si ils vous fouillent. S'ils essayent de vous fouiller, vous leur dites écoutez, je ne me laisserai pas fouiller et si vous n'êtes pas d'accord, je ne vous donnerai pas cet argent. Et puis, je suis d'accord avec ça. Quoi qu'il arrive, merci Diaz pour le follow, bienvenue. La constitution, ils vous disent quand même, vous êtes choqué. Vous mettez trop bien la team, vous mettez trop bien. Merci à vous vraiment. Tout à fait, faudra juste que je dépense. Oui. C'est ce que je disais en fait, peut-être prendre la Beretta à la place de. Merci Zernox, merci à toi frérot. Au cas où, si jamais il doit. Non, mais c'est bon, on s'en fout. Glock, Beretta, peu importe, c'est une arme achetable à la munition quand on a un PPA donc. Exactement. Allez, parfait, est-ce qu'il y a des questions? Non, oui, super. Tu crois quoi?
Hélicoptère, bateau, c'est tout bon pour moi, messieurs. Je suis prêt à remplir cette mission avec toute la spontanéité voilà, que je peux offrir. Vous venez de Tel Aviv, hein, oubliez pas. Hein, absolument pas, je suis Alphonse Chavini. Je n'ai absolument pas de. Ah, oui, non, pas Italie. Ça aurait été mieux si t'as fallu Goldberg. Hudson, est-ce que vous Goldberg avez. Bah, écoutez, je suis Goldberg, Alphonse Goldberg. Hudson, est-ce que vous avez éventuellement des suggestions à nous faire sur cette opération? Non, je vais me montrer observateur et je serai là pour assurer vos arrières si nous venions avoir des problèmes. Écoutez-moi parfait, bien, gardez votre dynamisme. Si jamais j'ai le moindre souci, ça sera vous qui trinquerez, d'accord? D'accord, vous pouvez compter sur moi pour que ça n'arrive pas. C'est bon, c'est bon, parfait. Faut banaliser ça. McDouglas, qu'est-ce qu'il en est? McDouglas, je vais vous prendre un véhicule, d'accord? Et tout le reste, on sera en banalisé, c'est bon? Bah non, on se déploie plutôt au RU, comme ça on justement, on intervient en off-road. Vous savez la position, on part à 2 minutes d'intervalle. On prend des buggies et des véhicules off-road pour se positionner sur la montagne et ce genre de choses, non plutôt. Jade, c'est vraiment le pattern. Tout à fait, on va prendre la TTJ, monsieur. De toute discrète, façon, vous avez ma position avec le bracelet, de toute façon. On va mettre des tenues civiles aussi, hein. Les tenues GND qu'on a, on va les mettre. Bon, de toute façon, les véhicules ORU, c'est des véhicules sérigraphiés, donc on sera une fois qu'on est visible, on est visible. Hein. C'est pour ça que je prends une banalisée. C'est parfait. Oui, c'est pour ça que je disais. C'est les décibels, c'est comme ça que vous voyez quand je monte ou pas le son. S'il vous plaît, lieutenant. Monsieur Chavigny. Chavigny. Il a dit Goldberg, Goldberg, je suis Goldberg. Allez, Hudson, en route. Ça vous fait quoi de participer à une opération de cette envergure? Je vais pas vous mentir que je suis un petit peu nerveux. Vous appelez pas ton chef. La secrétaire de McDouglas. Enchanté. Parfait, enchanté, la secrétaire de McDouglas. Je me présente Alphonse Goldberg, banquier avant tout. Enchanté. Parfait. Je vous en prie, Alphonse, passez devant. Merci. Moi aussi, c'est bon. Écoutez, monsieur Sergent Hudson, je suis fier de pouvoir travailler avec vous. Rookie Hudson, monsieur Goldberg, c'est normal, vous n'êtes pas de nos services, vous ne connaissez pas encore nos grades, mais un jour je vous expliquerai si vous voulez. Ah, c'est très gentil à vous, merci. Monsieur Goldberg, nous allons au garage. Ah, parfait. Excusez-moi, vous me disiez nous allions au garage, c'était pour vous accompagner, monsieur, vous ne connaissez pas les locaux. Bien sûr, écoutez, je vous suis, j'ai gardé mon véhicule juste ici. Ah bah c'est très bien, vous avez bien fait, c'est la meilleure place de la maison. Oui, tout à fait, c'est la mienne. Rendez-moi ma patte. On y va dans combien de temps? Parce que moi j'étais David d'intervenir avec des trucs comme ça. Hein. Et moi je m'appelais David à une époque, c'est vrai. Ça aurait été énorme d'aller avec ça. On aurait dû partir avec ça, ça aurait été énorme. C'est vos bras. Oui, clairement, c'est le plus rapide, on va prendre cela. C'est le plus rapide, attends, je vais montrer. Oui, clairement, clairement. Bonjour messieurs, est-ce que vous savez comment je m'appelle? 01 pour 4 ans. J'ai personne. Absolument pas, je suis Alphonse Goldberg, je suis Alphonse Goldberg. Ok, je fais comment sur sa carte d'identité? Que je peux prendre en photo? C'est bizarre, attendez, j'essaie de vous la recommander. Mais... Vas-y, venez avec moi, on va s'écarter. Non, mais la carte d'identité, c'est. C'est un trait de Ninson que je veux mettre en place depuis hyper longtemps. Je veux qu'Odinson, il arrive quand même à se faire un peu oublier en se mettant dans des coins comme ça tout le temps prêt à tout, mais tant qu'on lui dit viens pas, il vient pas, tu vois. Et ça me bute de rire, que quoi, t'as Célia? Donc tu dis pas à Odinson, viens, il vient pas. Et ça me bute de rire. Merci. Dark, radio. 19 sur les deux Adams. Hudson. Oui, patron chef. En voiture. J'arrive immédiatement. Et la dame 38, vous m'aidez. Allez, arrêtez d'avoir peur. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas peur. Que dois-je choisir pour le MDT? Là, vous nous mettez du coup. Attendez, je vais créer une carte. Celle-là, je vous en conjure. On n'a pas de véhicule pour nous, le directeur de Anderson. Parfait. Ok, c'est qui là? C'est 01, super, 38 là-bas. Ah, parfait. Bon, ok, oui. Parfait. Du coup, pour toutes les personnes qui sont présentes sur notre opération, j'ai appelé ça opération command staff sur le MDT. Vous raccrochez votre carte dessus, comme ça on est au courant de qui est qui et le dispatcher n'est pas perdu. Parfait, dites-moi, petite question, on se met sur quelle radio là? 912. Vous êtes dessus, Owen? C'est toi qui fais le dispatch? On est où, non? Et pour tous les agents, pour toutes les adams, mettez-vous bien en 10. On est où? Et vous mettez opération. Ah, ça. Là, ils ont racheté un truc, non? Ok. Comment ils font ça? Le rendez-vous est au niveau du phare? Exactement. Comment ils font ça? Appel en cours, opération CS.
d'avance. Ok, pour nous les véhicules ORU, on va déjà partir, on va passer par la GOH, comme ça on contourne complet, on limite les risques d'être aperçus. Vas-y, fais. J'ai PP arme létale, les gars. Ben quoi. Les outlaws, vous me suivez, on passe par la GOH. Ouais, c'est 10-6, pardon. Allez, Hodgson, hein, il va falloir couvrir mes arrières. Hein. C'est une opération de la plus haute importance. Hein. Là, c'est la vie du vice-gouverneur, sa famille qui est en danger. Vous pouvez compter sur moi, mais c'est vrai que là, je suis en train d'essayer de mettre à jour le MDT. Je ne suis pas sûr de quoi faire précisément. Duki se rappelle et ajouter l'unité. Attends. Parce que là, il m'a dit maintenant là, en quoi si j'y suis. Vous êtes pas là, Hodgson? Et 6. Si, je suis là, pourquoi? Comme je vous disais, hein. Il va falloir que vous couvriez mes arrières, là, c'est une mission de plus haute importance, hein. On est là pour la vie du vice-gouverneur et de sa famille, hein. Vous pouvez compter sur moi, je donnerai ma vie au terrain s'il le faut! Comme ce fut charmant jeune homme! Allez, parfait, hein. Est-ce que, par contre, sur le MDT, je suis pas du tout sûr de comment assigner l'opération, patron chef, pardon. Répétez, 91, j'ai pas entendu. Bah, j'ai plus de radio. C'est quoi, là on arrive au niveau de la frontière. Le 25, on va sur la position partagée. Logiquement, oui. Ah, ils sont fantastiques ces véhicules. Hein. Vous aimez bien ces petits buggy? Ils sont presque aussi compétents que vous l'êtes. Madame Vent, on se rend sur le dernier 10-40. C'est pas là, putain, ça me rend ouf. C'est pas là, ça me rend ouf. Pour la, pour la dame derrière, n'oubliez pas de fermer la frontière derrière, s'il vous plaît. Copie. Ah ben, tu peux... Ça m'en fout. Ça m'en fout, ça m'en fout de passer à faire ça. En détail, dès qu'on aura... C'est si m'entend encore. Salut à toi Pixel, comment tu vas? Ça m'énerve d'être nul. Ouais, c'est bien pris, vous inquiétez pas. Dès qu'on est en position au niveau de la hauteur de la montagne qui surplombe le phare, je fais un débrief et je vous préviens. Patron chef, oui. Par rapport au MDT, je suis pas du tout sûr de faire comment comme les autres, comment faire. Bah écoutez, là vous êtes très bien. D'accord. 01, si jamais on se fait contrôler par Roxwood, je possède un visa, donc vous me laissez parler. Avec les trois buggy comme ça, bah, ça va être une opération de dingue, là. Et la version, si jamais on venait à vous poser des questions à vous à part, on était sur une course-poursuite d'un individu qui a pris en otage un agent à nous. Entendu, c'est bien pris. Ah, c'est 912 la fréquence, ok, bouillant. Tu l'as entendu, ouais? Aujourd'hui, Hodgson, c'est votre jour pour faire vos preuves. Hein. Je pensais les avoir faites lors de ma dernière intervention, mais je n'y manquerai pas. Ce bruit fort qu'il y a eu là? C'était quoi ce bruit fort? C'était TikTok? Vous lui dites que vous êtes le banquier et que c'est pour assurer sa sécurité. Ok, 912, merci beaucoup, Zé, j'étais sur mon autre truc, moi là. Bah tant pis, c'est pas une question. En gros, faites bien comprendre que votre présence est obligatoire, due à l'argent. Le bruit qu'il y a eu là, je le connais pas, Zélia. Je sais pas d'où il vient. Et merci beaucoup à toi, Evo, pour la truc. Pour la radio. Ah, ok, ça marche. Merci, le CNI. Oh, le CNI, tu veux pas rester toute ta vie ici pour m'expliquer la vie, s'il te plaît? Parce que vraiment, j'en chie sa mère. Merci beaucoup à toi. Ah, Biril, j'utilise pas, hein. Je devrais, hein. Après, Biril, ce serait toujours chez WAM, quoi. Il se passerait pas grand chose, hein. Oh, ces petits buggy me régalent, hein. Ah, ils ont l'air franchement agiles et adroits. Sur le retour, je vous laisserai conduire. Ah non, vous devriez en profiter si vous les aimez tant que ça. Oh là 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 là, ce MDT de dingue que t'as fait. Par contre, on en parle que c'est le meilleur MDT du monde, par contre, le CNID ou pas? Zéro blague. Vraiment, meilleur MDT du monde. Zéro blague, t'es pas tout seul dessus à l'avoir fait. Et vraiment, ton MDT, c'est une dinguerie. J'arrive de vision, et vraiment, sur vision, on a 12 trélos, c'est trop dur, hein. Genre vraiment.
On a besoin de 12 trélos, mais on a un trélo, on a un truc. C'est quand votre prochaine First Lincoln là? C'est dans une semaine? Je ne sais pas si la date a été définie. Pour être bien honnête, j'essaie de me faire tout petit car je ne suis pas encore sûr de, d'être vraiment, d'avoir les épaules pour faire un bon officier. Vous inquiétez pas, c'est Morrison en plus qui organise les First Lincoln maintenant. Morrison, qui est-ce? C'est le sergent Morrison, il vient d'arriver. Il est plutôt gentil ou... Oui, il est très gentil. D'accord, très bien. Peut-être qu'avec lui, on aura une formidable entente et tout se passera bien. On part d'ici peut-être 3 minutes, je dirais. Ok, le clip, putain, tu t'es défoncé en vrai. Tu t'es vraiment buté. Hein. Respect de ouf. Tu t'es buté de ouf pour le coup. La petite déco. La petite déco du copain. Putain, c'est trop bien, vraiment. En dev solo, mec, c'est une trop bonne idée. Mais sur Vision, il ressemble de ouf. Par contre, est-ce que vous êtes sur le même base open source ou un truc comme ça? Moi, ouais, c'est dire, je vais t'ajouter sur ça. Ok, ok. Adam Zéorin, on a un petit problème de véhicule. Oui. Oui, je vous entends. Je crois que c'est un peu compliqué là, on va se garer sur le côté. De 01 pour 91. Attends, mais c'est lui qui parle. 01 pour 91. 10. Attends, mais 01, vous êtes à côté. Mazorin, vous m'entendez? Oui. Mais. 01, où êtes-vous? 01? C'est lui ou moi qui a planté là? Putain, en plus moi pour aller voir dans le... pour aller moi choper ça l'info de si ça a planté, vas-y quoi. Oh putain, on est sur une OP trop stylée en plus. Ouais, vas-y, on a crash sa mère là. Ok, mais parce qu'on se fait deux... Alors je vous explique ce qui se passe en fait, il y a un... De ce que j'en sais, en gros il y a un petit... Il y a une petite galère. En gros, c'est qu'il y a un streamer, je crois, qui est sur le serveur et qui se fait un peu emmerder par des gens. Et le serveur, du coup, quand il joue sur ce serveur-là, il se fait DDoS. Donc il se fait DDoS, c'est-à-dire qu'il se prend des grosses attaques avec des milliers de connexions, des centaines de connexions qui sont en même temps. Et du coup, le serveur en peut plus et c'est bisous, quoi. Bisous le serveur. Donc voilà. Donc, je pense que c'est ce qui se passe. C'est ce qu'ils nous ont dit, en tout cas, qu'il y avait... qu'il se faisait DDoS. Et le CNI de tes joueurs de RP aussi ou pas de base? Ou t'as vraiment vu une opportunité, t'as fait maman, ça c'est WAM. Je me pose la question comment sortir du trou, à ce qui paraît c'est chez elle qu'on t'avait trou. Toi, le business ça t'a rendu fou, argent égale bonheur. Ok, elle va jouer de RP, ok. Est-ce que tout va bien? Oui. Entendu. Oh. Oh putain, il reboot. Ah. J'ai crevé. C'est pas grave. Ok, il redémarre le serveur, on va attendre 2 secondes. J'en peux plus. JPP. En fait, déjà que mon setup, il est pas hyper stable en ce moment. Ça fait... vraiment mal au cul. J'ai fait en mode fun au début, et les gens qui me disaient sur mon serveur, et qui sont partis, voulaient aussi utiliser sur le nouveau serveur, donc opportunité business. Putain, le CNID, en vrai, c'est trop stylé. Je sais pas si c'est des trucs que tu parles, mais tu le loues à beaucoup de serveurs ou à quelques-uns des gros? Parce que pour le coup, le MDT, tu peux l'appliquer aussi à d'autres business, non? Genre les EMS, ils peuvent utiliser un truc... un truc similaire, non? En vrai. I think, hein. Oh, trop bien, ok. Putain, trop bien, ouais. Ok. Oh, mec, ça facilite tellement le RP, en vrai, ça. Il y
Et reboot, pourquoi? Qu'est-ce qui a pu provoquer le reboot? C'est le fait d'avoir eu autant de cette fois autant de doses. J'ai capté les bails, la cité m'a rendu fou. Des amis m'ont trahi pour gratter des sous. Ma raclée me fait des blagues pour me casser les couilles. Je me pose la question, comment sortir du trou? La version in-game, ce sera une dinguerie. Par contre, quand tu auras plus d'alt tab. Hein... Ah, peut-être Bouya, ouais. Ouais, peut-être, t'as raison, en vrai. C'est impossible. Je me pose la question, comment sortir du trou? À ce qui paraît, c'est chez elle qu'on t'avait trou. Toi, le business, ça t'a rendu fou. Argent égale bon. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils nous re-TP dans les voitures, normalement. Automatiquement. Normalement. Normalement. Allez. Sois chouette. Oh, dis-moi que je suis dans la voiture, s'il te plaît, putain. Ça va être un enfer, putain, si vous se retrouvez là. Ah, c'est parce que la personne qui est dans la voiture a peut-être pas encore spawn. Possible. Mon copain était par là, les véhicules... Ah, putain, ils ont despawn tous les véhicules, du coup, je pense... En rebootant, ils ont pas des... ça a pas despawn tous les véhicules qu'il y avait. Maman, ça va être un enfer. Où est-ce que vous avez garé le buggy? Je l'ai pas garé, excusez-moi, patron chef, je l'ai perdu de vue. Quelqu'un radio? 01 retour fréquence. 7 retour fréquence. Sur fréquence. Comment on fait pour les buggy? Euh, 28 retour fréquence. Très grosse blague, Lekin. Très bien, pas de soucis. Parce qu'ici, du coup, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Non, vous pouvez compter sur moi. Je me ferai tout petit. C'est une très bonne idée, là, ce que vous faites. Je vous rejoins. N'hésitez pas à le noter dans mon, dans mon appréciation de mon initiative. Ouais, je note, je note. Enfin, je noterai surtout. Mais c'est vous! Mais c'est vous! On pourrait nous voir. J'arrive pas. C'est bon. C'est bon. Ok, on va avancer jusqu'au buisson. Venez. 38, retour fréquence. Retour fréquence. Copie. Quand il parle radio, c'est hilarant. Oh non, des sorties. Oh non. Comment on va faire pour nos... Ah, ça gratte. Putain, mais c'est quoi ça? Mais c'est un missile pour le follow. Mais y'a des cactus là-dedans ou quoi? Oh non, j'ai dégueulassé mon uniforme, je vais me faire crier. Non, 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 non. Ah non, faut pas. Classe 1, vous êtes en classe 1, mais non, d'une zone! À cravate! Ah non. Ah non. Je suis à radio? Ah oui, tout à fait, je suis affreusement loin du phare. Je ne sais pas qui a volé mon véhicule. Ah, je suis à pied, totalement à pied moi. De 0 sur ce code 2, s'il y a moyen de récupérer nos buggy. Putain, on va pas. Ils a tout des spawns, c'est terrible. Vous avez récupéré votre voiture ou pas? Ah, c'est missile le pseudo. Je viens de comprendre missile. C'est loin, mon cerveau. Écoutez, moi je suis sur la route, je cours. Il y a 91, il faut rendre les véhicules. Il arrive là en haut. Juste un code 2 et il arrive. Putain, un sup. Un sup. En plus, Dedo, ça doit être. En plus, le fait de Dedo, ça doit être faisable par un seul gars, j'imagine. C'est juste lui qui initie les requêtes, mais ils ont pas besoin d'être plusieurs pour lancer un DOS. Un seul gars qui peut ruiner la vie de 250 personnes, c'est un peu naze, non? Il n'y a pas de serpent ici. Non, vous inquiétez pas, je garde les yeux grands ouverts au cas où Rokuda nous repère. Raison. Pour là-bas. C'est Jibril, ça? Oui, sont... Regardez toute la squad, on dirait qu'on a la résistance de gars. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche le clip. Putain, relou. Un shot, un shot. Attends. Mettez-vous sur le bas côté. Ah oui. Ah putain. Absolument totalement discret, hein. Oui. C'est quoi le nom? 38-70, c'est bon, vous avez vos véhicules? Négatif. Rodinson, en voiture! Écoutez, en attendant, courez tout droit, et vous me verrez un jour.
En attendant, courez tout droit et vous me verrez un jour. Cette instruction de héros. Putain, ça va? T'es pas trop plus. Véhicule récupéré. Discade, vous vous positionnez, vous faites un code de vos positions. Ok. 07, vous êtes radio? Ouais, de feu bouillant, ouais. Tout à fait. Vraiment, pour le coup, votre ça. Voiture, c'est bon ou pas? Que non. C'est même sympa, mais c'était presque sympa là, de tous se réunir un peu comme ça, se cacher et tout. Je trouve ça que c'était presque sympa comme ambiance. Faites attention, dans les parages, j'ai un puma qui a attaqué un collègue. D'accord. Derrière vous, j'ai personne, derrière vous. 2-0, vous suivez bien mes traces. Hein. Ça va? Avis, bon, on arrive. Vous êtes un fin pilote, monsieur. Ok, parfait, vous êtes tous là, venez. On essaye, Odinson, on essaye. Lieutenant 0, c'est vous qui allez donner le top départ pour du coup le lieutenant 91 et le lieutenant 23. Alors on sera au niveau de la. Trop stylé cette opération, en vrai. Le top départ, on avance, on arrive. C'est bien pris du coup de 0-1 actuellement. On a un problème, on va être obligé de redescendre plus bas parce qu'on a une énorme forêt qui nous cache le visuel. 10-4, bah, positionnez-vous bien et dès que vous avez un meilleur visuel, tenez au courant. Oh là là, oh, c'est quand même pentu là! Utilisez vos freins, hein, utilisez vos freins. Ah non. Ah, wow, wow, wow! Oh non, 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 non. Non, 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 non! Oh, j'ai causé, non! Vous inquiétez pas. Non, 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 non! Oh! Lui est bien passé. Et les outlaws vont me suivre. Bah c'est du sport hein. Pleine balle tout droit. Faites attention. Ouais bien, ne vous inquiétez pas. Attends, on est descendu pour remonter là. Attention, Odyssey. Oui. Pas trop en avant quand même. En fait, vous êtes radio. 2-0, vous confirmez, il y a encore personne sur place. Ils sont déjà là, ils vous ont repéré. Je sais pas où ils sont actuellement, mais ils menacent du coup la personne de mort. Ça m'a classe. Qu'on ne négocie pas avec des otages fantômes. Il a ma femme en otage. Oui, oui, mais moi je la vois pas, votre femme, donc moi je négocie pas avec eux. Il est où? Ça, écoutez, on va faire comme si de pas arrêter, on va voir ce qu'il nous dit. Si vous voulez que j'ouvre la mallette, c'est le moment d'intervenir. C'est bien pris. Au niveau du phare, hein, c'est ça? 2-0-1, j'ai aucun contact visuel sur vous, sur la mallette. Hein. Je vois un non plus Anderson. Faites-moi en face, voir s'ils sont en face.
10 pour 07, faites-nous un code 2 pour l'emplacement exact pour les véhicules après intervenir. Je serai où c'est. En fait, il se passe quoi? Une opération. Une opération pour une prise d'otage. D'accord. On va toper les preneurs d'otages. Odinson, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, négatif, patron chef. Voulez-vous que je veille sur nos arrières? Là, on risque pas grand-chose. Dans cette fête, une backup, s'il vous plaît. En tout cas, c'est un joli paysage. C'est un fox pour le follow. Venez, on va se rapprocher. Copier. C'est... Vous m'avez très... Vous êtes un fin manœuvreur, mais c'est vrai que j'ai pas. Oui, c'est les... Pas. C'est les fins, c'est exactement, c'est par là, ouais. 0-1, on se déplace, on se rapproche de... Impossible, pas con, on recame pour le coup. En fait. De toute façon, j'ai bouffé un truc en vrai, comme ça. Pour l'instant, y'a personne sur position. Il ne veut pas dire où il est, on sait pas où il est actuellement. McDouglas, vous êtes radio? Oui, je suis radio, je suis radio. Très bien. Appelez le tocard là, et vous le dites. Justement, depuis tout à l'heure, je fais que lui demander il est où, et il me dit non, maintenant je veux le virement. Ima, tu peux t'attribuer des boulons à chaque fois. Oui, dites-lui, je ne vous donnerai, vous lui dites que vous avez l'argent en cash, que vous ferez la transaction en présentiel, et que s'ils viennent pas, ils n'auront pas l'argent. Faut pas commencer à céder à des tocards parce que ça se trouve, il l'a pas, hein, votre femme. 2-0 pour les outlaws, vous êtes où? 10, Sima, à chaque fois. Tu peux le faire sur ta chaîne, tu peux le faire sur la chaîne principale, Sima. Toi, 1000 Stalax. On va patienter ici, mais je sais pas comment ils ont pu nous voir. Hein. Je pense que c'est quand on montait la grosse montagne devant là. Ou soit quand on est descendu qu'on a fait trop de bruit. Est-ce que vous voulez que je m'infiltre? Tout le monde nous voyait, je crois. Ne vous inquiétez pas, Johnson. Ouais, mais en fait, là, le problème, c'est que pour qu'ils nous voient. Il y a un avion là. C'est-à-dire qu'ils ont une position où on les voit également. Ouais, et nous, avec la hauteur qu'on a, là, on les aurait vus. Il y a moyen où ils bluffent. Je pense qu'ils bluffent. Parce que s'ils sont pas en face, ils sont pas sur le pan où on est monté. Donc je vois pas il a repéré vos véhicules. De 0-1, vous êtes sûr qu'il bluffe pas parce que c'est impossible de le voir? Absolument pas, absolument pas. Il a vu deux buggy blancs. Il peut pas non plus. Wow. C'est, hein. Ah, il est fort, hein. Je sais pas comment il a fait pour voir les buggy. Peut-être quand vous êtes tombé, non? Parce que même moi d'ici, je vous vois. Comme si on était gros, on n'est pas un camion non plus. Non, ok, lui, bah mais... écoutez, nous, côté Outlaw, on va tourner sur les montagnes pour essayer de les repérer. S'ils nous voient, il faut qu'on les trouve en premier. Et de notre côté, on va essayer de donner un autre point de rendez-vous. Les copiers, on va tourner sur toutes les montagnes. Les Outlaw, séparez-vous et... Voiture abandonnée à droite. Vous avez vu la voiture abandonnée à notre droite? Non, ça appartient aux touristes qui sont juste devant ça. D'accord. Excusez-nous, pardon, on fait une non-intervention, excusez-nous. Ils ont dit deux buggy, donc ça veut dire qu'ils en ont vu que deux sur les trois. Écoutez, j'ai proposé un échange. On va lui demander un lieu de rendez-vous et on montera dans son véhicule, d'accord? C'est bien pris, de toute façon, on peut vous tracer. Vas-y. Je joue avec... Adam 70, on a deux véhicules. Ils sont garés... C'est un code 2? Oui, c'est nous. Ah, complicado, hein. Ça fait, on a beaucoup d'ordres et d'ordres contraires qu'on entend là. Mais je pense qu'ils sont pas du tout là, moi. En vrai, si je misais sur un truc, ils sont pas du tout là. On va voir, mais. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur quand on fait des choses comme ça. Est-ce que vous avez le numéro de l'individu où il appelle? Pas peur. T'es un chaotique. Ayez confiance. 74, vous voyez pas comme il est trop beau le jeu, les textures et tout? Vous voyez pas comme il est trop beau le jeu là depuis que je l'ai bloqué en vrai? Ah putain, il subit le buggy. Il faudrait le nom et le prénom de cet individu s'il vous plaît, vous me le trouvez, on va foutre un avis de recherche sur sa gueule. Pardon, de 0-1, il vient de buter l'otage?
peut-être qu'il bluffe, hein, mais j'attends la vidéo. Ah bon, bah voilà. C'est qui est tombé à la dispo là? LTD. Attendez, mais où est-ce qu'il peut être pour nous voir? Honnêtement, je ne suis pas bien certain. Vous avez une idée, vous? Non, malheureusement, pourtant j'essaie de réfléchir à toutes les possibilités. Peut-être là, en bas, là les bâtiments. De 01 pour 91, il y aurait un monde où il serait dans la villa qui est à côté du phare, ou... Oui, je pense. Bouger, je pense. Il a dû bouger, mais c'est sûr qu'il était là-bas en attendant de voir si on était bien seul. C'est pour ça qu'on vous aurait dû attendre de... Un de 01, de... Call prioritaire, il y a un hélicoptère qui décolle de la villa. Odinson, ouais. Okay, oui. L'individu, je l'ai appelé au téléphone, il m'a bien dit qu'il a tiré sur l'otage. Actuellement, l'otage apparemment n'est plus avec des personnes faites à tour de toute la zone. De 01, l'hélicoptère se pose sur la route actuellement au niveau de la villa, juste devant la villa. Intervenez. Backup, backup. C'est Blanor qui a pris la fuite. Pas comme véhicule? Actuellement dans un hélicoptère vert et rouge, il prend la direction nord Sandy Shore. Il y a un véhicule de sport qui a fait demi-tour sur vous, 91, faites attention. 201, c'est code Cadadam, je vois plus l'hélico. Analyse sur l'inconnu. Cette position sur cette backup. Elle est en direction de Sandy Shore, hein. Ouais, Affi. Hélico rouge et vert, hein. Ouais, Affi, comme celui qu'on avait contrôlé. Tu peux en aider du côté de l'IPG. T'as décollé de où cet hélico? De la villa. On appelle des agents. Attendez, mais il y a aucun monde où il a continué, sinon on l'aurait vu, il a dû se poser sur la montagne. Hein. Mais là, l'hélico, je le vois plus dans les radars. Hein. Contre un. Attends, contre un. Un hélico. Pas un avion. 2-0-1 sur cette backup, je progresse sur le top montagne. Il est trop beau le jeu là en vrai. Non. Radio du futur sur du coup la dame. Super, vous avez un peu plus d'un de ce qu'il est. Affirmatif, je sais à peu près où c'est. Je vous fais vivre des aventures. J'ai le cœur bien accroché, mais je peux pas vous mentir. Il se pourrait que je ne tienne pas longtemps. Ah, de 01, c'est code 4 sur la montagne. Hein. Il a disparu. Dispo radio, c'est pas du tout de ce côté-là, c'est jamais, c'est de l'autre côté de la ville. C'est au niveau du... comment ça s'appelle ? Ici. Vous voyez le pont quand vous passez la base militaire pour aller direction nord ? Il y a un pansement à gauche, juste avant le pont, c'est là-bas. Ah, il est à l'autre bout du pont, là ? Sécurité maximum sur mes armes, s'il vous plaît. D'après la bite 0, j'arrive à retrouver les lieux. Comme je vous ai dit, c'est... C'est vrai ça, Chaotique. D'ailleurs, t'es là, Europark, Chaotique, je m'en rappelle pas. C'est bien pris de 01, je me rends sur place. 4. Il y a le grand pont, et juste avant le grand pont, il y a un enfoncement à gauche pour redescendre en dessous du pont et continuer dans les montagnes. Je me rends sur destination aussi. On va retourner dans le sud, ok? Vous repassez par... par la frontière. Ok, ça roule Chaotique. Que je retourne dans le sud. Radio. Pour information, il y a la Purple de Rockswood qui tourne, il a pas mal de véhicules, une GP200 plaquée DLC305. Bon. C'est Purple dedans de Rockswood, pour information. Captez, soyez vigilants quand même, on est dans le nord. Matif, on lui a dit qu'on était là pour une poursuite et qu'il y avait une prise d'otage, etc. On leur a fait comprendre.
Ouais, ça je suis pas sûr moi. Je vais leur bien comprendre qu'il n'y a plus les shérifs et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on leur a dit, lieutenant? Le pont, je vais le choper voir là-bas. J'ai les yeux grands ouverts, patron chef, si je vois la moindre chose, je vous le signalerai. C'est très bien, Odinson. Où à peu près, répétez-moi, à 10. Alors quand vous passez à la base militaire, vous avez le grand pont, direction nord. Juste avant le pont, vous avez une petite sortie à gauche, sortie de route, qui descend sur le pont. 2-0 pour 91, je vais pas tarder à arriver sur place, je vous fais un code 2. Ouais, je suis dans les marécages, moi je suis là. Sur ma dernière position, on a fumé la bagnole. Enfin, je l'ai fumé tout seul. Hein. Ces véhicules sont-ils homologués pour la route? La Outlaw? Non, notre véhicule, notre buggy. Ouais, mais c'est ça, ça s'appelle un Outlaw et oui, c'est homologué. Très bien. Je ne voudrais pas prendre des risques plus inconsidérés que nous n'en prenons déjà. Code 2, j'ai fait mon véhicule. Nos véhicules sont homologués. Entendu, non, mais il pourrait être homologué pour l'off-road et pas pour ça. Mais c'est pas grave, excusez-moi de vous avoir fait perdre du temps, pardon. Vous inquiétez pas, vous me faites pas perdre de temps. Si vous voulez tout savoir, un véhicule avec une plaque d'immatriculation, ça veut dire qu'il est homologué pour la route. Ah, c'est entendu. Je mourrai moins bête, mais je peux vous dire qu'il va falloir... Il va en falloir des informations pour que je sois aussi intelligent que vous. Quoi ce truc là-haut? Il va vite de ouf devant. On a des infos là ou pas là? Oui, actuellement, j'ai le véhicule qui fume, j'essaie de le réparer là sur mon code 2 que j'ai fait. Bah après, il... Peut-être que tu vois... Il a pas les freins qu'il faut, j'en sais rien moi. À 90 km/h, tu vois. Pour descendre sous le pont. Comment ils ont ces infos là? Il faisait référence à ça. J'entends quelque chose moi. De 01 pour 91, sur mon code 2, j'aperçois un cargo bob me survoler. Pour 01, possible de déployer un LSD parce que la dame 38 ainsi que la dame 70 nous route là où ils ont. Enfin, ils sont peut-être plus. Demander un LSD du côté LIPD de venir le récupérer. Fréquence décollage de l'ASD. Merci 42. Code 2. Alors 10 pour radio, pour information sur la vidéo que j'ai reçue quand il tient avec le il est torse nu en dessous, il a un sac à dos noir et il a des dreads blanches grises avec un chapeau pour information. C'est bien pris, dis, envoyez-moi une photo par mail ou dans interne directement du lieu. Comme c'est beau les trucs et tout depuis que c'était pop ma modé. Il est trop beau le jeu là en vrai. En vrai les modes que j'ai mis ils le rendent trop beau je trouve. Parce que bon les marécages ils sont grands. Hein. Alors 10 pour radio, je vous fais un code 2 du coup c'était sur cette zone. Et d'après la vidéo, la normalement ouais hein, chaotique. Ah oui non mais c'est pas du tout ici. Waouh. Pour tout le monde, est-ce que quelqu'un a des bougies ou quelque chose, n'importe quoi, qui préfère repartir la bagnole là? Négatif. Un ASD en approche pour récupérer les véhicules HS. Je savais même pas qu'il y avait une zone avec des marécages, hein. Je sais où je suis sur la map là. J'ai aucune idée où je suis sur la map en vrai. Ok, donc là il y a une zone avec des marécages. Voilà, moi je le saurais. Ce jeu qui a 10 ans quand même, ce jeu qui a 10 ans qui est une dinguerie, c'est impensable ce jeu quand même, en vrai. Oh là c'est raide. C'est long, hein, de conduire ça sur la plage, non? Écoutez, je vais vous avouer que j'ai un peu la tête qui tourne. Mais non. Si c'est et brutal et des fois les virages sont secs. Ah bah ça arrive hein. Le mec à qui joue Raid, c'est lui qui m'a installé ça.
Est-ce que peut-être on devrait ralentir l'allure? Est-ce que vous voyez, j'aperçois un hélicoptère? Oui. Possible de mettre un code rouge sur cette, un code rouge et mettre un acte de recherche sur cette personne? Affirmatif. Pour information, pour toutes les personnes qui... J'ai jamais fait le solo, non. La vidéo, je l'ai mis dans interne. Ouais, par contre, ouais, j'ai un gros... Ah, c'est le nôtre, hélico. Du coup, qu'est-ce qui se passe, là? D'accord, la dame... Là j'arrive à tourner à 52 fps en vrai en streamant sur TikTok et sur YouTube en même temps. Sur Twitch en même temps ça va. Il te recherche 3000$ sur sa tête. C'est un peu simple PC toujours, malheureusement. Bah attends, mais c'est un peu dangereux ça. C'est qui va faire l'avis de recherche? Sur Salvaré. 2-0-1, si jamais les avis de recherche vous pouvez tous en faire à partir du moment où vous êtes superviseur dans le MDT. Hein. Et pour l'annonce du code rouge, je fais comment? Il nous faudrait une unité là où je suis parce que la bannière elle repartira jamais. C'est quoi le plan, patron chef? Je suis en train de regarder la vidéo. Rien à voir. Ils sont cons, c'est terrifiant. Oh non, ils sont peut-être dans le feu de l'action, je pense qu'ils sont tous, on est tous aussi stressés les uns que les autres. Le 0 n'a pour l'instant aucun visuel avec le corps. On a toujours pas vu la femme là? Négatif, je suis en train de la chercher. Possible d'avoir l'identité de la personne qui est recherchée? C'est 5000$ la prime pour ce monsieur là. À côté, je pense qu'on peut augmenter la prime, non? Négatif, non. 1000, allez, je veux sa peau. Je suis pas très à l'aise. Ah, de 01, du coup, ils ont dû déplacer le corps ou. Elle a dû pouvoir s'enfuir parce que je ne vois rien du tout. Disquette, je vais appeler l'individu, je vais essayer de me renseigner pour voir s'ils l'ont déplacé. Et il vous a pas envoyé de position, la 10? Négatif, malheureusement. Non, mais c'est vraiment un tocard, lui, hein. Tango 20 arrivé sur fréquence. On a une autre équipe qui s'ajoute. Et un putain. Ils ont pas buté l'otage. Ils disent qu'ils ont buté l'otage, mais en même temps. De la situation, s'il vous plaît. Ils communiquent pas beaucoup avec nous. Envoyez-moi la vidéo, s'il vous plaît, 10. Vous l'avez dans interne. Ça, c'est un délire. Heureusement qu'on n'est pas venu avec une voiture de sport. Début, hein. Oula. Avec nos glaces. Ne m'inquiétez pas. Ah. Chat vocal redémarre. J'ai appelé l'individu. L'individu m'a bel et bien dit ça sert à rien. Bien, chien, j'ai rien de rien. Ben est mort. Je viens de rouler sur tout le long. Bon, Anderson? Ouais, bon, y'a rien de rien. Je viens de faire tout le tour là où il y a supposément la personne, y'a rien. Ça marche. C'est qui veut faire Mostan Tite pour 300 000$ là? Oui, McDouglas sur ton radio là. C'est McDouglas. C'est McDouglas, ok, ça marche. Allo, tu veux mettre 300 000$ sur la tête du gars là? Il va falloir assumer parce qu'il y a un. $300 000 sur la tête du gars, c'est une grosse chasse à l'homme là. Oui. Bah ouais, en vrai, c'est une bonne idée, hein, chaotique. Moi j'ai pensé à le faire. Écoutez, je vais essayer de retrouver précisément les petites plantes là.
Alors c'est légèrement dômé avec un creux à gauche, un creux à droite. Ça fait un petit L. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui court au loin, c'est... C'est qui là, c'est toi? Moi, c'est moi, c'est moi. Je cherche... En fait, j'essaie de me placer par... par rapport à la vidéo. Parce que sur la vidéo, on voit... Sur la vidéo, il est par là. Pour moi. La vidéo, il est par là. Sur la vidéo, il est par là. Ouais, ça pourrait être quelque part dans ce coin, je suis d'accord. Patron chef, je suis pas très à l'aise avec eux. Non, avec eux. Ne t'inquiète pas. Je regarde en bas. Trop compliqué, vous la montrez, Taki. Je l'ai pas vu non plus, c'est que c'est sur l'autre PC en gros, du coup. Bon bah compliqué hein. Là y'a vraiment aucune trace? Aucune trace. Incroyable. Mais en fait cette histoire du début à la fin elle est trop bizarre. Un, je sais pas comment il a pu nous voir. Surtout il était ici. Bah surtout déjà ouais. De cette position là. Et puis dans un deuxième temps, admettons qu'il avait un guetteur ou un complice d'hélicoptère. L'hélicoptère était au sol et positionné à la villa. Donc Mais quelle villa? Quelle villa? Parce qu'il y en a 40. Non mais il y en a qu'une seule au niveau du phare. Tu parles de la maison du phare? Non, là, il y a une grande villa. Mais par contre, go demander un mandat de perquise, hein, parce que l'hélico a pris la fuite. Hein. Mandat de perquise, vous avez un nom du proprio? Bah non, mais ça, faut demander à l'agence IMO. Bah allez-y. Ah, ouais, mais pour ça, il nous faut un mandat. Un mandat de réquisition. Ah, bah le truc, c'est qu'il faut savoir le nom du gars. C'est-à-dire que moi, je vous le fais le mandat, mais si j'ai pas le nom du gars, je vais pas mettre la maison de la prairie, quoi. Réitéré? Salvaré Sabino. Salvaré Sabino, ok. Oui, je l'ai dit en radio avant. J'avais pas entendu. Hélicoptère vert et rouge avec des écritures, je vous ai enverré une photo dans Internet. Là, les gars, négatif, messieurs, du calme, messieurs. C'est pas moi, c'est Nico, c'est moi qui est venu avec. Ah, copie. Qu'est-ce que vous faites là avec Nico, pas 42 qu'en... Comment on peut réitérer à 11? Qu'est-ce qu'il faisait là? Vous faites là avec votre hélico, vous étiez sur une opération de police? Non, j'étais dans une villa au nord pour une soirée, j'ai dormi là-bas et. En me réveillant, j'ai pris l'hélico pour venir. On redescend dans le sud. On vient vraiment de perdre notre temps sur ça là. Vache, putain, on vient de passer vraiment du temps là. En 2-0-1, c'est code 4 à toutes les unités 10-19 au poste. Oh l'angoisse! Oh l'angoisse, tout ça pour rien, Jean! Maman! Là, vous voyez, Odinson, c'est ce qu'on appelle hein. Un flop. Tout va bien? C'est quoi, c'est 42 qui l'a emmené du coup, c'est ça? Tu veux pas conduire? S'occupe pas. Alors, du coup, comme je le disais, Dinson, voici ce qu'on appelle un flop dans le jargon. Opération où de bout en bout, on a rien. Et notre seul suspect, on vient de se rendre compte que c'était un sergent qui sortait de soirée. Ah non. C'est un peu la honte, il faudrait pas que ça se sache. En effet. Est-ce que du coup, j'ai pas pu faire mes preuves sur cette mission, j'étais prêt à tout. C'est pas grave, Odinson, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire vos preuves tout le long de la soirée en patrouille avec moi. Très bien, je me montrerai digne patron chef. Ils ont fait, grosso modo, voilà, vous avez entendu, en fait, on avait une opération où, grosso modo, je pense que les brigands ont pas assez joué leur scène parce que, du coup, ils ont pas donné assez d'informations pour qu'on puisse avoir vraiment une confrontation. Du coup, on a le seul suspect qu'on avait vu, c'est ce fameux... Ils vont plus vite, mais ils m'ouvrent simplement la frontière. Je vais les doubler parce qu'ils vont être obligés de ralentir. Ce fameux hélicoptère-là, en fait. Ce fameux hélicoptère-là, qu'on a vu, en fait, c'était un agent de police qui était venu, qui est rentré de soirée, qui a pris un hélicoptère. Tu la vois pas, l'ouvrir, ça. Et qui a fait ça, quoi. Attends, laisse-moi conduire, je vais la passer. Et la vidéo, du coup, c'est la seule chose qu'on avait, mais on sait pas du tout où ils sont, donc on a aucune info, ils répondent pas. Donc on est comme des cons. Vous avez été encore bien malin, vous avez fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, patron chef. Pas très sûr que ce soit très ingénieux, mais au moins ça le mérite d'avoir été fait. C'est efficace. Et du coup, bah en fait, là on vient de vraiment passer une heure et demie pour rien.
normalement loper l'opération. Alors, du coup, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Pas dans l'immédiat, non, patron. Appelez-moi Anderson, arrêtez de m'appeler patron. Anderson, copier. Copier. Je m'arrêterai pas. Attention, patron chef, à ne pas créer un suraccident. Bah, je suis là. T'es là? Bah, je suis là. Ça marche. Nico. Il veut pas nous laisser passer avec son buggy. On double pas par la droite, on vous a jamais appelé le code de la route? Et quand je vais à gauche, tu vas à gauche. Bah, c'est pas de ma faute, change de voie. Patron chef, j'ai l'impression que vous ne montrez pas l'exemple aux civils et aux citoyens qui nous entourent. Vous avez raison, Odinson. Vous n'avez pas une conduite à adapter, bien que je ne remets pas en cause de votre ville capacité à conduire ce bolide. Oh non, patron chef, je vous ai vexé, je vous demande pardon. Non, vous inquiétez pas. La prochaine fois, je me... Vous avez été très bien. Ok. Plus de peur que de mal, patron chef. Oui, ils sont bien équipés, ces véhicules. C'est ce qu'on appelle la technique de la torture. On se fait braquer, les petits gars, on se fait braquer. Fais une backup au lieu de panique. Ils sont braqués où? Backup, Jefferson. Ah oui, bah regardez, il est là, l'hélico. Oh mon dieu. Ah non, c'est un petit peu la honte. C'est un petit peu la honte. Et vous voyez, Odinson, on est les seuls à revenir intact avec notre véhicule. Mais y'a pas quelqu'un qui se faisait braquer? Faites un code 2, s'il vous plaît. Ah, moi j'ai entendu, on se fait braquer, faites un code 2. Allez, venez. Dans la vidéo, on les a semés, mais. 0 à retour fréquence. Je pense qu'ils essayent de choper le vice-gouverneur. C'est quoi le véhicule? Allez-y, faites un code 2, expliquez-moi la situation. Quoi le véhicule, s'il vous plaît, 07? Très bien, du coup, vous n'intervenez pas, vous les laissez se tirer dessus dès lorsque ça. Ils prennent la fuite, vous prenez des poursuites. Ouais, bah 18. Et vous occupez bah, des blessés. Couleur, ça ressemblait plus à un. C'est quoi, dispo? Comment c'est, dispo? J'ai un doute, c'est bien 18? Sur quelle intervention allons-nous du coup? Niveau des 10-31. Ouais, affiché. J'ai une fusillade sur cette dernière backup. Ouais, ok. 2-0-1, ça a l'air de se tirer dessus au niveau du centre commercial, à l'intérieur. Plusieurs blessés au sol. Parti tout droit à droite, c'est parti, regarde en face. 56 actuellement d'un Huntley S occupé 3 fois. C'est actuellement 56 d'un véhicule qui est sorti de la fusée. Allez, je vous laisse faire école radio pour la poursuite. Vous dites qu'on est sur la poursuite du Huntley. Adam 01 en poursuite d'un Huntley rouge occupé au moins une fois. Vous êtes repassé sur 911? Non. Parce que je vous ai pas entendu. Ah, autant pour moi. Je cite. Adam 01 en poursuite d'une Huntley rouge occupée au moins une fois. C'est toi, t'as regardé comment tu vas? Parce que j'étais en train de faire mon call là, enfin le 1056 là. Ok. Je vais essayer de commencer à engager la discussion avec eux dès qu'on sera assez proche. Allez-y, je vais essayer de me rapprocher. Messieurs! Dans ce parking, sur ce code 2. Messieurs, nous vous encourageons à vous arrêter! Monsieur, nous vous encourageons à vous arrêter! Nous pouvons discuter! Ah, rien n'y fait. Ils n'en font qu'à leur tête. Oh. À 10:50. Ils repartent direction Fête Foraine Sud. À
Adam 55, on est juste derrière vous. Il les a récupérés, c'est fou. Petite ruelle autour du Astro sur ce code 2. On est derrière vous. 0 info sur le Huntley, s'il te plaît. Il tourne en rond sur ce code 2. Vas-y, rattrapez-le. On m'en occupe. Moi j'aurais planté la voiture 4 fois déjà, moi je vous le dis. Hein. Bonsoir. Un petit côté Gauvin de Kaamelott. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez bien vous arrêter, s'il vous plaît, messieurs. La Torrens, lâchez la poursuite, s'il vous plaît. Viens, vous prenez le lead poursuite. Bon, je vais essayer, mais... Ok, bon, ça marche. Reprenez quand vous pourrez. Je peux. Démarqué, j'ai besoin de... Ah, mais elle trace sa voiture, quand même, hein. Mine de rien. Oh non, patron chef, j'ai l'impression que la voiture est en piteux état. Ouais. C'est pas entièrement faux. Direction plage, ça va, direction plage. Allez, ça marche, actuellement on a le véhicule qui se fait à fumer, on va être obligé de faire un arrêt au poste. Affirmatif de 42, on est proche de votre poursuite. Allez-y, reprenez le relais. Le problème c'est que la STX c'est pas du tout une voiture pour la poursuite, elle est passée rapide. Ah non, vous avez été super et le véhicule lui aussi, ne vous inquiétez pas, c'est la faute à pas de chance. Non, sur mon dernier code, et on remonte direction Est. Oh merde. Direction le BXB Flash là. J'ai besoin d'agents au niveau de mon code B s'il vous plaît pour s'occuper des individus. Derrière là, 42. Ouais, c'est magnifique. Oh, le véhicule a arrêté de fonctionner. Oh là là. Juste attends. Très bien. Est-ce que... Non, j'allais vous proposer quelque chose à Dinson, mais je suis pas sûr que vous soyez très à l'aise. Je ne suis que très rarement à l'aise. Vous êtes à l'aise en moto ? Je me montrerai digne s'il le faut, si vous avez un casque. J'ai pas de casque pour vous. Oh non, si vous avez pas de casque, alors je ne monterai pas sur une moto. Excusez-moi de vous manquer de respect, patron chef. Y'a pas de soucis. Ah, attendez, faites voir. Merci pour le follow, Choukapik. Bienvenue. Ah, il y en avait un autre, Choukapik. T'as rejoint 2 personnes pour toutes les unités. Attendez. Qu'est-ce que c'est dans la cellule là ? Actuellement, pourquoi, pendant que j'ai fait une demande de renfort, personne n'était disponible ? Ah, pas du tout. 38, j'étais sur des 10-31. Bah, track, je l'ai pas encore récupéré. Merci à toi, ce Diablo, pour le follow aussi. Bienvenue. Pourquoi il crée lui ? C'est le fameux lieutenant. T'es en Gauvin 29 en procédure. Bonsoir. Adam 23, non, il connaît tout le monde. Oui, il connaît ses propres collègues. Bah, 01, vous rappelez pas de moi, le copatron de Apple lorsque vous a invité avec Tim Cook dans nos locaux sur LA. Attendez quoi ? Vous avez dit quoi ? Je suis le copatron de Apple, vous rappelez plus d'une moi quand on vous a accueilli avec Monsieur Cook en personne dans nos locaux à Apple. Ah monsieur, vous avez pris un avocat ? Oui, j'ai pris un avocat. Nous vous avons fourni énormément de téléphones pour vous et vos agents et c'est comme ça que vous remerciez vos plus sincères partenaires. Ah bah écoutez, certainement, je me souviens pas de vous, mais en tout cas, Steve Jobs et tout ça, ouais, je me souviens bien. Ne parlez pas des morts de la sorte. C'était un très bon ami à moi. Monsieur Anderson. Morrison, je vous laisse gérer. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Kurt? Pour cet individu, je le recense quand même. Oui, recensez-le. Je vous ai dit de le recenser, faites-le. Allez, entendu. Non, mais tu copier, faites un nouveau truc. Mettez les codes 2, j'ai passé les mimes. Les rookies, allez travailler les mois. 2-0-1 pour Gros Désir, calmez votre radio et faites des calls utiles. Il remet tout à sa place. Et voilà. Vous avez vu, j'ai mis mon gilet pare-balles avant que vous me le demandiez. C'est très bien. Est-ce que vous avez, vous voulez conduire ? C'est à vous de voir, je ne sais pas si je serai aussi talentueux que vous l'êtes. Je ferai de mon mieux si tel est mon sort.
Pour ce soir, je me suis pas montré très talentueux. Vous avez été très talentueux, patron chef. Ne vous sous-estimez pas. Alors pour aller en avant, c'est le levier vers l'avant. C'est ça. D'accord. Bon, c'est un gros gabarit. C'est plus gros que ma voiture. Suite à la fusillade. Copie. Combien d'unités sur votre poursuite? 2. Copie. Pour un dop, peut-être un plan récup ou un plan pneu, on sait pas. C'est bien pris, faites des codes. C'est toi, c'est Diablo. On va se rapprocher pour essayer d'anticiper. Le niveau de Cypress actuellement. Vas-y. Pas ton chef. Sur Cypress flat. Passer au niveau de la case. Je connais très mal cette ville, sauriez-vous me guider? Prenez les appels, prenez simplement les appels derrière. Celui-là sur, ouais. La route, on passe dans les quartiers, les voitures grises là, je sais pas c'est quoi leur quartier. J'ai fait demi-tour, vas-y. J'y vais à toute allure, patron chef. Vas-y, mettez les codes. Allez-y, montrez-moi votre vitesse. À toute allure, patron, à toute allure. Pour commandant de Sable. On retourne sur la dernière backup. On est indispo là, Jefferson, juste après. Ce véhicule est fichtrement puissant, on sent les chevals. Vous trouvez? Ah oui, ça va bien. Hey, monsieur, le contresens! Tout le danger. Vous allez noter ma conduite ou pas du tout? Bien sûr. Ah, très bien, alors je vais me montrer digne. Ouais, toujours, montrez-vous digne de porter cet uniforme. C'est ce que je m'efforce de faire, j'espère que ça se remarque. Bien sûr que ça se remarque. En attendant, Odinson, je vais manger un bout. Je vous en prie, bon appétit, patron chef. Est-ce que j'ai des unités au niveau d'une épicerie qui serait braquée à côté du quartier ZT? Négatif de l'op 01. Il y a encore l'automatique juste à côté de la fusée. C'est pas très clair pour moi quels sont les appels que je dois prendre, patron chef, quand vous aurez plus la bouche pleine. Tailgater S qui va se rajouter, je crois, sur la poursuite Tailgater S noir nacré rouge. Très bien, avec lui, un code 2. Prenez celui-là. Pardon, quand vous étiez en train de manger, j'espère que vous avez pas fait une fausse couche de bouche. Je voudrais qu'il y ait minimum 2 unités et préparez-vous. 2-0-1 confirmé quand il y a un call. Ça vient The Diablo, je sais pas où il faut aller, je comprends pas trop leur système d'appel en fait quand il y a 10 000 trucs qui se passent. Sur la droite, on s'en fout, on a fait des pas mal de temps. Alors autour du parking blanc. Call prioritaire 2-0-1 sur ce code 2, autour de la Maze Bank, il y a une réunion de deux gangs apparemment qui ont l'air de se faire un face-à-face, ça risque de partir en couille. C'est simple, les unités en procédure, vous gardez vos procédures, je veux pas vous voir partir à droite à gauche. Patron chef. Ne vous inquiétez pas, Dunson, vous allez y arriver. D'accord, mais je suis au bon endroit là ou pas? Négatif. Très bien, patron chef, excusez-moi de ne pas vous faire honneur. Après, moi je peux pas prendre les appels donc je vois pas où c'est. Au. Vous... Aïe, aïe. Bonsoir. Patron chef. Patron chef, pardon. Patron chef, pardon. Patron chef, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Patron chef, je vous demande pardon. Patron. De 1, vous venez de bouffer ce poteau. Patron chef. J'ai dû enculer le pare-choc. Patron chef, désolé. Et en plus de ça, on a plus de portière. Patron chef, je vais mettre la portière dans le coffre. Et on va aller à l'armée. Maintenant, vous revenez ici, vous accompagnez les individus à l'hôpital et vous faites la procédure au complet. Merci beaucoup. 2-0-1 disponible. Et que voici. Démaqué, donc, pour ce soir et pendant 24 heures, nous passons en code rouge au niveau de Los Angeles. Tout le monde en gilet pare-balles. Pour ceux qui ont les codes Robert, autorisation de sortie de code Robert. Vous voulez que je rentre la voiture? Copie.
Pas de... De 0 call prioritaire sur Wardog actuellement, c'est en train de shotfire à l'arme automatique. Attendez, Odinson, arrêtez-vous. Ouais bah allez-y. Allez-y. Tournez à droite. De toutes les forces. S4 Adam 70, on sera sur les lieux. S4 Adam 38, on sera sur les lieux. De 24, on attend le dispatch. Copy, vous appelez le dispatcher. Pour les unités qui arrivent, on est arrivé sur place actuellement. Aucun contact visuel. Pour la dame 55, les individus sont partis à l'hôpital avec les ambulances. Ils sont partis à l'hôpital directement. Vas-y, essayez de suivre les gyros. Les sirènes. Ouais. Ça avait l'air de remonter sur les canaux, ils doivent être à l'intérieur, oui. En dessous. 55, on sera à l'hôpital. 4, merci. Écoute, 91, on s'est pris un plan pneu slash plan tentative de meurtre. Au de Wardog dans les souterrains, il y avait du coup un Huntley S couleur rouge vif occupé 3 fois suite à la dernière fusillade. Et je crois qu'au fond c'était une telle guetteur, mais je suis pas sûr. C'est copé. On va faire un 4-2 de la dernière zone, si vous voulez. La dernière zone, ici même, hein, possibilité de sortie au niveau des docks. Moi-même et mon collègue, on est en train de vérifier les docks. Et bien après, on est également sur place, on est en train de tourner. Bien Odinson, continue comme ça. Je fais de mon mieux, excusez-moi, je suis très stressé, pardon, excusez-moi. Arrêtez de vous excuser. Non, excusez-moi, pardon de m'excuser, excusez-moi. Non, j'espère qu'il n'y a personne de blessé. Est-ce qu'on a un identifiant? Le blanche faisait partie de la fusillade, pour information. Le blanche arrive sur vous en toute vitesse au niveau du dernier code de fait d'attention. De 01, le véhicule blanc nous suit sur ce code 2. Négatif, il vient de lâcher, il vient de continuer une direction quartier Vagos. 10-4. Du coup de 91, gilet pare-balles pour tout le monde, arme en main. C'est code rouge. Et salut à toi le rebeu, comment tu vas? Bienvenue. Pardon, vous êtes encore en train de manger, pardon, j'avais pas vu, excusez-moi. Ouais, bah vous venez de m'en foutre partout. Pardon, monsieur, attendez, j'attrape une petite serviette, je vais vous essuyer. Vous me permettez de mettre ma main entre vos jambes, pardon, chef, pour vous essuyer? Enlevez-moi ça! Je voulais juste aider, pardon, excusez-moi! Voilà, mais regardez en plus votre serviette, ouais, pour information, elle vient de passer par la fenêtre. Pardon. Y'a rien qui vous choque là, j'ai plus de porte. Patron chef, pardon. Ah, y'a la police qui nous suit, faudrait s'arrêter, ils veulent nous contrôler peut-être. Salut les collègues. Bonjour les collègues. C'est en pas de contrôle. Ça va tranquille? C'est qui ça? Oh la porte là, allez la réparer, bordel. Patron, excusez-moi, patron. Vous êtes en train de dire ça à qui, gros désir? Bah attends, mais je vous ai pas, vous bouge pas, je vais lui faire le bisou celui-là, mais il est malade. Ah non, monsieur, je vous demande s'il vous plaît de rester dans votre véhicule, vous mettez votre sécurité ainsi que. Attends, c'est qui celui-là qui me crie dessus là? Attends, c'est qui me parle là? Oh, descends! Ah non, monsieur, je préfère. Franchement, quelle famille vous. Ça va? Franchement? Ah non, messieurs, il y a des brigands qui sont en train de s'échapper! Vous êtes en train de faire des âneries! Oui, toi, descends, t'es qui? Je suis Odinson, je suis Peter Odinson, c'est un honneur. Il me semble d'avoir dit descendre. On va faire un tour, Mayweather, parce que. Pas du coup, maquet? Bon, c'est fait rafale avec 91, mais sinon ça va. Pas dit qu'il y avait des coups de feu. Regardez là. Ah ouais, c'est Rhys Anderson. Ah ouais, ça date déjà d'il y a 5 minutes. La balle est passée à ça de mon oreille. Ouais, c'est Rhys Anderson. Ça prend plein œil dans l'œil. Ouais, c'est Rhys Anderson avec Gishi, ouais. Exactement. Bon, moi c'est Odinson qui conduit, donc m'attendez pas sur les poursuites. Attends, mais il est bouché l'Odinson ou quoi? Oh! Non, mais s'il vous plaît, monsieur, je sais que vous êtes tactile. Monsieur, je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir s'écarter du véhicule pour que je puisse reprendre ma dynamique. Passez une heureuse soirée, monsieur l'agent, vous respectant de tout le respect que je vous dois, patron chef. Vous trouvez que je conduis pas vite? Patron chef, vous me trouvez pas très rapide? Ah non, patron chef est déçu. 01 pour 09 19. Bon, répétez votre call si vous connaissez pas vos codes DEN. Patron chef. Madame 70, 10-98. Allô?
Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous me parlez à moi? Vous me parlez pas à moi, c'est sûr. De quoi, Grand Désir? Si le rookie, il désobéit au prochain ordre, son cul, il va chauffer! Ah non, je non! Je vais décider ça pour se présenter! Ou bouge pas, tu m'entends bien, petit rookie? La prochaine fois que je te donne un ordre, tu l'exécutes pas, crois-moi bien que c'est pas que mon coup de pied non, qui va m'envoyer! Non, monsieur, monsieur! Est-ce que t'as bien copié? Monsieur, gros besoin! Non, monsieur, pardon, gros besoin! Pardon, monsieur, gros besoin, pardon, excusez-moi! Pardon, excusez-moi, monsieur, gros besoin, pardon! J'accepte vos excuses pour cette fois-ci, une fois pas deux! Ah, merci, excusez-moi de vous faire pardon! Monsieur Gros Zizir! Point disposé! Bon courage pour votre, pour votre comment, patrouille! Bisous! Ouais, bon, tant pis. Il a raccroché. Il est spécial, monsieur, ouais. Gros besoin. Oui, gros. patron chef, vous trouvez que je conduis pas vite, c'est ça? Non! Vous roulez à votre allure! Mais patron chef, si je peux me permettre, ce véhicule n'est pas fort vif. Vous trouvez? Ah oui, je pourrais vous impressionner avec un véhicule qui se voudrait plus. On va aller au poste. 89 de nouveau disponible. 0 à 10 19 PDPV switch. 4 sur le dernier 10 31 Mayweather. Ce serveur à Nayan c'est Nayan c'est Flashland. Avec ses qualités ses défauts quoi. Ouais bah j'étais tout après-midi en vocal avec lui en plus, pour te dire. Je suis un petit peu déçu de vous avoir déçu de par ma conduite. Mais vous m'avez pas déçu? Je vous ai dit que je vous ai déçu, que vous m'avez déçu? Non mais je suis capable de lire entre les lignes. Messieurs, shot fire sur nous, shot fire! Attends, Bénise, t'as code dessus super rapidement. Ok, allez vite au poste. Ah d'accord. Unité les plus proches du Bénise, rendez-vous sur le code 2 s'il vous plaît. Madame 92. C'est-à-dire Nayon, en RP tu veux dire? Vous avez un descriptif du véhicule? Bien sûr, véhicule rouge pour ton instant, toujours à l'arrêt. Ils ont tiré sur la moto qui détenait l'homme qui a tiré sur la femme du vice-gouverneur. Alors, c'était quoi les véhicules? Kuruma rouge. Affirmatif, on est en 1056 derrière elle. Actuellement, on part en direction du pôle emploi avenue. Une belle manœuvre, il faut qu'on se dépêche, je crois. C'est bien pris de 0-1, je vais déployer une Edward pour interpeller le véhicule. Pour Jefferson, vous me décochez la poursuite là avec votre argento, vous avez le vice. Oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Bah, vous avez deux idées, parfait. Vous êtes actualisé votre code 2 s'il vous plaît, 42. Affirmatif, actuellement on tourne autour du Bénise sur ce. Non, pardon. Là, on part en direction de l'aérodrome pour les hélicos là. J'arrive. Officier là, officier, rangez-moi le scout là, s'il vous plaît, urgent. Je peux pas vous prouver que je conduis vite si c'est pas moi qui conduis, patron chef. Vous inquiétez pas, vous conduirez juste après. Entendu, patron chef. Bisous à toi, Caillou, pense à toi. Peut-être demain, Caillou, je serai en live sur la chaîne principale. Potentiellement, sur la chaîne principale, je serai en live demain. C'est bien pris, je vous vois. Et c'est non, ouais, non, je sais pas si t'es encore là. Je suis par en direction du parking blanc actuellement. Encore par là, elle rebeu ou pas? Je sais pas encore par là, elle rebeu. Je rappelle maximum 3 sur la poursuite. Je veux pas voir actuellement, Arcadius Avenue, on part vers le Rockford Plaza. C'est bien pris, une fois mon arrivée, si vous êtes deux ou un véhicule décroche. Ouais, c'est bien reçu. Adam 47. Mais ils arrivent à se retrouver, ça me rend fou ça. Moi ça me rend fou, ils connaissent tellement la map qu'ils arrivent à se retrouver, à se dire où ils sont en radio et à se retrouver, c'est fou, vraiment ça. Attention, me bute. Bloquez pas. C'est dans 0, on arrive sur les lieux. Je crois qu'il a pris une voiture qui va vraiment vite. On est derrière lui, on attend que vous recollez et ensuite on décroche. C'est bien pris. Adam 47. Zéro, on vous laisse passer. Copy. Merci Adam 47, on décroche. Ça va être dur de se mettre. Collez le patron parce qu'il avait quelques problèmes. Messieurs, nous vous recommandons de vous arrêter, vous ne faites qu'empirer les issues de notre intervention. Hop, messieurs, s'il vous plaît, faites preuve de raison, vous mettez votre vie à celle des citoyens en danger, messieurs.
s'il vous plaît, arrêtez-vous, vous mettez votre vie en danger ainsi que celle des agents qui vous protègent. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Monsieur. Le 01, plan pneu. Actuellement, plan pneu, messieurs, sur ce côté 2. Ils sont actuellement au-dessus de l'autoroute, près de l'unicorne, messieurs, s'il vous plaît. On est HS. Adam 47, on recolle. Véhicule neutralisé sur ma position. Un maximum d'unités, s'il vous plaît. On arrive 4, Adam 47, on arrive. Le véhicule a les pneus crevés, il continue direction nord sur la freeway. 10-4, bien reçu. Adam 55, 10-19, au code 2. Continue tout droit, continue tout droit. Continue tout droit, tout droit, tout droit. Yes. C'est quoi comme véhicule s'il vous plaît, 42, il est pas avec vous? C'est un véhicule beige type fugitive ou oracle, j'ai pas bien vu. C'est reçu. 42, il est pas avec vous? Négatif. Purée, notre véhicule est HS. Le prioritaire McDouglas et 07 ont été pris en otage par une charter blanche et noire direction Maison Carena, s'il vous plaît, si on peut avoir des unités. Des doigts 0 négatif. 47, on arrive, code 2 s'il vous plaît. On n'a pas de code 2, on a reçu un appel à la centrale là et c'est l'information qu'on a. Rocam, ils étaient sur le pont, ils ont enculé. Chapter noir, par contre, on n'a pas les plaques. Vous faites un contrôle simple de routine. Mouvementé, j'ai eu un petit peu peur pour ma vie, mais vous inquiétez pas, j'avais votre. J'étais prêt à vous couvrir s'ils étaient venus, hein, ouvrir le feu à vos égards. Je suis monté dans un véhicule, essayez d'aller au poste, récupérer une voiture, s'il vous plaît, 09. Heureusement que c'est pas moi qui conduisais. Ouais, peut-être que vous auriez réussi à anticiper et à voir le plan pneu. Hein. Oh non, non, non. Bonsoir. Oui, Pat, tu peux nous faire un changement de pneu? On s'est pris un plan pneu. Tu gères. Je crois que je vais revenir. Hein. On est mort de vos incompétents de collègues. Là. Ah. Incompétents, là, hier. 0-16, Benize. Et hier, Alex McDouglas s'est fait prendre l'otage, je dis, bon, mon collègue, ce véhicule-là, parce qu'il va à l'endroit où... Restez là, on arrive, s'il vous plaît. Ils y vont pas. Bien pris, ouais, merci. Je vois. C'est normal, ça? Regarde, Pat, je te présente mon rookie, là. Madame 89, on est actuellement en 1056... Bonsoir, je suis Odinson, Peter Odinson, ravi de vous rencontrer. On est en direction du Bahamas. Plus quand tu finis ta phrase. Non, pardon, excusez-moi de vous déranger. Je ne voulais pas être désagréable, pardon. Bah, essaye, hein. Je suis comment? On demande au capitaine. T'as une jolie coupe de cheveux. Merci infiniment pour votre gentillesse, monsieur. Vas-y, Paxi. Nous devons intervenir rapidement sur des assaillants, monsieur. Alors, je dois vous passer compagnie, mais c'est un plaisir. J'espère que vous partez pour le mieux, monsieur. Demande à Torrento, le deuxième capitaine. Tout va bien. Entendu, excusez-moi, je ne voulais pas me montrer menaçant avec mon tasser, excusez-moi, pardon, je me rends disponible dans le véhicule. Ça gueule en radio, je t'entends pas. Là, on est bon ou pas? Au niveau du véhicule. Ouais, parfait, je crois pas, je te tiens au courant, je t'appelle. Et essaie de booster mon truc pour... Vas-y, pas. Ah bah, non. Négatif, actuellement pas besoin de backup, on a juste l'information d'une shafter noire et d'une shafter blanche qui ont pris en otage 07 et McDouglas. Oh non, une prise d'otage. Position connue, Maison Carena. Ah, c'est à toi, Adjetas, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Je vais me rapprocher au niveau de la zone où j'ai aperçu le retroupement tout à l'heure. Adjetas. Vous aimez bien le bruit de ce bolide? Patron chef, est-ce que vous aimez bien le patron de ce le est-ce que pardon monsieur, est-ce que vous pardon patron, est-ce que vous aimez bien? C'est à moi que tu fais un doigt, petit con? Non, c'est... non. Non, vous inquiétez, non, je pense pas que ça nous était destiné. Non, vous inquiétez pas, patron chef. Bon,
qu'est-ce que vous faites de beau là? Ah bah je pense qu'il sera mis. Il a notre ami qui prend le soleil. Il y aura un match derrière là, donc il va commencer. Ah bah c'est bien de profiter un petit peu de ce que la ville propose culturellement, messieurs. La jeunesse, vous connaissez. Ah c'est vraiment super. Bah on va pas vous embêter plus longtemps alors, messieurs, et puis passez vraiment une très heureuse soirée. Et qu'il y ait plein de joie et de beaux sentiments et de belles émotions pendant le match. Merci, passez une très bonne soirée, messieurs. Au revoir. Vas-y. Ah. Central, on aurait comme information que monsieur MacDouglas prendre en otage. Bon, c'était super, on a pu rencontrer un peu les locaux, c'est bien. Moi je suis content de rencontrer du monde. Et puis ils avaient l'air bien sympas ces petits jeunes qui s'intéressent à ce que la ville a proposé culturellement. Bah ouais, on est d'accord. Certainement des sportifs. Ah bah oui, ils avaient l'air, ils avaient de sacrés cas. On vient de faire kidnapper avec le vice-président. Deux véhicules, un véhicule rouge immatriculé ZLX216, un autre véhicule blanc immatriculé. Allez, coucou à Kirito du coup. 843. Coucou à Kirito. Si vous pouvez faire un mandat de recherche là-dessus, si vous pouvez me dire à qui appartiennent ces véhicules, ce serait parfait. C'est bien pris, j'ai fait rapidement. Excusez-moi, je vous ai coupé 01 votre position. Pour 01, je vous laisse gérer la radio rapidement. Très bien, du coup de 01 pour Jefferson, vous me faites une backup de votre position, je vous rejoins. Et ensuite, allez-y, je l'ai faite. C'est parfait, maintenant vous me faites un appel sur le MDT et vous me mettez un maximum de détails, les plaques, etc. Dans la deuxième colonne. Réitérez s'il vous plaît. Faites-moi un appel dans le dispatch, deuxième colonne, avec tous les détails. Patron chef. Oui. Vous sauriez me dire sur le tableau de bord et sur la console comment on fait pour voir la liste des appels en attente? Commande de la 255, besoin d'un véhicule pour amener les collègues. Il y a tellement de boutons. Patron chef, il y a plein de boutons avec des appellations différentes, vous allez bien me le trouver. Écoutez, vous faites si comme moi. Courage à toi, Edel. Ah, Odinson, comment vous expliquez ça? Mais pourtant, ça me paraît pas bien compliqué. Regardez, il y a un bouton là, celui en haut à gauche, là, sur le petit boîtier, c'est F1. La direction des véhicules, s'il vous plaît. F1, ça fait quoi quand j'appuie dessus? Pardon. Ça fait rien. Lorsque vous allez dans l'interaction appel? Oui, peut-être. Ah, oui, ça pourrait. Attendez, je regarde. Ça rigole quand je vais. Ah ok. Non, c'est pas ça. Ah d'accord. Ah c'est très bien expliqué, je comprends mieux comment tout fonctionne. Adam 47, les deux véhicules sont déclarés volés. Ouais, on vient vous sécuriser le temps que l'unité avec le 4 places. Parfait, il faut l'emmener à l'hôpital de toute urgence. Il vient de lui briser les doigts avec un marteau. Je vous ai fait le rappel. Des véhicules, deux véhicules blancs. Apparemment, c'est des mecs qui travaillent au Los Santos Custom. Sur mon dernier code de une unité avec deux places disponibles, de suite. Non mais ne vous inquiétez pas, moi je vais rentrer à pied, embarquez-le. Non, embarquez-le, il faut pas que... Non, c'est quoi le temps, vous avez raison, embarquez-le à l'hôpital et nous on va se démerder, on va attendre l'unité pour nous chercher. Vous inquiétez pas, je vais revenir à pied, je vais récupérer un véhicule, bougez pas, j'y vais tout de suite, pas de course. Oui, Odinson, je suis. Salut Adam, merci Samy pour le follow. Il me suit vraiment, non? Il me suit. Oui, patron chef, vous inquiétez pas pour moi, amenez-le à l'hôpital très vite! Oui, restez avec Jefferson derrière, j'arrive. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout! Attendez. Parce que c'est pas fini, les initiatives. Attends, je vais essayer une chance de m'attendre. Monsieur, ne vous fatiguez pas avec cette belle chemise qui vous va à merveille. C'est bon, regardez. Oh non, on a déplacé des gens pour moi. Salut les petits gars. Ça va les gars? Bah, écoute, comme quelqu'un qui vient de se faire kidnapper. Hein. Non mais j'espère que l'espoir... Le matricule, juste que je me... Sergent Jefferson. Ramène-nous, sergent. 07? Oui, tout à fait. Oh, bah j'ai rendez-vous demain avec vous. Ah, parfait. Bah vous savez quoi, on va faire plutôt... Oula.
Ok, je vais vous mettre sur un petit truc, les petits gars. Il faut que vous me trouviez à qui appartient les immatriculations que j'ai donné là. Ok, ok, on va se débrouiller. Eh, sergent ? Oui ? Je serais intéressé aussi pour rejoindre la DD. Oui, vous êtes à quel grade actuellement ? Je suis officier 1. Oui. Et c'est moi qui faisais les rapports et tout, les plaintes, les suivis d'ordre. Tout à fait. Bah écoutez, faut juste que vous attendiez. 99 du lieutenant. Si jamais il y a des gens qui viennent nous parler, d'accord, vous étonnez pas, je suis Alphonse Chavigny. Alphonse Chavigny. Oui, tout à fait, oui. Si. Je suis undercover ce soir. Ok, ok, monsieur Alphonse. Vous êtes Alphonse ou undercover? J'ai pas bien compris, patron chef. Écoutez, vous dites juste Alphonse et undercover, vous le laissez pour de côté, ok? Attends, il y a. Entendu, c'est bien compris, monsieur Alphonse. Oui, ouais, tout un code. Vous êtes que 99? Oh, ouais, bah, je suis. On a pas besoin de toutes les unités, s'il vous plaît, seulement deux. On vous ramène où? À l'hôpital, à l'hôpital. Amenez-moi à l'hôpital et ramenez Anderson aussi à l'hôpital, comme ça il retournera avec le lieutenant. Faut que j'ai resté avec le gouverneur ce soir. Jefferson, vous m'avez dit, on va se voir plus tôt, c'est-à-dire. Mais au final, je me dis, mais le problème là, c'est que si vous voulez, il faut que je sécurise le vice-gouverneur. Ah, et en même temps, faut que je vous boigne. Enfin, vous m'avez mis un rendez-vous demain, hein, si vous voulez. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette voiture là à gauche? C'est un véhicule accidenté, ils ont dû vite repartir. Ah oui, d'accord. Du coup, ils ont dû reprendre un véhicule rapidement. Attendez, fais demi-tour. Deux véhicules là. Et là, il affiche juste les plaques de ce point. Là, on a du Z. Oui, alors écoutez, moi je vous assure que je n'ai rien vu, hein, messieurs. Je suis un banquier des plus exemplaires. ZQK pour la shafter. Oui, c'est pas ça. C'est pas okay. Ça, c'est pas est-ce ça. Est-ce que vous voulez que j'aille pousser la voiture, même si j'y passe la journée pour la ramener au poste? Non, vous inquiétez pas, j'ai appelé un mécanicien. Entendu, messieurs, patron chef. Oui, allez-y, amenez-moi à l'hôpital, s'il vous plaît, les petits gars. Pas de soucis. 01, je confirme, bonne prise en charge du gouverneur. 10-4. Bien, on se dit 10-4. Bien joué, patron chef. Odinson, on en est où du first incon là? Parfait, après j'ai vu 36 demain, on va voir pour vous faire passer votre first incon à vous. Je vous remercie infiniment pour votre sollicitude, mais nous pouvons prendre notre temps, ne vous inquiétez pas, patron chef. Vous êtes sûr? Vous savez que vous serez officiellement un vrai agent de police, hein? Oh non, mais vous inquiétez pas, j'aime bien apprendre à vos côtés. Je peux avoir votre numéro? Oui, bien sûr, alors faites pas gaffe, c'est au nom d'Albert. Il me faut un poteau. Là, il y a un super poteau. Voilà, j'ai trouvé mon poteau, on est bon les gars. Bon du coup, comment va tout le monde là? Merci pour les follow là, tout le monde, merci beaucoup à Getas, merci The Diablo, merci Chocapic, merci Fox, merci Samy. Qu'est-ce que vous foutez Odinson, vous êtes pas lampadaire? Je veux me faire discret tout en veillant à la sécurité de l'hôpital. Oui tout à fait, mais là on doit veiller à la sécurité du vice-gouverneur, et si vous êtes là, qui le surveille? Très bien, que dois-je faire patron, j'attends mes ordres. Si vous avez vraiment quelque chose contre eux, ok? Dites-moi, est-ce que vous trouvez que je suis un bon banquier? Est-ce que je suis bien banquier? Vous êtes formidable, monsieur Undercover. Parfait. Oubliez pas. Chavigny ou. Appelez-moi Chavigny, voilà. C'est très bien. Entendu, monsieur patron chef. Ah non, je suis pas votre patron, je suis banquier, monsieur. Oui, excusez-moi, monsieur patron Chavigny chef. Oh, excusez-moi, pardon, je vous bloque l'entrée. Excusez-moi, pardon, désolé. 55, 10, 19, 46 pardon. Pour dernier appel central. J'étais en train de se faire repérer. 4, merci beaucoup. Et je dois m'entretenir avec lui de toute urgence. Si je dois se faire repérer, vous ne pouvez pas vous entretenir avec monsieur. Vous êtes qui, monsieur? Ah, nous sommes médecins. Ah, parfait, ben regardez. Ah, non, non. Peter, faut toujours le trouver. Peter, faut toujours le trouver. C'est, il est toujours dans un poteau pas loin. Actuellement, il faut que je veille à... C'est toujours un poteau pas loin. Mes plantes. Oh non. Ah non, 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 non. Objectif de follow encore avant la fin du live. Comme ça, je suis à 26. Et comme ça, on est tous trop heureux. RP luminaire. Putain de merde. Quel enfer. Odinson, venez, qui me
protège à moi si vous êtes pas là. Excusez-moi, patron chef, excusez-moi. Non, mais je suis banquier, pas votre patron. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié, pardon, monsieur. Monsieur. Vas-y, rentrez. Ah, parfait, merci. On parlait de moi, voilà, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait, le vice-président maintenant. Le vice-gouverneur, pardon. Il est là. Ah, monsieur le lieutenant, comment allez-vous? Vous êtes précis, furieux comme un lynx. Vous êtes en train d'observer, vous avez remarqué quelque chose de suspect? Je me suis posté ici afin de pouvoir prendre des notes assidues si il venait à passer quelque chose de notable. Vous voulez pas dans la DD? Si, tout à fait, mais faites-lui son first aid call qui passe officier, puis officier 2, etc. Non, patron chef, je ne suis pas prêt, je ne serai pas encore digne de ces bandes munies sur mon uniforme. Si c'est possible, je souhaiterais un peu plus de temps pour assimiler les complexités, toute l'intelligence nécessaire pour exécuter ce métier à la perfection comme tous deux le fait. Oui, tout à fait. Je me sens stressé, Odinson. Non, malgré les apparences, sachez que je suis extrêmement détendu, patron chef. Oui. Vous avez des nouvelles du gouverneur ou pas? Oui, affirmatif, il est juste derrière vous en train de se faire ausculter par les médecins. Non, ça c'est le vice-gouverneur. Ça c'est le vice. Oui, bon, le gouverneur, je sais pas, ça fait un siècle et demi. S'il y avait plusieurs vice-gouverneurs, ça ferait les vices. T'as vraiment une Madame 55, pour information, code 6 au niveau de la requête family, il y a eu un kidnapping d'une certaine Aya. Attendez, Aya là, c'est la femme. RP Gouttière. Aya Nakamura? Non, Aya Nakamura. Merci à toi Gandalf Obès pour le follow Gandalf Obès. Quel pseudo putain. Gandalf Obès. Code 2. Kidnapping a eu lieu. C'est Niana. 91, revenez. Nia, non, je crois pas. Je l'ai pas entendu sur les ondes en tout cas. Après, j'étais. Bon, allez, venez, Odinson. Entendu, patron chef, je vous suis immédiatement. Je vais gérer avec le vice-gouverneur. Tu me surveilles, c'est ça. Il est juste ici. Non, il a été descendu en bas au bloc, je pense. Et c'est où le bloc? Vous descendez. Demandez au doc, il va vous renseigner. C'est toi qui est passé en face de blanc, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Excusez-moi. Oui. C'est quoi votre lien avec le monsieur le vice-gouverneur? Un ami. J'ai l'air de douter. Ah bon. Ouais. Voilà, c'est ça. Il est furtif, Peter. Quoi? Hop, bien rangé juste à côté des balais. Juste à côté du rouleau de PQ et des balais. Là où where he belongs. Voilà. Quoi, monsieur, policier? Non, j'ai l'impression que monsieur le vice-gouverneur est quand même... RP Déco. Quoi, ça s'appelle l'émission télé qu'il y avait en France, là où je... C'est pas DNCO où on... Oui, bon, je vous laisserai voir ça avec lui, hein. Vous lui dites pas que ça vient de moi. Odinson, on se casse. Entendu, patron chef, je m'exécute par la poursuite de vous. Vite, Odinson. J'y vais. Le bruit de ce moteur, maman. Vous êtes un fervent amoureux de la motorisation. Oh non, monsieur, qu'avez-vous fait? C'est un temps de détresse. Il y a monsieur qui court sur la route comme ça, faites attention. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, je comprends pas les accents. Je vais vous laisser gérer, je suis très mauvais en langue étrangère. Bonjour, on peut vous aider? Là, je vous vois courir sur la route à contresens. Ah non, pardon, j'ai traversé juste. D'accord, vous avez besoin d'aide, tout va bien? J'essaie de rentrer, j'ai eu mon véhicule parce qu'il a eu petit problème. Ok, bon. Ah bah ne vous embêtez pas, alors on va vous déposer, là vous avez besoin, comme on a véhicule que de place, je vais attendre ici, ne vous inquiétez pas, montez à... Non, en voiture. Pardon. Je pense que vous aurez beaucoup de problèmes si... Voilà. Ah désolé, on a un appel. Taxi. Ah non, pardon. Il y a un véhicule qui fume là et ça a l'air de se suivre. Ah non, c'est pas bon pour ses poumons. Mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît. Bah mon véhicule il fume donc je peux rien faire. De 55 à Central, on aurait une personne qui aurait besoin d'aide de concessionnaire moto pour une séquestration. Mettez-vous sur le bas-côté, on va essayer de voir. Mais quoi chef? Messieurs, s'il vous voulez bien s'il vous plaît vous mettre sur le bas-côté s'il vous plaît messieurs.
Ouais, chef. J'espère déjà, dans un premier temps, que vous vous portez à merveille. Chacun d'entre vous, plus que celui avant lui. Mon collègue si présent va... Mon collègue si présent va procéder à la discussion. Et moi, je vais me faire tout petit de mon côté. Hey, franchement, j'aime beaucoup votre énergie, monsieur. Merci, c'est un honneur de servir cette ville et de vous savoir la peuplant. Très charismatique. Monsieur, bah, il faut... Enchantez-moi, c'est Daryl, monsieur. Vous avez tout mon respect. C'est un honneur de vous rencontrer, messieurs. Ouais, chef. C'est un honneur aussi. Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît, patron chef. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe avec votre véhicule qui fait office de chicha roulante? Bah écoutez, je sais pas, elle a arrêté de fonctionner. Ah, vous savez ce que c'est? Ah bah, je crois que vous êtes en train de vous faire voler votre voiture en deux. Mon truc, elle marche plus. Il peut le voler, ouais. Mais... Dinson, il y a une tentative de vol là, vous le laissez courir? Monsieur, excusez-moi! Monsieur, excusez-moi! Oui. Comment allez-vous? Est-ce que vous pourriez vous arrêter, s'il vous plaît? Non. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous arrêter? J'aimerais échanger avec vous, s'il vous plaît. De manière très polie, s'il vous... S'il vous plaît. J'aimerais avec beaucoup de paix... S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous vous arrêter, s'il vous plaît? Monsieur, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir vous arrêter, s'il vous plaît. Monsieur, c'est vraiment pas le moment en ce moment de faire des bêtises, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez-vous, je vous le demande, s'il vous plaît. Monsieur... Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire, là, de voler un véhicule devant nous, là? Je vais gérer. Merci beaucoup, monsieur, pour votre aide. Merci, commandant. Alors, monsieur, bonjour. Non, je disais, je voulais gérer. Il est avec toi? Ah, ok. Ouais, il est avec moi, le rookie, ouais. Bonsoir, monsieur, j'espère que vous vous portez bien. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît, monsieur? Je sais pas comment ça se fait. Bonne question. Ah non, monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous me communiquer, me véhiculer de manière Carter, votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Jin Chang. Ah non, patron chef, je dois faire une confession qui est bien maladroite. Je suis très mal à l'aise avec les accents, je suis mauvais en langues étrangères et ne comprends pas ce que l'individu essaye de me véhiculer comme message. Je vous demande pardon, patron chef. Bah, vous voulez voir ma carte d'identité, je pense. Oui, que ça sera plus simple. J'aimerais des renforts avec moi, s'il vous plaît. Il est un peu timide, là, aussi. Non, non. Ah, non. Merci à toi, Frisou, bienvenue à toi. Une seconde. Comment je montre mon carte d'identité? On dit je parce que il faut montrer vous dans votre directement dans vos poches vous me la glissez dessous mes yeux. C'est quand même assez facile à utiliser un portefeuille. Un portefeuille. Ah oui, c'est quand même facile à utiliser. On a une pièce d'identité du coup, monsieur... Ça arrive. Non, vous êtes super, monsieur, vous n'ayez pas peur, vous pouvez baisser vos mains, moi j'ai absolument confiance en vous. Sur les lieux, une personne retrouvée. Ça va, moi aussi, hein. Vous pouvez arrêter de bégayer. Hein. Non, vous parlez comment à mon officier, là? Non, pardon. Vous tentez de voler un véhicule devant nous? Non, c'est que de la compréhension, je suis sûr que ce monsieur, vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de problème, Non, tout va bien. Monsieur, vous avez pas de pièce d'identité? Non. D'accord, alors ce que je vais vous demander, monsieur, il faudrait s'il vous plaît me faire la promesse sans vouloir vous donner des ordres et vouloir vous m'amener. Je voudrais vous demander de faire quelque chose, mais je n'ai pas l'autorité de le faire. C'est vraiment que si vous êtes d'accord de le faire, parce que j'ai pas envie non plus de surmener mes droits. En gros, je voulais vous demander, si vous voulez, moi je vous laisse partir simplement avec un petit avertissement, bien que je n'ai pas l'autorité parfaite, que je n'ai pas la toute puissance en termes de sa voix. Si vous me jurez que la prochaine fois vous serez interpellé par les forces de l'ordre, vous vous arrêterez. D'accord. Très bien, monsieur. Alors, sur ce, je vous souhaite une très heureuse soirée et vous remercie infiniment de votre coopération. Merci. Ah, je crois que c'était limpide. Hein. Wow, oui. Vous pouvez disposer, monsieur. Bah, merci à vous et merci à vous. En vous souhaitant une heureuse soirée, clin d'œil, on a un deal maintenant. Vous aussi. Allez, où? Pardon, il y avait une mouche. Ouais, il y avait une mouche. Salut à toi, Aldo, merci pour le follow, bienvenue. Bonne soirée. Hein. Très bien, avec plaisir, monsieur, la soirée. Je la vous souhaite également meilleure que la mienne. Allez, moi je vais prendre mon véhicule et je m'en vais. Est-ce que c'est son véhicule, patron chef? Bien sûr.
marche. C'est toi, Roxane, pardon. Comment tu vas? Pardon. Tu vas bien? Je vous ai pas touché, hein. Non, c'est bon, j'ai fermé les yeux comme vous avez fermé les yeux. Monsieur, c'est bon, y a rien, y a rien. Monsieur, excusez-moi, vous sauriez s'il vous plaît me présenter vous sauriez s'il vous plaît me présenter les papiers de votre voiture? On y va, Odinson, on y va. D'accord. Mais parce qu'il y a eu la soirée, qu'elle vous soit aussi plaisante que vous l'êtes. Ouais. Au revoir, monsieur. Ouais, à dos, j'en meurs, hein, moi. Moi, j'en meurs, hein, vraiment. J'ai bien expliqué, là, je pense qu'il a tout compris. C'est à Roxane. Je te dis merci, Roxane, pour follow. J'ai un doute. Merci en tout cas de Roxane. Trop stylé, Roxane, comme prénom. J'ai pas tout compris à ce drôle de bonhomme, mais... Non, vous inquiétez pas, je pense qu'il a bien retenu la leçon. On n'est pas prêt d'y, on est pas prêt d'y reprendre. Ok. Bon, du coup, apparemment, le lieutenant... Wilson... Des Tango 42, on a dû ouvrir les feux sur un individu récalcitrant qui nous a tiré dessus à l'arme feu. Les neutraliser. Ah, Roxane. Du love de fou. Merci Roxane pour ces doux mots. J'espère vraiment que ça peut te faire du bien en vrai. Ça me rend heureux. Hein. Si ça a servi à ça dans la vie de quelqu'un, ce que je fais, ça me rend heureux. Merci en tout cas de partager ça avec moi aussi en vrai. Sincèrement, vraiment sincèrement. Ah là là, ah non, j'ai encore fauté, patron chef, c'est ça. Est-ce que vous voulez que je vous remette ma plaque et mon arme? La voici, mon arme. Monsieur, vous voulez mon arme? Saisissez-vous-en, patron chef. Arrêtez. De vouloir poser votre arme et votre plaque, d'accord? Patron chef, c'est... Arme, vous voyez, je veux qu'à chaque fois que vous descendez d'un véhicule, vous l'avez en main, cette arme. Très bien, pardon, patron chef. Non mais regardez-le, non mais c'est une dinguerie. Non, mais... bonjour patron chef, comment allez-vous? Ça va et vous? Hein, ça va très bien, est-ce que votre mission est terminée? Oui, tout à fait, j'aurais besoin que vous preniez la plainte du vice-gouverneur, s'il vous plaît. Oh, cela est bien ambitieux de tâche de confier une pareille audience à mes piètres compétences, monsieur! Mais c'est parfait, vous allez essayer, venez avec nous. Très bien, j'espère ne pas vous décevoir, monsieur, pardon, désolé, pardon. Je vais vous suivre, je vais fermer la marche pour être sûr que personne ne se perde! Ok, ok, merci monsieur Chavis. Bon, il mange quoi, lui? 2-0, off radio pour procéder. Et il tourne au Red Bull ou à la coque là. Ah non, madame, attention, c'est pas comme ça que ça fonctionne un escalier. C'est moi qui suis du père. Je suis perdu, non, c'est bon. D'accord, d'accord. D'accord. Backup au milieu de. Vous pouvez me faire la 0-1 là. Mon dieu. Sachant que les backups étaient trop rapides pour aller avec un bateau d'un point. Oh putain. Voilà. Je pense que j'ai plus de qualité que tous vous. Belle. Parce que à partir du moment où vous faites un plomb et je pense que vous allez devoir l'ASD essayer de venir dans le nord au plus vite. Oui, donc je vais lui faire un message, Léa. Je vais enlever ma radio. Viens pas. Je les laisse faire leur point. Parfait. Et qu'est-ce qui se passe? Explique-moi tout. Je sais pas, le BLPC là. Avec un flou. T'as un rappeur là. Écoute, tu vois ta tête là, tu vois. Lieutenant là, regarde ta tête là. T'as un set de foot dans la tête, sur la tête là, d'accord? Roxane, si j'avais ma carte qui était setup sur ce compte et sur cet ordinateur, je devrais faire un sub. Mais je te l'offre dès que j'aurai fini mon live, je te l'offrerai de mon autre compte où il y a la carte qui est dedans. Oui, mais le DHS. Ça me fera trop plaisir. Merde, je suis le seul agent qui est resté. En plus, je suis tout clean. This is my plan. Ils sont moins là, c'est pas crédible. Bah, madame, sortez sous. Comment ça, madame? Mais c'est pas ma femme. Ah non, je suis rien, moi je comprends pas combien vous avez de femmes. Hein, mais j'en ai qu'une. Mais arrêtez. C'est la quatrième, je pense. Excusez-moi, patron chef. Ouais, entrez, patron chef, entrez. Entrez. À l'ordinateur, Odinson. Très bien, alors je vais faire de mon meilleur. Puis-je utiliser ma tablette ou dois-je utiliser l'intranet de cet ordinateur? Vous allez utiliser votre tablette du coup et vous avez le premier espace dans le dossier qui s'appelle plainte. Je jette un œil là-dessus, patron chef. Je vous demande par avance de vouloir bien m'excuser pour la lenteur de ma procédure, qu'il s'agit de ma première.
Liena, je suis dans un bureau au PDP, je te rappelle. Justement, il faut une première à tout. Non, si vous me sentez trop incompétent, n'hésitez pas à me le faire savoir et je déposerai ma plaque ainsi que mon arme et j'irai retourner vendre des cafés. Liena vient de se faire braquer. Hein. Ah, putain. Elle en sort. Oh, merci à toi, Luke Need. C'est Reznav ça, Luke Need ou pas? Merci à toi, frérot. Vraiment, je voulais le faire moi. Je l'aurais dit bien que je te l'aurais fait à toi, mais tu sais ça aussi. Oh là là, Hitman, Avenger, Fantôme, Panther. Bon, c'est parti. Ah, on porte plainte, je crois. Vous, Dernier étage. Je m'appelle Anderson déjà, pas zéro. Vas-y, voilà. Vas-y. 90. C'est quel étage, monsieur Pour commencer, patron chef, je ne suis pas sûr de l'accomplissement que je dois effectuer ici. Alors du coup... Ça risque d'être assez long, hein. Ouais, je vois ça. Vous inquiétez pas, je vais faire tout avec mon cœur. Ok, donc du coup là vous êtes sur une nouvelle plainte. Alors déjà, excusez-moi monsieur, parce que vous avez pris la totalité des informations, je ne suis pas même sûr de la procédure que je dois faire, quel est l'objet de mon travail aujourd'hui. Ah oui. Ok. Du coup, vous allez sur le MDT. Oui. Vous allez dans l'espace plainte et vous faites créer. Vous allez arriver sur une page avec écrit nouvelle plainte. J'y suis, patron chef. Parce que là vous y êtes. Absolument, patron chef. Allez, Odinson, vous avez quoi? Vous avez 40 ans? Mais j'y suis, patron chef. Ok, bah dites-moi. Excusez-moi. Pardon, patron chef, pardon. Ok, Odinson. Ok, du coup là vous avez dépositaire, raison du dépôt, les faits ont eu lieu le et corps de la plainte, ok? C'est positif, donc, patron chef. Vous, dépositaire, vous prenez l'identité de monsieur le vice-gouverneur, donc Mac Douglas. Je vais finir en faillite. Oui. Et ensuite, raison... Bah là, la raison, il va vous l'énoncer. Et ensuite, le corps de la plainte, vous allez écrire ce qu'il va vous raconter. Ok. C'est très bien, patron chef. J'ai bien compris l'initiative que vous m'avez communiquée et véhiculée. Doucement, chef. Pardon, excusez-moi, je ne voudrais pas vous oppresser. Si vous voulez, je peux démissionner. Vous avez pas un joint de weed pour qu'il soit un peu moins speed? Ah non, ne vous inquiétez pas, la drogue c'est mauvais, le tabagisme passif fait mauvais effet sur vous ainsi que sur votre entourage. Toujours veillez sur votre entourage, patron chef, sans vouloir vous manquer de respect. Ok, parfait. Monsieur l'individu, avec tout le respect que je vous dois, serait-il possible, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, et si ça vous dérange, ne vous inquiétez pas, à ce moment-là je vous croirai sur parole, de me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur le patron chef. Attends, je reprends mon souffle. Ah non, pardon, excusez-moi, je vous agace, j'en étais certain, pardon. Attends, je récupère un peu mon souffle là. Pardon, patron chef. C'est une perle de l'académie. Ah ouais, hein. Bon, allez, reprenons un peu de sérieux là. S'il vous plaît, là une pièce d'identité, avec cela, je serai capable de faire des miracles. Lieutenant, vous pouvez aller chercher monsieur mon banquier, s'il vous plaît. Merci à toi, Léo. Désolé, du coup. Désolé à toi, dans Léo. Votre bureau. Je t'ai fait vivre un enfer. Dans son bureau. Merci à toi pour le follow, Léo. Bienvenue. Oui, moi aussi. Écoute-moi bien. Tu vas arrêter de prendre la coke, là. Pardon, excusez-moi, pas ton chef. Je vous certifie de ne prendre aucune substance illégale ainsi que légale. Si ce n'est que des mets délicieux pour nourrir mon estomac, patron chef, excusez-moi. Ouais, j'ai de la bouffe. Arrête d'aboyer, chef. Non, pardon. Monsieur, peut-être que vous seriez mieux disposé à prendre la plainte d'un homme d'un tel prestige. Je prends ma carte d'identité, tiens. Attendez, excusez-moi, pardon. Oh là, vous me bousculez là. Patron chef, attendez. Excusez-moi de vous bousculer. Patron chef, je pense que mes lunettes sont peu fonctionnelles et la pièce d'identité de ce monsieur ne m'apparaît pas bien claire à mes yeux. Échappez-vous de ça. Au pire, prenez simplement son nom et prénom, c'est monsieur. Alex Mac Douglas. Monsieur, sans vouloir remettre en question votre intégrité, est-ce que je peux... C'est bon. Très bien, monsieur. Allez, c'est bon, arrête de consommer là. On avance. Allez, dépositaire Alex Mac Douglas. Ensuite. Ça va durer toute la nuit, je le sens. Je vous ai demandé de commenter mes rookies. Monsieur, non, je crois pas, non. Alors je vais vous prendre, s'il vous plaît, je vais vous demander ce que je vais vous demander, si ça vous dérange, quelle est la raison du dépôt, monsieur patron chef. Pardon.
Désolé. Mesdames, par contre, si vous insultez le rookie, je dois vous faire sortir de là. Là, on n'insulte pas. Du coup, dépôt de plainte. C'est pour une enquête. C'est pas le rookie le plus aiguisé du tiroir. C'est mon rookie, c'est mon meilleur rookie. Attendez, stand-by, là, c'est quoi? C'est la villa des cubes brisés ou on est en train de commencer une déposition? Excusez-moi, je vous entends. Tout le monde est bien bruyant ici. Excusez-moi. Mesdames, venez avec moi, on va aller chercher un café, venez. Non, c'est bon, je prends pas de café. C'était pas une question. Eh, c'est pas une télé-réalité, on arrête de commenter là. Peu de sérieux. Il m'entend pas. Excusez-moi, parce que tout le monde crie. Mais vous inquiétez pas, je comprends que vous ayez tous besoin d'interaction sociale les uns avec les autres. C'est aussi ça qui nourrit l'âme. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous privez pas pour moi. Mais dès que vous aurez un moment, je veux bien savoir quelle est la raison de votre plainte. Du coup, c'est une plainte. Et après, je fais directement la saisie du LA Custom. J'ai pas bien compris, patron chef. L'objet de la plainte, c'est quoi? Alors. C'est assez long. Vous inquiétez pas, je suis tout content. Du coup, à l'époque, quand Madame Alicia Martinez... Attendez, monsieur, attends, avant de tout m'expliquer, est-ce qu'on peut décider du titre? Tu l'as ramené où, lui? D'où? Parce que lui, c'est pas un rookie, lui. Hein. C'est bien sûr que si, c'est mon meilleur rookie, laissez-le tranquille. Ah oui, hein. Attendez, je vais chercher une clope, là, je vais me remettre à fumer. Je crois que je vais me mettre à fumer aussi. Je pense ce soir, on va finir à minimum à 3h du matin avec lui. Hein. Parfait, continuez. Du coup, j'ai mis quoi dans le titre? Plainte. Pour saisie du LA. Je suis l'enculé. Plainte et prise d'otage du vice-gouverneur. Oh là 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 là. Pour parler, il débite, hein, mais pour écrire... Oui. Tu bégayes. T'as pour débiter, débite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer du coup, man? Une machine à popcorn. Non, mais alors vous emmerdez pas, mettez juste vice-gouverneur, je me débrouillerai. Ouais, passez directement au récit, allez-y. Je vous écoute et je vous demanderai, s'il vous plaît, je vais taper de manière simultanée lors de votre prononciation et élocution chacun des mots qui seront prononcés. Alors je vous demanderai, si c'est possible et sans vouloir vous commander, de vous demander d'être concis et lyrique. Ok. Vous avez demandé quoi, d'être circoncis? Ouais, j'ai rien compris, mais ok. Du coup, je souhaite porter plainte contre X. Ou le Los Angeles Custom, parce qu'ils se sont revendiqués sur mon kidnappage et qu'ils m'ont cassé... Mon kidnapping. Ouais, kidnapping. Et du coup, mon kidnapping, et ils m'ont cassé 3 phalanges. Regardez, la procédure qui est en train de se passer est aussi lunaire que ce Most Wanted. Très bien, vos phalanges, où est-ce que vous les avez mises? Apparemment, il aurait fait un braquage de flic. Mes phalanges, elles sont cassées là, tu vois pas la tête. Ah non, excusez-moi, je mélange les ongles et les phalanges, autant pour moi. Donc voilà. Mais du coup, ils m'ont dit, monsieur McDouglas, vous mettez un peu votre nez un peu trop loin. Donc, et vu que j'avais déjà fait une enquête sur ça et que je l'avais mis en stand-by pour l'instant, là du coup, tout se rapproche. Du coup, quand Madame Alicia Martinez, ancienne patronne et qui repose en paix, du Belize, enfin du LA, pardon, est partie, Salvatore Luciano a repris le LA Custom. Donc, en partant de là, Alicia est revenue une semaine plus tard et était copatronne. Donc, un certain Matteo Ricci, Vous n'êtes pas obligé de marquer les dons parce qu'il y en a beaucoup quand même. Ouais, les dons que tu les marques pas. Hein. Donc, en partant de là, Matteo Ricci a parlé avec Alicia Martinez. Et il lui a dit combien on peut faire de chiffre d'affaires, patati patata. Non, je crois que je pleure. Elle lui a dit au plus haut, on peut faire 4 millions. Donc, pour lui, ça semblait très intéressant. Du coup, en partant de là, quand j'ai commencé à faire les enquêtes, tout ça. J'ai dû mettre en stand-by. Après, du coup, je sais plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que vu que j'ai jamais écrit le dossier et que c'était dans ma tête. Rajoute un donc. Il est liberté. C'est trop. Quand moi et Laya, on a fait le contrôle fiscal du LA. Les personnes étaient réticentes. Donc, en partant de là,
Je soupçonne Matteo Ricci d'être sous le coup, quand même. Parce que quand j'ai voulu faire la saisie du LA, il m'a appelé directement. Et non Salvatore Luciano. Et du coup, je souhaite faire la saisie du LA pour mauvaise gestion, revendication sur kidnapping du vice-gouverneur. Ne sait pas gérer sa comptabilité et ne sait pas gérer ses comptes. Effectif à ce soir. Attendez, monsieur le vice-gouverneur, sous votre respect, vous voulez pas juste faire votre dépôt de plainte pour le kidnapping et ce que vous venez de vivre? Parce que, en l'occurrence, le reste, ça merci revient à toi, le pompe, merci pour le follow. Ça n'a rien à voir dans la plainte. Dans tous les cas, moi, j'ai pas encore pris de notes. Et c'est nous? Non, je plaisante. Excusez-moi, je me suis dit que ça détendrait l'atmosphère. Excusez-moi, messieurs, patron chef. Non mais, monsieur le vice-gouverneur, si vous voulez pas qu'on finisse à 2h du bar, comme disent les Jones. Chacun des mots prononcés par ce digne homme ont été annotés dans le rapport, je dois le confesser. Et voilà, chef, c'est bon. Bon. Ouais, il y a Odinson qui est en train de prendre la plainte du vice-gouverneur. C'est un spectacle. Du coup, c'est bon, tu as noté, chef. Ah oui, je peux vous citer tout ce qui fut dit, si besoin est nécessaire. Non, c'est bon, ça ira. Très bien. Du coup, vous êtes disponible pour la saisie du LA? Alors, je pense qu'il faudrait demander à des autorités capables. C'est quoi le rapport avec la plainte, toujours, la saisie? Je comprends pas. Je pense que des raccourcis sont pris, patron chef. Attendez, bon, monsieur le vice-gouverneur, vous voulez déposer plainte ou faire une saisie? Saisie, directement, et la plainte, il l'a notée, déjà. Ok, bah c'est bon alors. La plainte, si elle est prise... Donc vous avez fait le récit là de votre kidnapping, séquestration et violence. C'est ça. Ok, bah parfait, bah dans ces cas-là... Je trouve que je capte quand même vachement d'interférences dans cette pièce. Votre saisie, vous demandez au procureur un mandat et puis c'est réglé. Je suis quand même à la tête de l'IRS, même si je suis vice-gouverneur, donc je peux la saisir si je le souhaite. Oui, ok, bah faites. Go, zou, zoubidoubidou. Du coup, j'ai quand même besoin d'argent vu qu'ils se revendiquaient Los Angeles Custom quand même. Je me permettrai pas de rire, moi, personnellement, après, libre à vous de licencier. Non, j'ai éternué discrètement, sous votre respect, madame, je voudrais pas vous faire paniquer. Bien sûr. Belle invitation. Je crois qu'elle me déteste derrière. Je sais pas si c'est sur le RP ou vraiment elle me déteste, mais il y a un monde où elle me déteste. Allez, monsieur le vice-gouverneur, si vous voulez, on vous accompagne avec Jefferson faire votre saisie. Odinson ! J'arrivais immédiatement, pas son chef ! Oh putain, tu veux pas vous ennuyer avec lui ? Je le veux en patrouille. Avec moi dans la... Ah, je ne suis pas un jouet, messieurs. Je fais de mon meilleur pour servir cette ville. C'est mon Adam partner, il me suit. Allez-y, dites ça. Je vous suis immédiatement, patron chef. Plus vite que ça. J'y vais de toute ma prestance et de ma rapidité, patron chef. Rookie. Ah non. Oh, non, ne pas courir dans les escaliers, je ne suis désolé, la sécurité avant tout. Odinson, si vous courez pas, je vous mets à pied. Non, je cours, patron chef, je cours. Merci beaucoup à toi, Roxane, merci beaucoup. Oh putain. On s'est planté là, Odinson. Ah non, c'est bon, là. Je ne sais pas, enfin, c'est possible. S'il y a une erreur, partez du principe que c'est la mienne, ce sera plus simple. Écoutez, c'est ce que je comptais faire depuis le début. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Parfait. Bon, je suis très fier de vous, Odinson. Merci infiniment pour votre fierté mal placée. Comment ça, mal placée? Parce que je ne suis pas digne de votre fierté, monsieur. Votre compétence envahit mon cœur. Okay. C'est de ma gueule, Odinson. C'est moi, hein, ta femme, oh non, excusez-moi, je ne veux pas vous manquer de respect, patron chef, pardon. Excusez-moi, patron chef, pardon. Bon, Odinson, regardez-moi droit dans les yeux, là. Je m'exécute, patron chef. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon agent, Odinson? Absolument pas, patron chef. Parfait. Vous me la refaites. Très bien, patron chef. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon agent, Odinson? Absolument pas, patron chef. Je comprends pas le jeu, patron chef. Odinson, vous pourrez répéter une dernière fois, d'accord? Très bien, patron chef, comme ça après vous pourrez vaquer à vos occupations.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes un bon agent? Oui, non, faites gaffe parce que vous répondez. Si vous me répondez non, je vous jure, vous retirez votre gilet ce soir. Hein. Patron chef, si les ordres sont transmis que je dois ôter ce gilet ainsi que ma plaque et mon arme, je rendrai mon plaque, mon arme, mon badge et mon plaque et mon arme à vous tout de suite. Ma carte d'identité. Oh putain. Alors, on va faire un test. Odinson, café s'il vous plaît. Immédiatement, patron chef. Et plus 1 sur 2, ça veut dire une fréquence au-dessus. Ça veut dire 912. Oui, du coup, j'étais avec monsieur Mike Douglas, mais c'est juste que j'ai eu un appel entre temps. Ouais. J'ai même passé où la sortie. Venez avec moi. Ah, pardon, excusez-moi. Vous voulez la sortie de quoi, du parking? Vous étiez au parking? Non, je sais même pas ceux qui sont partis en fait, je vous mens pas. Ah, c'est ça que c'est cocasse. Ah, le monsieur qui est speed là. Oui, excusez-moi, pardon, comment puis-je me présenter d'utilité aujourd'hui à vos ordres? Où est parti monsieur Mike Douglas? Au deuxième étage, si c'est possible de vous aider! Merci! Allez, venez avec moi, madame. Oui, je vous suis. Vous allez où, Odinson? C'est bon, c'est Odinson. 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 Regardez-le, comme il est beau, vous avez vu? Rapide, simple, efficace, c'est ça mon... Je suis malheureux, j'ai... Vous êtes qui vous du coup? Vous êtes celle qui s'est fait tirer dessus, c'est ça? On m'a demandé de ramener un café, non, mais non. Je ne sais pas où, à qui le livrer. Mais moi j'aime bien le café après, si tu veux. Eh ben je vous le donne, mais voilà, le voici. Merci. Attention. Ah, toi aussi t'es trop bien coiffé comme moi. Nous avons tous les deux beaucoup de prestance, j'espère. Mais moi moins que vous par contre. C'est-à-dire quoi prestance? Alors excusez-moi, nous sommes tous les deux agiles comme des bois. Je sais pas tout ce que ça veut dire, mais oui, on est tous les deux pareils. Oui. Oui. On est pas au carrage. On est marre d'être de spectacle. Oui, tout à fait. Il est sous speed un peu, non? Odinson. Oui, patron chef, comment puis-je me rendre utilité publique en ce jour merveilleux? C'est quoi votre petit nom, vous? Je m'appelle Peter, merci infiniment pour votre sollicitude, n'encombrez pas votre cerveau de pareilles connaissances, je suis inutile. Odinson, je parle pas à vous, Odinson. Ah non, pardon, excusez-moi, vous étiez en train de faire... D'accord, autant pour moi, j'ai compris. Viens voir si la Yascot. Ah parfait, Odinson, revenez là. Odinson? Attendez, venez là, y'a Scott. Oui, j'arrive, vous pouvez m'appeler simplement Laïa. Parfait, madame Scott. D'accord. Bon, regardez, venez Laïa. Il est trop gentil, Odinson, je vous présente Laïa. Bonjour, Laïa est madame la secrétaire du vice-gouverneur. Bonjour, bonjour, merci, c'est gentil, content de vous avoir rencontré, merci. Parfait, madame, venez, je vais vous accompagner, et la seule chose que je vais vous demander, c'est que si jamais... C'est vrai, Rokam. Ça, c'est vrai. Oui. Ce qui va être trop drôle, c'est quand ils vont tous me chercher parce que personne m'a dit de venir, et que maintenant, mon RP, c'est être dans un coin et est prêt à disposer, et maintenant, il faut qu'ils me trouvent. Et s'ils me trouvent pas, c'est la fin de mon 10, c'est mon 10-10. Vraiment, littéralement, ça. Je vais mettre radio, quand même, mais sinon, c'est 10-10, là. Allez. C'est pas du RP cache-cache. Moi et Odinson, vous le trouvez toujours où vous l'avez déposé. Hein. Genre vraiment, vous le trouvez, vous cherchez un coin et vous le trouvez. Vraiment, j'étais pas allumé, je crois. C'est bon. Ouh, il y a des coups de feu de fou par contre là. 10:35. Je pense pas que ce soit là. Ah bon, comment ça va tout le monde? Eh, on a fait 31 follow ce soir, c'est une dinguerie en fait. Parlons-en. Mais merci Edel de l'apprécier en vrai, merci de l'apprécier. Je sais qu'il peut être agaçant, mais sachez qu'il va être de moins en moins agaçant et il va être de plus en plus attaché en gros, tu vois. 01 pour Odinson. Oui, bonjour, ici Odinson. Sur le parking, de suite. J'y suis. Parking extérieur en bas. J'y suis pas. Faites attention, on entend votre bouteille d'eau. C'est pas moi. Ouais, mais c'est commandant. C'est commandant, c'est moi, c'est pas moi. C'est habitué. Troisième temps du coup. 97, vous me refaites intégralement le dispatch. Ok.
Et quatrième temps, ceux qui ont été dispatchés avec des rookies, vous faites vos rapports rookies. Oh putain. Très important pour leur suivi. Si vous le faites pas, vous serez viré. C'est bon ? C'est bien reçu. Oui. Super, 97, redispatchez-moi tout le monde. Et redemandez à être dispatch. Quittez vos cartes. J'ai une chose à ajouter, j'appelle juste McDouglas, j'arrive. Laissez-moi juste avec Odinson, on a une opération avec le vice-gouverneur. Ok, bien monsieur, pas de problème. Du coup, les agents qui sont en procédure, s'il vous plaît, vous pouvez vous occuper des individus. Comme ça, après, je vous redispatch. Désolé, te déranger, tu peux me. Je vais finir mes procédures et après, je retourne. C'est bon, vous avez fini ? Je fais une fin de service. Ok, bah, impeccable, collègue, pas de problème. Il y a d'autres personnes qui étaient en procédure. Le LAMD pour LAPD. Écoute. Oui, ça a de nombreux tirs au niveau de. Allez, ça vous voyez après, s'il vous plaît. J'ai juste une annonce. Moi, c'est 97. J'ai reçu un appel du coup de Salma. Je reviens, les collègues. Qui a pris en otage la copine de M. Douglas. Bon, le stable est plutôt stream, hein, en vrai, je trouve. C'est son fils et son petit-fils. Jefferson. Allez, Odinson. C'est là, il y a encore même pas 5 minutes. Pendant que j'arrivais, c'est simple. Tous les agents. Allez, en route. On va aller saisir un bâtiment. On va aller saisir un bâtiment ? Ouais. Très bien. Depuis quelques jours, on veut plus, c'est terminé. Je veux plus d'agents pris en otage. C'est simple. J'ai bien déposé la plainte, patron chef. La quoi ? La plainte, je l'ai bien prise. Attendez, je regarde. Le stable est plutôt stream. Le CNID, merci beaucoup pour le sub offert. Vraiment trop gentil au CNID, merci beaucoup. Comme si on n'avait pas... Ah, merci infiniment pour leur... Je vous laisse patienter, je cherche le vice-gouverneur. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Telle... Elle a bien marché, mon dernier TikTok, putain. Un oiseau qui étend ses ailes pour... L'AMD pour LAPD, les tirs se sont... Dirigé par King. Je veux pas te mentir, on va te la faire simple. Il m'a appelé, il m'a clairement dit. Ah non, Naïon, désolé. Je vais tuer son fils. Demain, je serai peut-être en live pour le coup. Je suis désolé, la chaîne principale, tant que je suis pas en double PC, je vois pas comment je peux la faire tourner, hein, les copains. Je suis sûr que là, j'allume le stream sur l'ordi principal. Y a plus de son, plus rien, quoi. Ça me fait trop peur. Je t'ai pas du tout dit bonjour, Calciferet, si. On est à 1000 heures. Et d'ailleurs, oui, on doit passer. Il faudra qu'on arrive à passer les 1000 abonnés un jour sur la chaîne YouTube qu'on vient de mettre. Si vous voulez vous abonner, ça rend trop heureux. Voilà. Et en plus, pour ceux qui sont pas sub, vous avez les redifs des épisodes sympas qui sont dessus. En fait, plus vous allez faire des calls radio clairs. J'ai posé mes yeux sous sa robe. Le gitane. Tout à l'heure, il y a eu une demande de renfort. Reste avec lui, défends-le. En fait, surtout, ne paniquez pas en radio. Plus vous paniquez en radio, plus vous perdez vos moyens et plus on va vous parler et vous allez. Me vite pas ma tête en fait, mais t'es sérieux? Mais c'est ma voiture, ne paniquez pas. Alex, ah, tout défendre, merci Nat. Merci à toi. Est-ce que je peux me rendre d'utilité publique, patron chef? Ah, oui, oui. Vous voulez que j'aille désamorcer les esprits? Je peux désescalader la situation si une mauvaise situation il y a à gérer. J'irai les aider à s'asseoir dans leur putain de voiture s'ils savent pas. Patron chef, j'imagine que vous allez recommander mon renvoi. Culé là, c'est quoi ce bordel là, crier dans le poste de police. Bon, oh, on va au lait là. Allez, pleurnicheuse là, on y va. Qui c'est qui pleure ni qui c'est qui pleure. La formation call radio etc, on la fera dans la semaine. J'ai pas trouvé le temps, on n'a pas le temps en ce moment, c'est trop bordel. Faut répondre. Là, y a pardon Calci Ferret. N'oublie jamais que t'es la meilleure par contre. Désolé Calci, désolé. Si jamais la fréquence opération de Jefferson pour la saisie c'est 912. Bonne soirée, gros désir. Bonne soirée. Courage à vous. Oui, merci à votre collègue, bonne soirée. Tout est bon pour vous. Bonne soirée, à demain. Allez, parfait. Alors, Naïon, toutes les rediffusions, elles sont, il faut être sub pour y avoir accès, en vrai. Sinon, c'est sur YouTube, sur la chaîne YouTube, les bonnes, elles sont dedans, en gros. Certainement à côté du mien, vous savez, le fusil à pompe de Reese. Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai un gros souci, lieutenant. Vous savez, tout à l'heure, j'ai planté la TTJ dans le nord. La quoi? La TTJ. La voiture. L'ORU, oui.
Non, ma TTJ, ma voiture, la tulipe Thomas Jax. La voiture rouge que j'avais tout à l'heure là. Je l'ai plantée dans le nord. Ok. Et le problème, ah oui, c'est mais que dedans j'avais mon fusil à pompe. Je me rattraperai en juillet. Et ainsi que comment que même les 5. Non mais c'est vice-gouverneur ça le oui le en plus sachant qu'on est derrière avec de... Oh là là, j'ai cru à l'incident diplomatique là. Lieutenant, j'ai un autre souci. Vous voyez la dame qui est là-bas là. Attends, excuse-moi Jefferson. Ouais, plus un. Laïa, la dame qui est là-bas. J'ai filé le numéro du rookie. Je l'ai dit. Non, mais Nayon, tu les auras sinon sur le YouTube, les trucs importants. Par contre, Nayon, je veux pas que tu te prives de ton sommeil et tout, zéro mec, en vrai. Ni ton pognon, ni de ton pognon, ni de ton ça. Ni de ton temps et ton sommeil, mais trop important. Merci à toi, Sato. Prends soin de toi en vrai. Merci infiniment pour ta compagnie ce soir. Prenez soin de toi si tu veux. On est là en live demain. Je pense. Voilà. Mais non, mais Patricia. Patricia, merci. Merci beaucoup. Avec Odinson. Oui. Je vais pas m'amuser à jouer à cache-cache avec vous. Ah non, excusez-moi, je sécurise la zone, patron chef. Ok, mais reste à côté de moi, Odinson. Vous m'avez fait peur. Ah, très bien, patron chef. Bon, du coup, monsieur le vice-gouverneur, dites-nous tout. Comment vous voulez procéder ? Malheureusement, je ne peux pas avoir le badge patron par monsieur. En fait, si j'aurais pu lui faire si vous n'avez pas enlevé les locaux. Si vous aviez. J'arrive à accéder. Oui, il faudrait que j'arrive à accéder à l'ordinateur, mais. Ça va être une petite partie de parcours, là, hein, je pense. Ah, bref, venez, je pense que vous comprenez. Nouveau trait de caractère de Peter, il corrige les gens. Hey, vous avez rien à dire à mon agent, vous? Moi je l'ai. Tu parles à qui comme ça? Écoutez-moi bien, manquez de respect à mon agent et je vous jure que je ferai en sorte que vous soyez viré de là où bossez. Et autant vous dire que être viré du DHS, c'est la pire honte parce que franchement, déjà que c'est déjà une honte d'en faire partie, alors d'en être viré. Merci beaucoup à toi JB, merci pour le follow, bienvenue. Moment où vous appelez DHS au lieu de Secret Service, si c'est une honte. À partir du moment où tu t'appelles LAPD alors que tu fais pas bien ton travail, c'est compliqué aussi. T'es en train de suggérer quoi là toi? Non messieurs, s'il vous plaît, je vous recommande de couper fin à cette conversation, je pense que tout le monde a l'esprit un peu échauffé. Chronos de Wish là. Chronos de Wish. Tu dois mettre des lunettes posées. Et toi, frère, ton visage, c'est un cahier de brouillon. Alors, qu'est-ce que tu parles? Chronos de Wish. tu veux me donner un kebab là ou quoi, à m'appeler chef? Ah non. Tomate oignon. Ah non. Chronos de Wish. Le mec, qui a les cheveux blonds derrière et tatoué, enfin, c'est bien lui. Pourquoi ça serait compliqué? Non, du tout, monsieur. Il saute ma gueule. Moi, je rentre chez moi, c'est bon. De quoi? C'est bon. Si c'était aussi facile. T'étais tout mignon avant, vous étiez trop gentil. Non, c'est juste que vous m'avez jamais réellement connu. Non, tout va bien. Oh non, mais moi, je pense que tout le monde s'apprécie, mais personne ne trouve les mots pour se le dire. Ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas, monsieur DHS. C'est toi qui viens de passer là. Et je vous souhaite une bonne soirée. De l'autre qui a tiré sur la femme du vice-gouverneur là. Ah ouais? Ouais, tout à fait. Ce que je vais faire, c'est que j'ai juste monté en haut. Non, je vais me changer vite fait dans la bagnole. Je vais me refoutre en moquer. Bah, vas-y, j'ai l'ordre de m'attendre. Ah ouais, pas mal. Pas mal quoi? Non, j'ai vu une photo. Il est trop beau le jeu, vous rendez pas compte à quel point il est trop joli le jeu là en vrai? Le pack il est trop beau hein. Le jeu il est. Enfin, là vous rendez pas compte, vous êtes toujours dans l'action et tout, mais visuellement il est défoncé là. Regardez le sol et tout, les textures du sol, le goudron qui est craquelé et tout, il est trop stylé. Au cas où, je viens de vous passer patron là tout de suite là. Là, je peux m'écouter, donc j'imagine que je le suis, oui. Okay. Du coup, je peux me virer, c'est bon? Laïa va le faire, vous inquiétez pas. Ok. Du coup,
coup, c'est bon. Et dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour tous les employés qui travaillent ici? Ils seront payés et il me faudra juste. Ils vont passer au chômage, du coup. C'est ça, pour l'instant, oui. D'accord, on s'en m'étonne pas. Il n'y aura rien qui sera proposé pour aider ces gens malheureux. On verra bien. Non, hein, ça m'étonne pas. On verra bien. Attends. Oui. Merci Yanis pour le follow, bienvenue à toi frérot. Qui se détache ici et qui vient faire le tour rapidement de l'endroit là, je veux qu'il me voie ici, c'est le cliffhanger. Logiquement c'est bon, j'ai retiré les deux patrouilles qu'il y avait. J'aurais besoin d'une backup sur ce et vire tous les employés aussi. Ah bon ? Ouais. Oh les pauvres. C'est bien, après vous passez en radio plus 1. Lila Roche, tu peux avoir un œil sur le TikTok si tu peux. Un petit œil au plat juste sur le chat parce que je l'ai vraiment pas du tout le chat TikTok moi. Merci beaucoup à toi, Lila Roche. Excuse-moi de te solliciter, mais je sais qu'il y a, je sais que, enfin, surtout toi, je sais que tu peux être dessus. Moi, monsieur, je dispose de bien des mes copieux à vous proposer. Parfait, passez-moi des vips, s'il vous plaît. Tous leur travail, du coup. Très bien. Il n'y a pas de soucis. Tango 20, arrivé sur fréquence. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est bien pris, du coup, sur ma backup, vous faites le tour du quartier, Du coup, c'est tout bon pour moi. Et qui la contrôle aussi. Que voici, patron chef. Parfait, merci beaucoup. C'est une soirée difficile. Comment vous dire que je viens de me faire. On va faire un test rapidement. Comment je m'appelle? Et que. Monsieur Chavi. Et comment je m'appelle? J'arrive. Je finis ça là, j'arrive. À vous là. Oui. Madame. Quoi? Koubé. Lara Croft. Oui. Alors là, c'était pas drôle. Ah, la prophétie, vous rigolez. Laïa, comment je m'appelle? Je suis un trou de mémoire. Ils sont trop drôles. Attention, j'arrive là dans deux minutes. Oui. Excusez-moi. Oui, mais monsieur Chavigny, oui. Oui, tout à fait. Donc, du coup, on disait une soirée tendue, c'est ça? Très tendue, monsieur Luciano. Oh, nanana, tout ça. Comment vous dire que je me suis fait kidnapper? Et ils se sont revendiqués Los Angeles Custom. Comment ça? Oh oui. Los Angeles Custom. Tiens. Monsieur le vice-gouverneur, est-ce qu'on n'aurait pas une piste là par hasard? Tiens. Peut-être. Vous êtes kidnappé par des mécanos? On attend pas un service de sécurité normalement? Bah, j'étais avec de la sécurité, justement. Des clés à molette? On sous-entend que je suis pas une bonne sécurité? Non mais tu es une bonne sécurité, gens, monsieur Chabu. En clé à molette. Là vous voyez, j'ai une attelle. Non mais bientôt l'occasion, je pense qu'il va venir. Et vous aurez la meilleure roue qui arrive. D'ailleurs, faut que, putain, pour les tirages au sort sur la chaîne principale de la roue, il va falloir que je commence à faire des lives. Hein. Non du tout. Le compte TikTok, il a pris plus de 70 follow depuis le début de l'année. Magdouglas et Monsieur Chavigny, urgence, venez me parler s'il vous plaît. Pas tout compris, il faut aller là-bas. Non, je ferai un tirage par saison, Lily, peut-être, ouais, on verra. On verra parce que, mine de rien, avec deux chaînes, je peux faire deux fois plus d'OP, en fait, comme c'est pas les mêmes communes non plus. Il y a un monde où, avec plusieurs OP, ben, je peux quand même financer des trucs. Et là, pour le coup, pour la chaîne RP, il n'y a plus rien que je peux acheter. S'il y a un dernier truc que je voudrais acheter un petit néon, qui s'allumerait, que j'allumerais que quand je suis en RP, qui dessous ferait un petit RP comme ça, et j'allumerais que quand je suis RP, je trouverais ça trop stylé. Mais à part ça, il n'y a rien que j'ai besoin de plus de rien, j'ai le double PC qui est là. Pas mal, quoi. On va à 15 dessus, donc bon, impossible d'agir. Il vous court dessus à 15 ou quoi? Ils mettent tout autour du véhicule, sur ma menace. Non, si je devais réinjecter le pognon de cette chaîne-là, c'est pour les mettre au profit d'un monteur, en vrai. Je vais faire le néon et ensuite après un monteur pour faire une vidéo par semaine giga carré bien montée, tu vois, c'est des meilleures 30 minutes qu'on a eues sur la semaine, tu vois. J'aurais beaucoup payé Marceau pour ça, en vrai. Mais c'est un peu rush, quoi. En tout cas, donc. La chaîne principale, elle, c'est plus pour la roue et tout. Le matos. Patron chef, comment puis-je me montrer d'utilité publique? Pourquoi vous êtes aussi loin?
C'est pour avoir une vue d'ensemble sur la zone et afin d'assurer votre sécurité ainsi que chacun des personnes ici. Et qui surveille votre dos? Ne vous inquiétez pas pour moi. À la rigueur, le bruit aussi, ici, m'agresse, je crierai, le bruit vous alertera et vous pourrez vous protéger chacun des personnes ici présentes. Allez, venez avec nous. Putain, bien vu, Léo, putain. Putain, mais Léo, tu viens de carrer. Vache. Et en même temps, est-ce que je me laisserai pas mourir de faim? Ah non, j'ai la flemme de faire une scène de MS en vrai. Flemme de ouf. Bien vu, Léo, en vrai. T'as carré de fou. J'ai pas donné tous mes burgers. Je vais pas tenir longtemps, hein, en vrai. J'ai dû lui donner les 3 burgers au lieu d'en donner un. Nickel. On va crever. Enfin, je vais crever d'ailleurs. Non, mais c'est surtout, toutes les femmes sont autour de ça, cet homme. Merci à toi, Coco, pour le follow. Coco à naissance, hyper drôle. Merde, putain, je vais plus rien manger. Je mourrai de faim, tant pis, hein. C'est ma nouvelle vie, hein. Que, putain, je suis lourd, là, en vrai. Donne. Vaut mieux que ce soit là, parce que je vais griller sa couverture à l'autre, là. Non, il est plus en couverture, lui. Il a dit qu'il en avait plus, et en plus, il va m'engueuler, parce que j'en ai donné à la personne, à quoi qu'après, je peux jouer le mec qui se prive, et tout, et qui donne... On joue à l'altruiste. Est-ce que j'arrive à allumer ma flashlight? Mais vous êtes en train de baiser mon agent? Vous êtes en train de baiser mon agent quoi? Mais vous... mais ça va pas bien? Merci à toi, merci beaucoup à toi, Coconnaissance, merci beaucoup. On a eu des scènes très 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 rigolotes ce soir. Stelou, il a dû devenir fou à faire des clips, je pense, là. Stelou, t'en es pas mort des clips, là? Peut-être que j'ai rêvé trop grand. Odinson, arrêtez de vous éloigner de moi. D'accord, patron chef, c'est pour assurer votre sécurité, patron chef. Ok. Si vous voulez, si vous voulez sécuriser quelqu'un, là, je... Le écoutez, vous savez, je sais comment je vais me rendre utile. Je vais utiliser ma lampe torche pour que tout le monde puisse y voir à sa convenance. Me voici. Ah, ok. Mais là, on est les rookies de nos jours. Non, excusez-moi. Parlez de mon rookie. Est-ce que j'ai fauté? Alors là, vous êtes en code rouge, d'accord, Odinson? Oui. Donc là, vous me sortez votre Glock. Il y a une petite lampe torche dessus. D'accord? J'ai un peu plus Non, pas le taser. Pas le taser. Je veux bien monter ma lampe sur mon taser. Non! Sortez-moi le Glock! Patron chef, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. D'accord, vous allez sortir le Glock, hein, parfait. Très bien, oui. Banger! En fait, je vous explique, j'ai envie de mourir de faim. Oula. Il fait tous les coins. Non mais je veux qu'il tombe dans les pommes. Tirer dessus sur mes pieds. J'ai pas du tout, là je suis très occupé et ce soir je suis most wanted. Ah c'est les noirs qui pixisent toujours. Pour l'instant 50 000. Je vais me mettre en position rideau. C'est hilarant. Putain, débloque la voiture là. Comment ça, j'ai pas ouvert la voiture Oh, le rêve d'une position rideau maintenant. 2-0-1, je vais extraire monsieur le vice-gouverneur. Affirmatif, j'aurais besoin d'unité pour extraire les deux dames qui ont une tête mise à prix là, s'il vous plaît. L'unité qui est venue en backup dans le secteur. Monsieur
Allez, je monte. Rookie avec moi. Non, vous inquiétez pas, je sécurise la zone. Madame. Merci pour le follow, Roro, bienvenue à toi. Connaissance, merci d'être venu pour découvrir sur Twitch en vrai. Je défonce. 01, j'extrais au poste, monsieur le vice-gouverneur. Ouais, Kofi. Fais gaffe avec la couleur de ta voiture. Hein. Je me souviens de ce soir. De 01 pour All Unit, j'aurais besoin d'un maximum de backup au niveau du LS Custom. On vient de se faire tirer dessus, je suis en train d'extraire monsieur le vice-gouverneur. J'ai pas compris ce que j'ai dit. Vas-y, vas-y. Pour le coup. Jefferson est toujours sur place, je vous laisse le sécuriser avec des civils. Hein. Je suis retourné au PDP. Bon, ok. Mais en fait, j'ai pas pris personne, j'ai passé Radio 1. Bah, elle est toujours au LS Custom. Ah, les noirs, parce qu'ils sont toujours. Ah, waouh, ok, waouh. Les noirs, le noir, c'est une couleur qui est très compliquée à compresser. Il y a trop de nuances. Ici, je vais aller sortir mon collègue de là. Allez, pas de soucis, allez-y vite. On t'a volé ta voiture. Vas-y, Odinson, passez devant. Monsieur, est-ce que maintenant. Très bien. Patron chef. Oui. J'ai un petit creux. Très creux. Très creux. Oh. J'ai rien à manger sur moi là. Très bien, patron chef. Bah écoutez, si je m'endors, c'est que je dors pas. D'accord. On va essayer de trouver ce qu'il faut sur place. Le Santos Custom. Oh putain. J'ai compris. Ah non. Si je m'endors, c'est cool, je dors pas. Ok. Alors remontez au-dessus sur le dessus. Elle a allumé ma radio. J'ai allumé ma radio. Ça, c'est une kibane. 01 pour Jefferson, vous êtes où? 01 pour Jefferson. Il y a toutes les voitures qui sont là, il y a 4 voitures, il y a un moment, on va bien les trouver, non? Les mecs qui ont allumé. 01, retour fréquence, je n'ai aucune réponse de sergent Jefferson. Regarde, ouais, fille, ils ont disparu. Chaotique, que dis-tu? Let's go Gennaro, merci d'avoir fait honneur à ma blague parce que j'ai trouvé trop drôle mec. Si je m'endors c'est cool. C'est trop drôle ma vanne mec. Merci. Ah merci Stelax, merci à toi mon bébou. T'as les deux vannes. Jefferson, votre 10-20. Ok, copie. Oh là là, co-connaissance, tu déconnes. Je vous jure, vous allez me faire mourir à vous sub. Zéro blague, hein, pas du tout, vraiment. Alors le pognon, merci infiniment, trop cool le pognon. Mais pas le pognon, ce qui va me faire mourir, c'est que vous pensez que ce que je fais, qui pour moi est juste un plaisir de ma vie, que vous vous dites, putain, ça vaut vraiment le coup d'être là. Et de payer pour voir le voix, je ne comprends pas ce délire en vrai. Merci infiniment pour ce sub et aux 10 autres personnes qui sont subs ou vont faire des subs ce soir. Merci infiniment pour votre soutien, merci beaucoup et merci de croire en moi, en Peter et en la chaîne. Merci beaucoup infiniment. Très bien, du coup de 01 pour All Unit, c'est un code Katadam au niveau du LA Custom. Vous restez sur vos appuis et... Bah, vous êtes trop gentil, putain, je vais crever un de ça par contre. Hein. En plus, je pars en plus avec de base, on m'avait pas dit que du bien de la communauté GTRP. Je trouve que des gens trop gentils en plus, donc je vais vraiment crever genre. Et Léo qui s'y met. Merci à toi mon frère, merci infiniment pour ton sub, merci pour ton prime. Merci beaucoup, merci à tous deux, merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Ouais Wilson, je crois que j'avais mimir, je suis crevé là. Ah non, patron chef, le sommeil avant tout, vous allez mettre votre... J'arrive plus à deux mots là. Non mais c'est pas grave patron chef, vous devez veiller sur votre santé, hein. C'est ainsi que celle de nos concitoyens.
Y a rien de prévu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pourquoi les trains ils se déclenchent à 2 subs maintenant? C'est trop bien. Bah j'ai été trop gentil. C'est vraiment qu'ils vont attaquer le gouvernement. Ouais, merci Roxane aussi. Là y'a un vrai problème, la supervision elle branle quoi? Oui, patron chef. On protège nos agents. Allez, venez, venez, restez pas tout seul. Ah, très bien. Il y a pas besoin de sécuriser. Je protège mes agents, regardez le rookie. Vous pensez qu'il va y arriver? Si on fait un officier et un gouverneur, quel est le plus grave? Un chatailleur. Je pense qu'un gouverneur vaut au moins 3 officiers, oui. Ouais, non, si c'est des Odinson, même pas en rêve. Mais alors, pardon, excusez-moi, si c'est Odinson, un vice-gouverneur vaut même pas la moitié d'un Odinson. On est d'accord. Même pas la moitié. Ah non, c'est beaucoup trop d'anner, vous me gênez, pardon. Je souhaiterais vous dire qu'il se pourrait que d'ici quelques minutes, je m'endorme par faim. Quelqu'un pour lui donner à manger à boire, s'il vous plaît? C'est bon, c'est fait. Odinson, je vous présente, c'est quoi votre nom à vous avec les cheveux blancs? Liana. Attendez, c'est Laya et Liana? Laya et Liana, vous êtes mon. On est toujours plus dur. Écoute, je te laisse te présenter, ok, moi je peux pas le reste. C'est un peu... C'est un honneur, patron chef. Ça va aller, monsieur. Ça va très bien, merci beaucoup, merci. Merci, Odinson. Vous inquiétez pas, je suis aux aguets de toute chose qui pourrait se passer. Non, ça va aller, c'est un bon agent. Un vrai bon agent? Est-ce que c'est un bon agent, un peu Peter? En vrai, c'est un peu un bon agent. Oui, patron chef. Écoutez, je peux vous faire une confidence. Oui, dites-moi. Je suis parfois il m'arrive d'être nerveux et c'est souvent en présence de la gente féminine. Bon alors. Je préfère j'en vous fais la confidence car vous êtes montré très gentil avec moi, mais s'il vous plaît ne le faites savoir à personne et ne me posez pas d'autres questions s'il vous plaît, si vous respectez mon opinion. Ça raconte quoi les amours avec vous? Patron chef, je souhaiterais que ce sujet soit clôturé. Juste patrouiller en attendant d'avoir des infos sur qui nous a tiré dessus. D'accord. Mais s'il vous plaît ne débridez pas la confidence que je viens de vous faire. Y'a pas de soucis, Je vous remercie infiniment pour votre gentillesse ce soir, patron chef. Vous êtes montré bien tolérant avec moi et j'ai l'impression à vos côtés d'avoir pu progresser. Eh bien écoutez, j'en suis ravi. Je sais pas si le travailler sur votre. Cet élan de panique que vous avez, d'accord. Envers la gente féminine, n'ayez pas peur. Bah effectivement. S'il y a une fille qui vous plaît, vous n'hésitez pas, vous entamez la conversation. Vous inquiétez pas, pas du tout, jamais de la vie, plutôt porter mon arme. Je vous suis. Et parfait, venez avec moi. Très bien. Patientez, s'il vous plaît, je reviens vers vous. Ouais, venez. Bon. Lieutenant, vous voulez venir avec nous? Non, négatif. C'est un piège. Merci Edel, merci beaucoup pour le sub. Edel, merci beaucoup, merci infiniment, merci pour le sub, merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, bah comment ça va, bonjour. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup, merci infiniment. Esther, t'as qui déjà sub? Baba. Esther, toi déjà sub avec ton petit badge first là. Qu'est-ce que la secrétaire de monsieur McDouglas fait avec vous? Ça va bien. Il est trop bien par contre Red à jouer, il est trop gentil parce qu'il fait tout pour que mon personnage puisse s'établir en gros. Et d'ailleurs vous voyez que c'est la première fois qu'il se confie là-dessus du coup Peter. Enfin, c'est la première fois qu'on le prend, tu vois. Il y a vraiment l'impression que quelqu'un a son bac quoi. Ici même? Non pas ici. Esther, merci infiniment pour les 5 subs offerts en vrai. Merci mec, en vrai. Arrête Esther. Merci beaucoup à toi pour les 5 subs offerts. Merci pour PSG, merci pour Fanta, merci pour Xana, merci pour Yama. Merci pour Boubou, merci infiniment. Merci mon bro pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Je vous jure que je vais acheter un képi. Je vais me faire livrer un képi, mettez-le moi sur Discord, je vais me faire livrer un képi pour les trains de la hype. Et je vois le képi de la hype de la police. Et je serai comme ça pour vos trains. Merci beaucoup en vrai. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Merci infiniment pour votre temps en vrai, votre générosité et vos follow. Vous êtes trop mignons. Donc indépendant de Rockswood et des États-Unis. Oui. On va signer une alliance avec Rockswood. Il a une voix très jeune, lui.
Et du coup, quelle est la nature de cette proposition, si c'est pas indiscret? Esther, merci. Je vous le dis parce que vous êtes mon ami, hein, Riz. Oui, dites. 67, il y a une patrouille qui arrive vous chercher. C'est moi qui deviens le dirigeant de ce pays. Comme ça, vous pourrez aller sur le terrain. Vous voulez plus partir? Eh bah, dis donc, Maître Ben Salman, si on m'avait dit que vous deviendrez un dirigeant politique. Ce que je dois dispatcher les amis. Moi non plus, je savais pas pour tout vous dire. Venez, venez, on va sur le parking, vous savez. Ok, c'est bon, merci. J'espère que. C'est bon, merci. Ouais, c'est bon. Derrière ce projet politique se cache un projet de rendre. Monsieur Ben de normalisation. Non, Edel, non. Ah non, on va rester à non, Edel. Non, vraiment, je regrette, mais non, Edel. Merci infiniment, mais non, stop. Par contre. Pitié, allez vraiment pas vous mettre dans la merde pour WAM. Vraiment, pitié. Merci infiniment pour les 5 que ça va faire. Merci beaucoup à toi, Edel. Merci beaucoup pour Elpoc, merci beaucoup, merci infiniment, je te suis très reconnaissant. Vraiment très grateful, merci infiniment. Odinson ! Oui, patron chef, oui, patron ! Ici ! J'arrive immédiatement, patron chef ! Arrêtez de vous cacher dans les angles. Bonjour. Oui, excusez-moi, maître Ben. Bonjour, j'espère que vous allez bien, monsieur. J'adore ce piqué. Oh là là ! Oh, il est droit ! Oh là 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 là. Merci à toi, Eden. Vous cherchez du travail, vous? Non, je suis correctement en ce moment même employé dans une société qui me traite à merveille. Quelle est cette société? La PD. PD. D'accord, dommage. Ah, j'adore. Ah, franchement, cet homme... C'est un homme de qualité. LAPD. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je préfère garder mes distances avec les gens et je vous sens bien proche de moi. Si cela ne vous dérange pas, je vais faire un pas en arrière. N'y voyez ici aucune remontrance. Un piqué dur comme le fer, dur comme la terre. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas me passer dans le dos, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez un problème avec les humains? Ne vous inquiétez pas, monsieur, j'ai une solution à tous mes problèmes. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il y a des bons mais pas très bons en même temps. Oh, Dizon, si vous êtes là-bas, qui surveille mes arrières là? Moi-même, patron chef de tour. Oui, bah ici. Ici là, Odinson. Allez, hop, hop, hop. Voilà, parfait, vous êtes à bonne distance. Bon, du coup. Mais ok. Moi, merci beaucoup, Odin. Merci beaucoup. Ben Salman, c'est un ami, comme vous dites. Je vous avoue que je me battrai. J'arrive. Je ferai tout mon possible. Pour rendre son appartenance aux États-Unis à cette région qui nous appartient. Donc, bon courage. Sachez que je pense que les citoyens sur place ainsi que. Ouais, de ouf, Miller, je suis d'accord. Les politiciens locaux. C'est pas des chargements, c'est des assets parce que le jeu il est modé de port casse maintenant. C'est pour ça qu'il est normalement aussi beau. Ils sont pour être indépendants et ils veulent simplement que l'étincelle se transforme en énorme feu de joie. Mais comment vous allez faire? Vous avez. Il n'y a aucun moyen, aucune police. Il y a une police et nous avons des moyens. Il n'y a plus de police. Les shérifs ont été dissous. Ne vous inquiétez pas, cette police va revoir le jour. Lui là, le mec qui jouerait de là. Bah, écoutez, moi je vous souhaite bon courage. Même IRL, j'ai passé mon après-midi avec lui. Je pourrais vous souhaiter de mieux. Typiquement, ça va devenir un ami IRL 100%. Ce gars là, c'est trop un gars sûr en vrai. Trop trop cool, bien ouais. De quoi? Je vous laisse 3 semaines pour me supplier de venir dans le Nord. Besoin de vous supplier pour venir dans le Nord. Monsieur, je pense que ce n'est pas une manière de vous adresser à un agent de police. Je ne m'adresse pas à un agent, je m'adresse à mon ami. Très bien, mais votre ami est vêtu d'un uniforme et vous êtes sur une situation géographique. C'est l'officier Odinson. Alors déjà, je vais vous donner un conseil d'allocution parce que là, vous m'avez l'air d'être très stressé. Non, je vous demande pardon, excusez-moi, je ne voulais pas vous manquer de respect, mais je ne voulais pas que vous en manquiez à mon digne collègue. Je ne dis pas que vous me manquez de respect. Déjà, respect. Monsieur, je suis désolé si je peux me permettre de vous signaler quelque chose. Je suis pas très fort quand il s'agit de comprendre les accents ainsi que les langues étrangères. Alors, si vous pouvez parler lentement, non, pas du tout, monsieur, malheureusement. Non, bien loin de moi cette idée, patron. Non, patron chef, excusez-moi, non, pardon. Non, monsieur, pardon, s'il vous plaît. Pardon, monsieur, excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon. Non, je sais pas, excusez-moi, pardon. D'accord, c'est bien. Il est très bien dressé, hein. C'est vrai qu'il a seulement paniqué depuis très longtemps, lui. Il est trop gentil, ouais. Ouais, le Gnid, ça a l'air d'être un... Ça a une petite dinguerie d'humain, vraiment, Ren. Vous jugez son physique et son élocution à ses relations sexuelles? Ouais, bien sûr. Bonsoir. Oh oula, elle part en couille cette phrase.
Oui, patron chef. J'ai rencontré votre femme. Bah arrêtez, vous en avez pas deux. Ça dépend laquelle, mais laquelle? La tatouée secrétaire de McDonald's. Oula, non, c'est pas ma femme, elle. Voilà. Ah, c'est pas votre femme. Mais non, ça c'est chaotique, que je t'ai vu écrire un message, j'ai pas d'écrire. Merci encore, Edel, et merci encore à toi, Monster. Je vais tout de suite. Il y a combien de commandants dans ce poste de police? C'est quoi ça? Il y a qu'un seul commandant, mais pourquoi elle vous a dit qu'elle était la femme? Elle m'a dit qu'elle était la femme du commandant. Tu vas de gueule. Elle s'appelle Liana, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est absolument pas ma femme. Elle, il boit vraiment tranquille. Donc elle, va, elle sort avec McDouglas alors. Elle sort avec qui elle veut, mais c'est pas avec moi. Alors, si je, peux vous donner un petit. Maître Ben Salman, Liana Sierra, comme elle s'appelle, est une ancienne agente chez nous, plutôt très enclin à faire des ferveurs à l'agente masculine. De vous à moi, méfiez-vous. Ah, si, si, en gros, c'est une femme avec beaucoup de vécu, si ce qui vous fait comprendre. Croqueuse d'homme. Et croqueuse d'homme, et elle tente, vu qu'il n'y a pas moyen avec moi, de se faire une certaine. De se faire le vice-gouverneur, bah bien sûr. Disons qu'elle profite de ses charmes pour attirer des personnes avec du pouvoir. Une c'est quoi une redite? Après, elle vaut pas grand chose, hein, je vous mens pas. Elle vaut pas grand chose, vous avez... Oui, bon, non. De vous à moi. D'accord. Elle a parcouru la ville, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Elle a des kilomètres au compteur. De fond en comble. Ah, c'est un guide touristique. Elle a fait tous les monuments, elle a fait tous les monuments aux morts. Oui, patron, chef. Venez ici, monsieur patron chef, je ne me sens pas utile dans cette conversation. Odinson, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes patron chef, les conversations ne me mettent un de main dispose. Alors je préfère ça, Ne vous inquiétez pas, je reste ici, je suis à votre disposition si vous avez besoin de mon aide. Bon, je vous ai entendu, Odinson. Vous savez ce qu'on va faire? Non, patron chef. On va se faire une petite patrouille en Segway, oui. Patron chef, oui, l'air libre sur moi. Elle devrait le détendre. Oui. La demoiselle dont on parlait, je pense qu'elle devrait rencontrer Odinson. Ouais. Ça devrait l'aider. S'il vous plaît, laissez-moi, pardon, excusez-moi, pardon. Je crois qu'il est très timide. Putain. Merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup à toi, Vilbert. Vous êtes là, monsieur. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon, allez, Odinson. Oui, patron chef, comment puis-je me rendre d'utilité publique aujourd'hui? Oui, allô, madame. Écoutez, attendez. S'il me fait passer en Segway, je meurs. J'en rêve, hein. Du départ en Segway, j'en rêve. Ma dernière affaire, mais là, il n'y a pas l'air d'avoir d'affaires, donc... Des gros bisous à toi, Pixel. Merci infiniment encore à toi et merci encore pour la pochette. Salman, par hasard, vous savez pas s'il y a une soirée dans les parages? Il y avait une soirée dans le Nord, mais pas à ma connaissance, là. Ok. Faut que j'arrive à détendre mon rookie là. Ah, il faut le dépuceler, hein. Oui, hein, bien sûr. Quoi? Ah, on me fait chier encore. Il est bon celui-là. Tu l'aimes bien. Vous parlez. Un cigouette, c'est parce que c'est. Tu sais, c'est des trucs un peu avec deux roues là, où t'es comme ça. Ça tombe bien, j'avais soif. Oh, patron chef, est-ce qu'on peut acheter à manger par ici? Non, mais on va aller acheter ça, venez. Allez, venez. Et bien bonsoir les collègues. Du coup, c'est bon, on va récupérer un Robert Lewandowski là. La statue du LAPD. Je vais exprès dire les pédis. On est en Segway et on va aller au Burger Shot, d'accord? Entendu, patron chef. Vous en avez déjà un là? Ah, très bien, patron chef. C'est ma première fois sur un Segway. Je m'en sors pas, c'est pas instinctif du tout, c'est pas instinctif du tout, j'en ai jamais utilisé, non.
Non, patron chef, j'ai... Patron chef, patron chef, je crois que j'ai fait une connerie, patron chef. Patron chef, je comprends pas comment ça marche, c'est quoi les... Comment... Patron chef. Patron chef, patron chef, je suis désolé, excusez-moi, patron chef, désolé, pardon, patron chef. Excusez-moi, patron chef, contrôle plus rien, patron. Patron chef, je suis désolé, c'est ce quoi que j'ai fait, patron. Patron, c'est ce quoi qu'il faut papier. Ah, patron, je préfère de pas être ici de Segway, je crois. Ok, on va en ressortir, d'accord. Très bien, patron chef. Oui, vous inquiétez pas, on va aller chercher un peu. Ah, 2-0-1, j'ai Odinson qui vient de faire un AVC. Ouais, ça va. Si tu veux, j'ai un burger et de coca pour t'hydrater là et en prendre quelques forces. C'est type pour le Odinson. Oui, ça va. Ok, Odinson, allez, tu me mets ton GPB. Patron chef, mon bon GPB a été détruit dans mon accident. Odinson. Oui, patron chef. Sur votre Segway, vous me suivez. Patron chef, sans gilet pare-balles. Oui. Malgré le code rouge. Entendu, patron chef. Arrêtez de m'appeler patron chef. Allez, vous me suivez, hein, tout droit. Pour moi. Ça va aller? Ça me fait des fois, c'est pas possible. Je comprends pas. C'est comment, pour tourner, il faut faire quoi? C'est comme sur un vélo. Je suis mal. C'est comme une trottinette. J'ai jamais conduit ça, moi. C'est comme une trottinette, il faut se pencher en avant pour accélérer. Il a son triple accident de Segway. Hein? Oui. Tu vois tes fesses? Vas-y, penche. Oui. Les penches. Tu penches tes fesses. Ok. Parking du poste. D'accord. Allez. Je crois que j'ai compris. Ok, allez-y. On croit en toi. On croit en toi, allez. Alors, pour tourner, c'est comme ça. Ok. Allez, pour tourner... Ils ont fini de faire le bubus. Pour tourner, c'est comme ça. Rêve, et voilà, essayez. Et c'est comment qu'on freine? Comment on freine? Ça va? Odinson! Odinson! Allez, relève-toi, mon frère. Ah, je crois qu'il va pas se relever. Hein. Est-ce que vous avez un casque? Tiens. Ok, on va aller vous chercher un casque. Je veux bien un casque. Ok, venez. Persévérance. J'ai mal. Là, il faut un casque de cross là. N'hésitez pas, on va vous trouver ça. D'accord, excusez-moi, j'ai mal au genou, j'ai mal partout. Odinson, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, patron chef, excusez-moi, j'ai voulu me montrer digne. Pourquoi 01 il se plaint de vous là en radio là? C'est quoi cette histoire là? Non, pardon, c'est parce que j'ai détruit mon gilet pare-balles et j'ai abîmé un Segway, excusez-moi, pardon, j'en avais jamais fait! Il a oublié qu'il avait aussi bloqué un Segway. Ah non, j'ai bloqué un autre Segway, j'en ai cassé un et j'en ai bloqué un, mais on insiste pour que j'apprenne à l'utiliser, alors je me montre digne de la tâche! Dégueu! Je te posais une question, Odinson. Pardon, quelle était-elle? Fut-elle? Quelle était la question? Pourquoi vous criez tout le temps? Ah non, ne vous inquiétez pas, je ne crie pas. Si vous m'entendiez crier, vous seriez sacrément surpris. Je vous confirme. Ah non, ne vous inquiétez pas, je ne crierai pas. Crier. Ah non, je ne suis pas en colère, je ne crie que quand... oui, dites-moi. Vas-y, criez. Non, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Non, ne vous inquiétez pas. Non, je veux pas embêter, non, excusez-moi, pardon. C'est ça, vous voulez être licencié. Non, je veux pas être licencié, là, je veux pas être licencié. Vas-y, crie un coup. Non. Va crier, va crier. Non, ne vous inquiétez pas, messieurs, je suis digne de mon service et je vais me montrer utile lors de ma patrouille en Segway. Mais faudrait déjà que tu saches monter dessus. Je sais monter dessus, monsieur. Le demi-balai à chiottes, je t'ai demandé de commenter... traitez-vous tous avec amour et stupeur, s'il vous plaît, ainsi que... Si quelqu'un aurait quelque chose pour m'essuyer le visage, je me sens... Dites-moi, est-ce que je saigne? Tiens. Un petit peu, vous avez un petit bonbon, quoi. Merci. Merci.
Si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de reprendre mon service. Prends cette nuque là et écoute tes supérieurs, crie un coup. Oui. Et crie un coup. Non, je ne crie pas sur commande, je suis désolé, c'est que dans des situations de stress extrême. Tu veux que je te licencie là en fait ? Non. Non, s'il vous plaît, je suis désolé, pardon. Non, désolé, pardon, chef, je vais montrer. Je vais vous prévenir, excusez-moi de l'uniforme, pardon, monsieur chef. Bah, il fait taire tout le monde, vous êtes fort, hein. Le blanc. Ça va bien se passer. Odinson, je vais vous mettre une balle de pompe. Oh non. Hein ? Non, non. Vous me laissez ce plaisir ? Bah non. Ah. Comment ça ? Pourquoi Odinson, faire ? Odinson. Oui, dites-moi. Oui. Pourquoi vous êtes tout le temps stressé ? Je suis pas stressé, malgré les apparences. Je comprends bien que les gens pensent que je suis stressé. Vous devriez voir au combien je suis détendu. Parfait. Allez, good. Regardez, il y a un Segway juste derrière moi. Vous le prenez, vous allez patrouiller. Pardon, excusez-moi. Il y a un Segway derrière moi là. Très bien. Il y a cet agent là. Il va y aller avec vous. Non, mais c'est bon, je vais avec lui, on va chercher à bouffer. 28, vous faites prendre en otage, vous êtes viré, c'est bien compris, 28. Pardon ? Vous faites prendre en otage, vous êtes viré. Non, vous inquiétez pas, je suis un fin négociateur. S'il y avait le moindre pépin, je saurais, grâce à la force Nemo, me sortir de toute situation incommodante. Bonne réponse, Mathieu. Merci infiniment pour votre reconnaissance. Non, on fait reprendre Dizzy. Regardez Odinson. Oui, parfait. Ouais. Dizzy's rolling. Bah, on va juste accompagner Vatut pour. On y va pas trop vite. Vous êtes trop une gentille type en plus. Plus vite. Je suis pas à l'aise d'aller plus vite, patron chef. Allez, non, c'est déjà, ça va vite, déjà c'est en pente. Allez, ça va faire. Allez, plus vite là, allez. Vous inquiétez pas, là. Il y a une urgence. Non, vous inquiétez pas, ça va déjà bien assez vite. Il y a une urgence. C'est un engin de malheur, prenons une voiture. Ah non. Allez. Mais je vais de toute ma vitesse. Allez, penche, allez, plus vite, allez. On se penche à droite. Est-ce qu'on peut prendre un vélo, s'il vous plaît? Non, je pense qu'il faut persévérer. Il faut persévérer. Vraiment, tu persévères avec tes putains de séquences. Oh, Odinson. Je viens de me casser la gueule par ta faute. Ah non, patron chef, excuse-moi, vous voulez que je saute dans l'eau? Oui, allô. Il a dit oui. Il a dit allô. Il a dit allô. Non, mais pas allô, allô. Non, mais il est con. Allez me le chercher. Oui, allô. Je suis un piètre nageur. Je te tiens. Si je suis un piètre. Non, bouge pas. Attends, bouge pas. Je te fais la grosse chute. Vas-y. On va pas réussir à remonter. Bouge pas. Hop, je te le passe. Voilà. Bouge pas. Ah. Merci Patricia des gros bisous. C'est nouveau test. Shane. Oui. 24, conduisez cette voiture ou partez en patrouille avec, avec un des deux. C'est pas grave. Parce qu'ils ont eu la chance d'avoir esquivé le processus. Allez, à tout à l'heure. Et du coup, maintenant, le processus est en place, donc voilà. Il est passé où, lieutenant? Allez, voilà, mais vous inquiétez pas, hein, Test Force Lincoln, c'est rien. Et du coup, moi, je me suis fait baiser mon Segway, là. Okay. Vas-y, une somme sur votre Segway de suite. Patron chef, je viendrai immédiatement. Je me suis fait baiser mon Segway. Bah retournez au poste en chercher, hein. Rejoignez-nous au Burger Shot. Mais moi je vais rentrer à pied, prenez celui-là. On se fait tirer dessus. Par où? J'ai pas de PB. 2-0, on vient de subir des shotfire à l'arme automatique au niveau du LTD à côté du poste. Merci à toi, Ed. Viens. Oui.
Viens ici. Allez hop, je te mets sur mes épaules. Ah pardon, excuse-moi. Attends, excuse-moi, oui. Attendez, je me mets sur mes épaules. Très bien. Mais comment ça? Non, je veux pas voir ça. Bon, Odinson, allez, on peut attaquer. Je vais à pied, vous inquiétez pas. On laisse le Sigouet tous les deux, c'est hilarant. Mais il a dit allô. Merci pour le clip. Ah, j'ai crevé. Allez. Lui qui m'escorte en Sigouet, moi avec mon taser et ma tête défoncée. Ah putain, on a fier à lui, hein. Ah putain, je vais crever. Merci encore à tout, Patricia. Merci encore pour tout. Allez, Odinson. J'y vais de toute ma vitesse. Vous êtes en train de vous faire électriser ou... Pardon. Vous êtes en train de vous faire électriser ou c'est moi? Non, ça va, je me suis fait mal. Ah, je vais crever, putain. Vous êtes officiel. Et vous arrivez comme un con dans le poste et vous me rentrez dedans en plus. Je vous ai pas vu. Vous m'avez pas vu. Pourquoi? Putain. Parce que je suis noir, vous êtes raciste? Non, on retourne sur le racisme. Non. Un peu. Enfin. Bon, bref. Comment ça? Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Vous trouvez pas qu'il a une nuance de plus? Je pense qu'il va être hilarant, celui qui voit. Vous avez utilisé la cam? Il a dit allô! Là, vous voyez? Je suis... Là, vous voyez, je suis de bonne humeur. Là. Donc là, vous allez vite tracer de ma route, d'accord? Vos bijoux de merde, là, vous allez me les retirer, d'accord? Et si je revois votre gueule de merde pour la soirée, je vais vous allumer. Ouais, prenez un 10-10, vous avez raison. Allez tirer un coup, là. 47-10-10. Odinson. Oui, patron chef. Oui, patron chef. Patron chef, je me suis vraiment très digne ce soir, c'est ça que vous essayez de me dire? C'est ça. Continuez comme ça, Odinson. C'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Vous m'avez trouvé très bien. C'est ça, c'est tout pareil. Je suis content, c'était un honneur de servir à vos côtés, patron chef. Mais c'est pas fini. Oh non, on peut prendre des vélos, s'il vous plaît. On va aller chercher vos menus. Très bien, entendu, patron chef. Je tiens à vous dire en avance, est-ce que vous pensez que le restaurant pourra me faire crédit? Attendez, taisez-vous. Ah, ça t'a plu, Tibbs? Merci beaucoup, en vrai. Merci infiniment, mec. Merci, en vrai. Je suis trop content de cette chanson, en vrai. Merci de me partager ton opinion positive, en vrai. Trop besoin d'encouragement, en vrai, dans ma life, je crois, en ce moment. Je suis content, en vrai, si, je rentre très content, ouais. C'est pour de vrai, la chanson. Dégage, Madame 0116. Bon, allez, Odinson, venez, on va chercher vos menus, là. Mais tu crois encore en Segway? Venez. Ouais, passez une bonne soirée. Merci. Également. Non mais... Oui, bonjour. Bonjour. J'ai failli vous écraser, ça va pas, vous? Ça va. J'ai pris une petite balle. C'est qui? C'est qui? On peut plus. Elijah, je suis le médecin. Ah d'accord. Vous voulez quelque chose en particulier? Non, c'est bon, je rentre chez moi là. Ah ok. Vous voulez qu'on vous dépose peut-être? Non, ça va aller, vous inquiétez pas. J'ai des os, Tibbs. N'hésite pas à la spam sur Spotify. N'hésite pas, Tibbs. Un plaisir. Vous inquiétez pas, on est tous passés par là. J'avoue, chaotique. C'est vrai qu'Alba, c'est que ça. Trop de balles. Taraka. Ah oui. Me permettre un petit élan de blagounette. Invoquante, patron chef! Il vaut mieux en rire. Ouais, j'ai sorti une chanson que sur Spotify hier, Jade. Hier, bah tiens, t'as le site, on t'a mis juste en dessous, Jade. J'ai sorti hier, celle-là. Ah
ça va, c'est pas trop rapide pour vous là? Non, c'est parfait, je suis sûr que nous avons fière allure dans ce bolide. Pas trop vite quand même. Tout ça pour aller là. Ah, fait 9 et 20 mètres. En 9 et 20 mètres à faire, je vais mourir, putain. Je vais mourir, on avait 20 mètres à faire, kill et moi, pitié. Tuez-moi en me killant, pitié. 2-0 en fait, d'école utile, allez à l'essentiel. S'ils vont dans l'eau, bien sûr qu'ils nagent, hein. Soyez pas cons. Et bonsoir. Bonsoir, dis-toi. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a vous pour vous? Comment ça, attends, Sims, comment c'est que je parle plusieurs langues? J'ai pas parlé plusieurs langues. C'est fou ça. Et non, tu rigoles, le chat est fait pour ça. Je vous laisse commander. Patron chef, je dois vous faire une confidence. Oui. J'ai deux piètres moyens, je ne serai pas en mesure de me payer. Pas, je paye. Ah non, je ne peux pas accepter une pareille offrande. Attendez, j'ai une idée. Monsieur, est-ce que vous avez de la vaisselle à faire dans votre restaurant? Non, c'est que des jetables. Oh non, non. Est-ce que peut-être je peux aider à faire le ménage et laver les plaques de cuisson? Non, c'est tout. On le fait nous-mêmes, mais c'était bien gentil de votre part, monsieur. Non, mais c'est, excusez-moi de vous mettre dans l'inconfortable situation que vous deviez me refuser quelque chose. Peut-être à la rigueur, si vous avez, est-ce que vous pourriez regarder si vous avez quelque chose qui va périmer bientôt ou des invendus ou non, peut-être même. C'est bon, c'est bon. C'est non, bon, non, mais vous inquiétez pas, je ne veux pas. Mettez-moi 10 menus, s'il vous plaît, 5 chacun. 10 menus, pas de soucis. Patron chef, vous m'incommodez, patron chef. Patron chef, je sais... Vous inquiétez pas, c'est... Je passerai des tickets resto, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas, je sais ce que je peux faire, je peux vous donner ma plaque pour vous remercier. Pourquoi vous voulez que je la lustre? Non, pas du tout, non. C'est, ça a de la valeur? Bah, ça a de la valeur pour vous, donc conservez-la et prenez-en soin toute votre vie. Ne la remettez jamais. Sauf si on me le demande, patron chef. D'accord. Personne vous le demandera. Je parle allemand, espagnol, anglais et français. Oui, patron chef. Vous allez où? J'ai pas envie de gêner ce monsieur pendant qu'il vous sert. Vous inquiétez pas, il me fait juste la facture. Là. Oh non, Ah, let's go, Thieves. Let's go. Merci beaucoup en vrai, les. Merci beaucoup pour les. Gentils mots doux. Ou alors, je t'ai accepté déjà. J'ai dû accepter en buvant en même temps. Last Friday night. Et du coup, Tips, tu m'as connu d'abord sur YouTube ou d'abord sur TikTok? T'as fait quoi, TikTok, YouTube, Twitch ou t'as fait YouTube, TikTok, Twitch? J'ai fait, mais je pense que ça s'est accepté quand je buvais. Non, je l'ai pas reçu. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre. Vous savez combien est payé un agent de police? En l'entendant, j'entends pas. La terre entière. Il a payé 25 000 dollars, vous croyez qu'on en a mis? Est-ce que. Je pense pas. Courage pour ton mal de tête, Edel, merci pour tout, vraiment. Merci infiniment. Je pense pas, mais bon, après. Nous, c'est des produits frais et on fait ça. Non, non, mais par pitié, ne me dites pas un produit frais dans un fast-food rapide type McDonald's. Si, c'est du produit frais. On s'est livré. Mais vous êtes la plus grande chaîne de restauration de fast-food des États-Unis. Vous êtes en train de me faire croire que vous avez des produits frais qui coûtent cher. Vous achetez en euros. Eh bah oui. J'aimerais bien, mais quand j'aurai une opportunité en fait. Vous êtes le patron? C'est un peu un truc, un move facile de chanter en RP, je trouve. D'accord. En vrai. Il va falloir qu'on passe un contrat. On est voisins, il va falloir qu'on fasse une entente. J'aimerais bien le faire après, quand c'est vraiment bien amené. Là, quoi. Je peux pas envoyer des agents à moi, payer 3000 balles pour 10 menus. Elle me dit, tu paieras tes délits. Ils ont 20 000 de paye. On traîne ses chaînes. Ils ont rien. Si, ils ont un salaire à la fin de la semaine, 25 000 dollars. Et 25 000 dollars, c'est tout.
Eh, bon, vous êtes payé combien, vous, pour porter un jugement, là, sur le salaire de mes officiers? Non, je sens que le ton commence à monter, nous ferions mieux d'y aller, S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, messieurs... Moi, je suis très à l'aise pour parler d'argent, dites-moi. Non, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis payé à l'heure, et puis... messieurs, en tout cas, merci infiniment pour votre sollicitude, merci pour ces, pour ce menu des six, merci pour ce menu, merci pour ce repas. Ouais, allez, on nous, on va y aller, merci infiniment, passez une bonne journée, au revoir. On signera un contrat, hein. Je les ai eu à la fatigue. Ok, ça marche. 3 000 $, t'imagines? Vous avez payé 3 000 $, là? Oui. Non, mais attendez, mais moi, je vous dois... Je pourrais jamais vous rembourser ça, patron chef. Vous inquiétez pas, je vais déduire sur la facture du poste. Non, non, patron chef, non, je ne veux pas coûter plus d'argent que ce que je n'en coûte déjà avec mon équipement, patron chef. Mais vous inquiétez pas, vous savez quoi? On va faire une petite patrouille de proximité dans le quartier. Très bien, patron chef, allons-y gaiement. Oula. 2-0 pour dispatcher. En brossant en radio. Moi je pense qu'on a des petits soucis présentement. Là vous me recevez? 0-1, vous m'entendez? Très bien, du coup je suis avec Odinson en petit caddie, on va faire une patrouille de proximité dans le quartier qui nous a posé problème hier. Mais c'est parce qu'on est des débiles. Et en fait, ici, je sais ce qu'il y a parce que j'ai regardé le live de Golden. Et ici... je sais que c'est le nouveau perso de Golden qui est là. En gros. Dans cet égard, mais je vais faire comme je le savais pas. Hein. Si je le savais pas, mais c'est le quartier du... De là où Golden est maintenant, ça, ici. Tu l'as toujours sur la 912, bien sur vu. Sur les MDT. Dans la formation en fréquence. Du dispatch, je suis passé dans la base. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Et je me fais contrôler tous les jours par bonjour. Ce ne sera pas nécessaire, vous vous comportez bien dignement, vous pouvez circuler sans aucun problème, messieurs. Vous pouvez circuler pareillement, messieurs. Hein. Parce qu'en gros, vous barrez la route, moi je vais partir à gauche. C'est 0-1 ça. Non, vous oui, c'est 0-1, comment allez-vous? Petite patrouille de proximité, on s'est dit que ça vous ferait plaisir. Tranquillement. On est là pour veiller sur vous et votre sécurité, messieurs, et nous sommes ravis de le faire. Nous le faisons avec le sourire. Ouais, on voit ça, nous avoir enculé, bien. Attention avec les grossièretés, s'il vous plaît, en présence des forces de l'ordre, s'il vous plaît. Mais j'ai rien dit, là, chef. Vous aviez dit le mot en E. Le mot, lequel? Vous avez dit un mot qui se dit pas, messieurs. Vous êtes bien à l'aise sur notre... Vous êtes bien à l'aise sur nos véhicules, s'il vous plaît, messieurs. Pourriez-vous, s'il vous plaît? Ils sont assez confortables, non? Ils ont l'air, en tout cas. Ils le sont. On est bien traités dans ce formidable service qui est le LAPD. Il y a une gourde, c'est quoi dans la ça gourde? Ça fait plaisir, chef, ça fait plaisir. C'est quoi votre nom, vous? Moi, je suis Odinson, Peter Odinson. Je souhaiterais me présenter formellement, je suis enchanté. Enchanté, Peter Jimson, enchanté. Je suis ravi de servir d'aussi humbles saints citoyens que vous l'êtes, messieurs. Moi aussi, ça fait vraiment plaisir. Peter de Dixon. Et n'hésitez pas si vous voyez des malfrats à nous faire un petit appel. Moi j'ai peur. Un petit appel, bah après, je vous mens pas, hein. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas dans... De 24, est-ce qu'on a des agents qui sont en train de dispatch? Peter, je t'aime bien, t'es bon, t'es beau. Oui. Et tout. Oui. Mais on n'est pas comme ça. Mais non, mais si vous n'hésitez pas, s'il y a le moindre souci, je répondrai et je donnerai ma vie pour vous servir. Merci Peter, t'es un bon Peter, toi je te retiens dans ma vie. Je suis content d'entendre. Mais comment ça? On passe vous dire bonjour, comment ça? La dernière fois, vous avez insulté, hein. Vous m'avez insulté ma mère. Comment ça, je vous ai insulté votre mère? Merci, vous avez dit merci la dernière fois que tu parlais comme ça à mes agents, je te nique ta mère la pute. Moi, j'ai jamais dit ça parce que c'est pas ma façon de parler. Non, c'est vrai, vous avez pas dit ça, désolé. Je voulais peut-être trouver un terrain d'entente pour que tu me passes un peu d'argent. Mais Del, j'espère que tu vas. Là-bas, il y a Del Biotech, je vais les voir, ils sont avec les Crispies. Vas-y, tu t'appelles comment toi, monsieur? C'est quoi les Crispies? C'est ce qu'on met dans les Kellogg's. C'est comment je matin, midi, soir. Ah, c'est super, une bonne alimentation, un bon repas dès le début de la journée, ça vous garantit une journée avec plein d'énergie, messieurs. Mais monsieur, je suis d'accord avec toi. Monsieur, pourquoi vous êtes droit comme ça, on n'est pas devant... Oui, Peter Dixon, qu'est-ce qui se passe? Non, ne vous inquiétez pas de ma posture, celle-ci vous montre le respect que je vous voue. Incroyable, que vous, tu vous voues? Merci beaucoup, mais merci, c'est pour le droit. Vous pourrez toujours compter sur moi. Tant que je serai dans cette ville et vous serez en sécurité, nu pour que vous alliez. Ça, oui.
Ok, super, entre merci en tout cas. Ah, merci de ton investissement et notre sécurité, d'assurer notre sécurité. Avec grand plaisir, messieurs, patron chef. Peter, vous êtes quel grade, Peter ? Non, c'est pas, moi c'est pas patron chef, c'est Jeffy. Monsieur Jeffy, enchanté. Enchanté, Peter. Tu serres la main, je peux te tirer la main. Absolument, bon, absolument, mais s'il vous plaît, serrez pas trop fort. Non. Moi je peux. Non, merci. Attends, je te serre la main quand même. Ah oui. Un petit check au pire. Je suis content de m'être fait, de m'être fait des amis. Eh oui, ça fait plaisir. Bah oui, en plus c'est des bons. Ça a l'air, ils ont l'air d'être, des gens très fiables. Je suis content de vous avoir rencontré. Peter, t'es l'ami de mon frère, je suis ton ami. Viens. Enchanté. Vous êtes si, lui c'est Jiffy. J'imagine que vous êtes la foire fouille. Non, moi je suis Shadow. et Peter, me manquez pas de respect, s'il vous plaît. Oh, c'était une petite boudade, monsieur. Pardon. Pas de problème, Peter. Alors Peter. Merci. Je t'aime bien, je t'apprécie. Et jamais 203, allez bien. Ah très bien, je suis enchanté, moi c'est aussi monsieur. C'est Jeffy, moi. D'accord, pardon, excusez-moi. Moi c'est Anderson. Anderson, ça va Anderson. Bah, écoutez très bien. Hop là. Tranquille hein. Soirée un peu mitigée non de votre côté. Ah compliqué là, on décompresse le rookie là un peu. Non. Ouais, moi je vais décompresser toi, tu vas voir toi. Il avait des choses à dire je crois. Il y a quelqu'un qui avait Ah ouais, c'est une sacrée voiture ça encore. Il y a quelqu'un qui avait de la colère en lui, il faut qu'on l'apaise. Exactement, il faut apaiser son cœur. Oui, mais vous inquiétez pas, c'est ma mission ici. Ah ouais, chef, tu m'as l'air bien droit là. Non, vous inquiétez pas, ceci est une forme de respect. Je suis Odinson, Peter Odinson, matricule 26 pour vous servir. Ah ouais, tranquille, c'est pas noté, hein. Tranquille, prends ton temps. Oui, vous inquiétez pas, moi, de là, ce que je suis content, c'est de vous voir tous ici en sécurité et de savoir que vous puissiez traîner dans les rues tard sans vous faire incommoder grâce aux forces de l'ordre qui veillent sur votre sécurité. Il a tout dit. Ah ouais, c'est réel, hein. Non, franchement, j'aime bien, tous les jours, c'est un très 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 bon agent de l'IPD. Je suis content d'attendre, je suis content de l'entendre. Pour avoir des responsabilités, hein, parce que là, franchement, il fait un très 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 bon taf. Franchement, oui. Vous devriez prendre exemple sur lui, hein, Anderson. Ah non, vous savez, il m'a pris tout ce que je sais. C'est un digne instructeur. Et pourquoi je suis très respectueux? Regardez, je vous parle tranquillement, poliment. Attends, vos collègues. Ah, derrière son masque. Collègues qui sont en intervention avec moi sur la plage, on va escorter les EMS. Bah après, vous savez, hein, c'est donnant-donnant. Quand vos petits copains nous tirent dessus, bah c'est donnant-donnant. Ah oui, non, après moi je tire pas. Mais quoi, comment ça? Moi, attention. Moi, je suis un mec tout à fait honnête. On tire pas, nous. On tire jamais, bon bah jamais. Alors nous, attends, les gars, nous, on peut faire jamais. Des messes de peau toute la soirée, y'a pas de soucis, les gars. Et comme on dit, peace and love, hein. Y'a pas la guerre, que de l'amour. Ah, y'a que de. Ah bah, alors de l'amour, peut-être pas, mais en tout cas de l'appréciation cordiale, oui, il y en a. Vas-y, les émeraudes en vif. Moi, je sais plus ce qu'on fait là. Hein. Bon bah ça fait plaisir, une petite patrouille de proximité, de voir les voisins. Bah là, oui, franchement. C'est un honneur. C'est un honneur partagé, pareil, je sais pas si on peut dire. Honneur aussi, honoré d'avoir parlé avec vous, Peter. Ah, c'est moi, si vous rigolez, c'est moi. Je suis content parce que j'ai eu un accident de Segway et j'ai fait un piètre moral et me voici bien plus heureux maintenant que j'ai fait la connaissance de mes voisins proches. Peter, je me mets comme toi parce que je te respecte. Très bien, alors vous c'est super. Moi aussi, pour la moi paix. Aussi. Allez, tous comme Peter. Il manquerait plus que je me foute une balle dans le pied, là. Peter. J'ai mon pied, pas en live. Peter, quand tu fais garde à vous... Ah non, on peut pas, on a pas d'arbre. C'est cool. Vous êtes super, merci beaucoup. Fais-le, Peter, vas-y. Fais-le. Fais-le, Peter. C'est parti. Aïe. Aïe. Ouais, c'est dangereux ça, c'est dangereux ça. Ah, faut le poser, je crois. Vous êtes vraiment super, merci à vous. De rien, y'a pas de soucis, Peter. Merci à toi, Peter. Je vous souhaite une soirée très agréable. J'espère que c'est une agréable soirée. Vas-y, Peter. Au revoir, messieurs. Excusez, vous êtes agent disponible, s'il vous plaît. Bonsoir, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée, Tango 97. Bonne soirée, 01. Bonne soirée, bon courage. Au revoir, messieurs. Bonne soirée, faites attention aux photos qui traînent sur internet, 01. Ouais, bah vous savez, les deepfakes, hein, je suis habitué, y'a pas de soucis. Regarde pas. Salut, je sais pas. Les gars. D'ailleurs, si vous savez qui est la personne qui fait ces deepfakes, hein, n'hésitez pas. Hein. Dis quoi? Les deepfakes. Pourquoi t'en as besoin pour te venger de quelqu'un ou quoi?
Il y a Golden qui est là. J'aimerais bien au moins lui fournir des vraies photos plus élogieuses parce que bon, des deepfakes un peu. Yo, vas-y, moi je les veux tes photos, moi. Ouais, ok, bah j'imprime ça et je vous les amène. Vas-y, ça marche. Salut. Au revoir, messieurs, au revoir, merci. Au revoir. Je pense qu'on a fait un bon travail, de proximité là. Je suis d'accord, Didson. C'est un très bon travail. Non, je veux pas savoir. Non. Quoi ? Dites-moi. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais peut-être prendre mon 10-10, patron chef, si ça vous dérange pas de pas vous énerver. Vous voulez prendre votre service ? Il se pourrait, oui, monsieur chef, bien que ce fût un honneur de servir à vos côtés.